Bon, on va mettre en bleu. J'ai pas assez de sous, je suis pauvre. Voilà, c'est dit. Plusieurs streams. Après, c'est peut-être parce que t'es pas proche d'une chaîne. Il me semble qu'il y a moyen que dès que t'es proche d'une chaîne, en fait, ça te l'affiche. Mais quand t'es pas proche d'une chaîne de visionnage, en fait, ça te le met pas. T'es pauvre, bah j'ai 399 quoi. Tu me juges un peu, j'ai l'impression, mais ça se fait pas trop. Je connais plus mon mot de passe Twitch, vous savez, si je peux le modifier. Alors, si tu le connais pas, tu vas avoir du mal, je pense, parce qu'il te le faut pour modifier, je crois. Il faut que tu mettes l'ancien pour mettre le nouveau. Si j'ai pas de conneries, comme tous les trucs de mot de passe. Mais sinon, tu peux faire j'ai oublié mot de passe. Ouais, c'est ça, Numap. Blanc, vert et avec des touches de bleu, tu vois, des trucs un peu comme ça, assez pur en vrai. Parce que là, je peux pas mettre du vert, il est moche le vert là. T'es mal à la gueule. Il y a même pas. Ah, si, c'est ça, c'est moche. Nous, on veut du bleu, il est plus mignon avec des petites fleurs. On va mettre du bleu aussi. Salut Oscar! C'est bizarre car je passe ma vie chez Fluffy aussi, j'ai pas les streams. Ah ouais? Bah alors, il doit y avoir des personnes qui n'ont pas. Attendez, mais je suis pas cadrée. Je me mets là. Il doit y avoir des. Putain, mais j'ai mal remis la cam ou quoi? J'ai pas vlogué encore aujourd'hui là, je vloguerai après, je pense. Je suis en train de penser que j'ai absolument rien du tout tourné. Enfin, j'ai absolument rien tourné du tout, plutôt. Putain, d'ailleurs, gardien. Arrêtez de l'appeler gardien, j'ai pépé. Ah oui, mon live TikTok, merci Gatien. Ou gardien. Le gardien des lives. Merci Clara pour ton follow, bienvenue. Gardien sur nous. J'ai pas tout le temps les streams consécutifs. Des fois, le widget disparaît quelques jours puis réapparaît. Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Enfin, je pense que c'est ça. Dans le sens où, genre, il te le met quand t'approches pour que tu saches. Et une fois que c'est passé, bah, au prochain palier, il attend puis il te le remet, tu vois, après, je pense. Ça doit être un truc comme ça, un truc du style en vrai. Enfin, je vois pas comment. Enfin, pourquoi on n'aurait pas. Ah merde, il y a collaboration commerciale, casse-toi. Voilà, merci. Numap. Et salut Malo. Bienvenue à toi. Salut Juni. Un petit moment que je suis pas passée sur tes lives, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoute, ouais, ça va bien. On est en train de personnaliser tous nos meubles pour pouvoir les transférer après sur mon autre île. J'espère qu'elle a de la batterie, la Switch. J'ai arraché le dock avec, vraiment. Ok, elle a de la batterie, mais pas des masses. On va la recharger un peu. En attendant. Comme ça, oh, je suis à 30%, ouais. Bon, au moins on sera bien. Serge, tu parles trop. Dis-lui plus fort, s'il te plaît, parce que là, vraiment. C'est un cœur en soutif? Pas du tout. C'est un cœur avec des doigts qui font. Bref. Bref. Le nom de l'émote. Elle s'appelle Boule. C'est pas du tout un cœur en soutif comme je le pensais, finalement. T'arraches pas, tu t'excuses au câble d'avoir arraché. Désolé le câble. C'est pas le câble, c'était le doc. Désolé le doc. J'espère il m'en voudra pas. J'espère pour lui. Déposer les objets. Un cœur en soutif, tu peux arrêter de dévoiler mes sous-vêtements devant tout le monde. Ah mais pardon Lolo, je savais pas. Excuse-moi, franchement, désolé. Des fois, ça me prend comme ça et j'oublie qu'il y a des trucs qu'il faut pas dire, genre devant tout le monde. Genre, ça, je peux pas dire que c'est ton soutif qui était sur le cœur. Bref. C'est le cœur boule, ouais, ok, ok, ok. C'était un secret, bah, je suis désolée, Lolo, franchement. Salut Swan, comment ça va? Bonjour à ceux qui arrivent, salut Cindy, comment ça va? Et merci Chloé pour ton follow. Merci beaucoup. On connaît les secrets d'Ayami, mais voilà, mais en fait, c'était vraiment. Un truc qui était pas à dire en fait, et je l'ai dit, donc je suis vraiment navrée. Oh purée, après on a tous les stands, on s'en sert pas. Hein. Tous les bateaux et tout là. Ça va me coûter 70 milliards de personnaliser, ne serait-ce qu'un bateau là, je vais hurler. Barbecue, voyons donc. Je me tâte à personnaliser ça, mais en vrai on va pas s'en servir. Hein. Pff, ça osait franchement. Ah, les vélos. Non, putain, ça va être long. On va les mettre en blanc, comme ça, je pense. Faut pour que ça aille avec la truc. Ceux-là aussi, on va les mettre en blanc. Les scooters, on va les mettre en... On peut les mettre en vert, ceux-là. On va les mettre en vert. Il y en a beaucoup de blancs, donc on va les mettre en vert pomme. Enfin, vert celui-ci, là. Et les voitures. Oh là 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 là. J'ai des... Oh, j'ai des grosses voitures. Ça, c'est les petites voitures de luxe et tout, là. On slay, en fait. Coucou Emily, ça va et toi? Comment vas-tu? Ok, j'ai plus de place. Ça va être. Oh, putain, ça va être long. Il est cher de ouf. Vert pomme! T'aimes pas le vert pomme?
Coucou Aksu, comment ça va? Et salut Nania. J'espère que vous allez bien pour ceux qui arrivent. Si tu veux, Jana, j'ai fait plein de tutos sur YouTube. Et salut Elisa, je les commande tous les jours, les meubles. Quand je fais des îles, en général, je les fais en live et je commande tous les meubles que j'ai besoin pour la construction du jour, tu vois. Et à force, bah, quand je rase l'île, j'en ai des centaines de meubles, enfin, j'en ai même des milliers de meubles tellement j'en ai. Il faut les commander, hein. Tu joues tous les jours, tu commandes 5 meubles dans le Nookstop, tu commandes 5 meubles sur le DLC, tu commandes des meubles en Miles, hop hop hop, t'en as 15 par jour, ça te fait un bon stonks en vrai. Merci Xesh, je pense que c'est comme ça. Merci pour ton follow. C'est une mise à jour ou c'est... Non, c'est Animal Crossing normal. Ça, c'est l'île de Joe. Ça, on a fait, on est good. Celui-ci. C'est l'île de Joe, ça. Salut Chidori, salut Malfoyus, salut Sibyl. J'espère que vous allez bien. Salut Lily, salut Liana, merci pour le follow. Salut Marina, pardon, merci pour le follow aussi. Ça c'est Altea, mais Altea en fait, je vous explique, je vous remets dans le contexte. Pour tous ceux qui débarquent. J'ai 3 îles Animal Crossing, j'ai 3 Switch. Donc j'ai 3 îles. J'ai mon île Akomun, qui est mon île de base, ma plus belle île, ma plus grosse île où j'ai tous mes anciens thèmes d'Akomun, j'ai l'objectif 100% du jeu, etc. sur Akomun. J'ai ensuite une deuxième île, Altea. Altea qui est cette île-ci sur laquelle je suis actuellement, que j'ai rasée au niveau uniquement des meubles, donc j'ai rangé tous les meubles que j'avais posés dans ma ville. Et j'ai ma dernière île qui s'appelle Luby. Luby, c'est mon île du Let's Play qui est uniquement fait sur YouTube. Donc vous ne la voyez littéralement jamais, jamais, jamais en live, puisque c'est une île qui est réservée à YouTube uniquement. Et en fait, mon île du Let's Play, quand j'y joue, je n'y joue uniquement qu'en vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, je ne joue pas hors vidéo, je fais tout en vidéo. Sauf qu'en fait, bah, quand je fais tout en vidéo, je dois animer, etc. Et c'est vite fatigant. Donc en fait, j'arrive pas à jouer des heures et des heures et des heures et des heures sur Luby pour débloquer des meubles, pour tout commander, pour me farmer des sous et tout. Et j'ai plus le moral, j'ai plus la foi de faire ça. Du coup, en fait, j'ai récupéré tous les meubles de mon île Palm Spring colorée pour les mettre sur mon île, du coup, Luby Palm Spring, crème, blanc, vert, bleu, quoi. Dans les tons là. Du coup, je suis en train de tout personnaliser parce que j'ai des sous avec ce personnage, mais pas avec Luby. Enfin, j'en ai pas des masses sur Luby. Donc, je profite pour avoir un peu de thunes et pouvoir personnaliser tout ce que je peux. De Debra ou quoi toi, t'es un peu trop dans le déni du map, je trouve. Tu accuses un peu trop la PAM. Ça coûte combien? 8000, c'est une vanne. Et coucou Ulio, coucou Elisa, merci pour le follow, j'espère que vous allez bien. Au bout de 5000 heures de jeu, forcément, t'as... Bah c'est ça, en fait, c'est surtout que, honnêtement, ça prend vraiment beaucoup de force de... et beaucoup de... Enfin, c'est épuisant, en fait, de streamer, enfin, de pas de streamer, mais de record pendant plus d'une heure et demie à chaque fois que je fais un let's play. Et genre, à chaque fois, de faire la même chose, de pas pouvoir avancer, et j'avance pas, ça me saoule. Et j'ai pas envie que, la... que le let's play, il fasse 6 milliards d'épisodes, etc. Ça aurait été trop long, quoi. Si tu supprimes les motifs, ça te met pas personnalisé les... non. Non, je crois pas. Je crois que ça te met juste le motif effacé. Motif blanc, ouais, c'est ça. Donc ils sont tous personnalisés, mais en blanc, je crois. C'est trop nul, ça. J'avoue que c'est un peu chiant. le vert, ici, il est vraiment pas beau. On va mettre en blanc, tant pis. Il y a quoi? C'est quoi, ça? On va mettre ça, hein. Non, c'est vrai que Lara, je le mets plus trop sur YouTube. Enfin, j'oublie complètement en fait de le mettre. C'est vrai, faudrait que je reprenne le rythme de le remettre. T'as raison de m'y faire penser. Et solo, tu peux pas demander. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, tu vois. J'avance pas pareil qu'en stream. Je pense que si on faisait le let's play en stream, faut voir comment on aurait presque fini. L'île serait finie, tu vois, je pense, depuis un moment. Mais en vidéo, toute seule, une fois par semaine, en fait, c'est long, quoi. Faudrait que je fasse genre 5-6 épisodes par jour. Pour me mettre vraiment dans le mood et tout, enfin c'est un peu plus complexe. 10 000, oh là là, le prix du truc. Un peu cher, je me permets, c'est excessif. C'est excessif. Oui, c'est l'île de Joe, ouais. Mais il faut débloquer, faut les payer et tout. Merci Cowboy pour le follow et merci D aussi pour le follow sur TikTok. Putain, le gros spook. Vérifier sur l'ordi, ça affiche le nombre de strings consécutifs. C'est quand t'es trop proche d'un palier, j'ai mis 30 minutes à vérifier, mais. Ah bah, let's go alors. Serge voleur réel. Merci Flavie pour ton follow. Non, c'est abusé par contre. Attendez, mais ça c'est quoi déjà en dessous, le logo? Allez, on met un petit dauphin. Soyons fous.
T'es un zol, qu'est-ce que c'est? Kubi, t'as écrit? T'as rien... C'est vraiment Kuo Boy. Pas vra... C'est vraiment pas Kubi, quoi. Après, on peut le surnommer Kubi, hein, si la personne est d'accord. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Je suis pas sûre. Serge fait partie de la famille de Tobok. C'est vrai, ça, cette histoire, hein. Serge, à force, là, on est en train de se poser des questions, mon petit loup, là. C'est pas un loup, mais vous avez capté. C'est quand même Samy et Scooby. Y'a pas à déformer les pseudos de la sorte. Samy et Scooby, carrément. Y'a plus aucun respect. Il parle trop, c'est un rat. En fait, il nous répète, là. T'imagines que dans la vraie vie, c'est répéter autant de fois les mêmes choses. Oh, tiens, on dirait le métier de streamer. Bizarre. Petite boutade. Infiltré sur nous. Tiens. Attends, imaginez, hein, si tu devais répéter autant de fois la même chose dans la vraie vie, franchement, fou. Imaginez, hein. Salut, Héloïse, comment ça va? Sûr que tu vas bien. Salut, Evie, comment vas-tu? Imaginez. Je vais demander à Tammy aussi. Je sais pas comment je pourrais la faire en animé. Je vais noter l'idée. Émote chapeau chapeau. Émote. Je vais juste mettre le chapeau chapeau. Pourquoi je vais écrire chapeau chapeau direct? Voilà. Comment je pourrais l'animer ça? Je sais pas comment on pourrait animer. Peut-être mercredi. Oui, c'est vrai, Elsa, moi aussi j'ai l'impression qu'on est mercredi. On est vendredi si jamais. On est vendredi 23 février. Et il est 13h. T'en as rien foutu encore. Bah écoutez, il va partir en blanc celui-là. Au standard de mon taf, je ravache. Ouais, littéralement, Zabou, imagine. Imagine. Salut, étoile. En mode deux trucs qui arrivent au-dessus de la tête. Les yeux se transforment. Ouais, les yeux ils se transforment. On peut faire ça en vrai. Comment ramasser. Ah oui, c'est vrai, moi je sais pas, merci, c'est vrai, j'allais oublier le tuto comment ramasser ces motifs. En effet. En effet. Imagine Numa, franchement. Imagine. On va le mettre en blanc. Bon, c'est pas la meilleure couleur, j'aurais bien aimé en crème. Qu'est-ce qu'elle a fait ta soeur Lolo? Salut Emma, comment tu vas? Ma soeur qui écoute du colonel Riel, je propose de la renier. Mais non, elle a bien raison. Laisse-la vivre sa colonel Riel era en fait. Elle a bien raison. Colonel Riel, c'est vraiment des années 2010 quoi. Tu te rends compte que ta petite soeur, elle était même pas née en plus quand c'est sorti. Que ta petite soeur écoute ça. Tu devrais te sentir honorée Lolo, c'est ta génération ça. Dans sa era colonel. Terrible. Genre, on en fait des bleus ou pas? Non, on va faire que des comme ça. Je vais pas laisser passer ça, je sors de mon leurre colonel réel, c'est trop bien, merci. Ma génération, je vais mourir. Bah, c'est vrai! Non, déplaise au hater! Mais c'était qui avait dit ça? Putain, qui m'avait dit ça? Que genre. Il y avait une pote ou un pote qui était archipote de colonel réel et que sur tous les birils, il était là. Je sais plus qui m'avait sorti ça. Je crois que c'était en vocal. Je sais que c'est peut-être Linux. Ça par contre c'est drôle. Tous les birils où il y a colonel Riel sur les trucs, vraiment what the fuck. Je sais plus qui m'avait sorti ça. C'est plus ta gêne que la mienne. Bah t'as... Hey, Lolo t'as 4 ans de différence avec moi, hein, ça va. T'es pas non plus... t'as pas 10 ans. J'estime encore que les 2004 vous êtes dans ma génération. Tout de même. Ministre 2010 écoute aussi colonel Riel et Furie, mais il a fait le tour de France de tous les âges, hein, celui-là. Hein. C'est fou cette histoire. Tu es ma star, tu m'illumines dans le noir. Mais c'était vraiment le banger ce mec. Dans ces eaux-là, bah oui. Comment ils connaissent colonel Riel, les 2000, bah je sais pas, mais écoute, se perdre sur YouTube, hein, be like. Mais eux, est-ce qu'ils connaissent ça? Attendez, je vais vous mettre un truc, vous allez vous retourner. Nos ancêtres se retourneront dans leur tombe. Oh merde. Si c'est ça je crois. Oh waouh. Alors je sais pas si ça vous connaissez. Je sais même pas si c'est strikeable ou pas. Je pense pas en vrai. Alors attention ça risque d'être fort. Avec combien je t'ai aimé. On a pas.
On avait ça, nous, en 2010. Est-ce que vous connaissez ça? On avait ça en 2010. C'est quoi ça? Tu connais pas, Maria? Vous connaissez pas? Il y a 12 ans, il y avait ça. Et vrai, et 8 millions de vues, hein. On avait ce genre de musique, non. Mais non, c'est pas du tout Amel Bent. C'est personne de connu, genre. C'est juste des meufs random qui faisaient des musiques sur un son et ils enregistraient, mais c'est dégueulasse, tu vois. Souvent, je t'en ai fait voir de toutes les couleurs. Ça me dit rien. Ça, par contre, peut-être plus. Repense à moi. Ah oui. Ça, par contre, vous connaissez. Un petit bout de ma triste vie. Rester des heures enlacées dans tes bras. Juste toi et moi, mais maintenant. Ça, vous connaissez? Nous, on avait ça en 2010. Ton beau regard me fait toujours fond. Mais tu m'as quitté. La terre s'effondre. Putain, les audios utilisent. Enfin, les t-shirts utilisant cet audio, je vais mourir. Plus de sentiments, mais moi, je t'aime. Voilà. On a grandi avec ça. Autant, pourquoi tu m'as fait ça? Pas du tout une vibe Jen Ali. Critiquez pas ma reine en fait. Jen Ali, je l'aime d'amour cette meuf. Elle faisait des bons sons, des vrais sons. Des vrais sons musicaux avec des clips. C'est pas comparable. Vous êtes zinzin, critiquez pas ma reine. Avec toi, j'avais un bel avenir. Non mais c'était trop slay ça. Pense à moi. C'était quelque chose. Bref, voilà, moi j'ai grandi avec ça et Colonel Riel, donc. Diana, c'est avec un seul N en fait, si vous voulez. Merci. Je veux pas mettre Diana Lee pour des raisons de droit d'auteur, par contre, ça je pense que c'est un trésor d'internet qu'on peut passer, quoi. Non, Quaboy, désolé, je fais pas ce genre de choses. Ocean Drive? Oui. Je crois. Dis-moi le son, je te dis si je connais. Bah, on dirait le générique de Plus belle la vie, franchement un peu, ouais. À fond les ballons. Alors, je pense que ça va me dire un truc. Et on fait des visites d'île dimanche. Et ça passe par le serveur Discord du Nick pour les visites d'île. Alors attends, je... Bah non mais ça c'est bon, pourquoi je retourne dessus? Ok. Salut Marine, ça va et toi? Alors, Ocean Drive... Mais ça c'est un truc qui est pas si vieux, Ocean Drive. C'est fait ouf. Alors c'est pas ça. Y'a pas de ballon. Et à qui c'est l'anniversaire? C'est l'anniversaire de qui? Y'a pas de ballon en plus. C'est terrible ce qui se passe. Salut Lolis, ça va et toi? Bon anniversaire à la personne invisible. C'est quoi cette émote? C'est une petite patate qui danse? Ah, c'est une cuisse de poulet? Oh my god. Excusez-moi, mais y'a pas de ballon là. Là, vous vous êtes fait arnaquer. Mais ça me dit un truc à la fois pas trop Ocean Drive là en fait, maintenant. Stop les conneries, là on a du travail. C'était le sang. Ok Roulia, merci de m'avoir remis ça, je vais aller tout écouter après. Alors c'est pas... Si jamais, Chachouka, c'est pas mi-cause. Vraiment pas le mot mi-cause, hein. C'est vraiment bi-cause. Mi-cause of you. Because of you. Ah ouais, because of you. Terrible. Je suis tout bonnement outré personnellement. Mais bref. Mycos sur nous. Non, pas vraiment Mycos. Vraiment. On s'en passe. Mycos c'est avec un Y. Ouais, en plus. C'est une Mycos en fait. C'est une Mycos. Mycos on you. Ah. C'est quoi le mot anglais pour Mycos? Est-ce que c'est Mycos aussi? C'est genre Mycos? I don't know. C'est l'anniversaire de ma maman. Ah bah bon anniversaire à ta maman alors.
Happy birthday! Je viens de te répondre, Cowboy. Je t'ai dit que je faisais pas ce genre de choses. Et ce genre de message, alors excusez-moi, mais c'est un petit peu considéré comme de la pub dissimulée. Genre, venir nous parler de votre chaîne, etc., alors qu'on se connaît pas du tout. C'est un peu de la pub dissimulée. Donc faites attention, c'est pas très cool en fait pour les streamers, pour les autres créateurs en fait. Parce que vous venez promouvoir votre chaîne sur ma visibilité et c'est vraiment pas cool. Ça se fait pas trop quoi. On va mettre en blanc ici. On a mis du crème et on va mettre du blanc. Mycosis, ok. Bon, c'est presque pareil, hein. Mushroom, Shashuka. C'est champignon, ça. Je l'ai dit tout à l'heure, Elonise. Je les commande tous les jours, mes meubles. Dès que t'as besoin d'un truc pour crafter, là sur cette île, il y a tous les épisodes de replay qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, si jamais, où tu vois durant tous les épisodes que je commande les meubles à balles, j'en commande tous les jours. Je prends le temps de commander, de personnaliser, etc. Genre DLC, les meubles... Bon, Miles, j'en avais déjà plein, mais j'en ai recommandé. Il y a tout qui est partout, j'en parle tout le temps. Tu peux trouver les infos partout. Je ne suis pas un panneau publicitaire, tout à fait, Zabou. Exactement. C'est vrai que c'est un peu dommage dans la création de contenu. Pour beaucoup, vous pensez grave que les autres, on est des panneaux publicitaires, genre, non. Enfin, venez pas faire votre pub chez nous, genre, ça, c'est archi... Ça se fait grave pas. Ou les gens, tu vois, j'ai eu ça des fois, on est obligé de ban des gens du Discord parce qu'ils rentrent sur le Discord et ils DM tous les gens qui sont sur le Discord actifs pour faire leur pub. Prenez pour qui, genre, à faire ça? Vous pensez qu'on est un panneau publicitaire ou quoi? Vous pensez que je suis un magazine Carrefour ou ça se passe comment? Genre, à l'aide? Au secours, salut Lélo, et salut Flo. Léo, oh Lolo, ce serait terrible. Je sais pas comment ta mielle pourrait faire, cette émote-là. Ils allaient faire quelques matchs minimes, mais en fait, c'est pas blagué. Je vais abandonner. Ah, pour Animal Crossing? Ah bah ça, oui, c'est sûr. Hein. Bon, on s'est fait un peu douiller. On avait dit en vert pomme. Comme ça. Allez. Puis vas-y, il y a trop de gens qui disent mage alors qu'il y a rien du tout. Les titres comme ça, tu crois... Bah, ça, bon, y avait une période où il y avait beaucoup de vidéos de ce style sur... sur le YouTube francophone et anglophone. C'est un peu... enfin, c'était un peu le contenu facile à faire parce que les gens attendaient, du coup bah, ça faisait cliquer, etc. alors qu'il n'y avait rien. Donc c'est déception sur déception. Et c'est vrai qu'il y avait une période comme ça où... Bon là maintenant on est un peu... Enfin, tout le monde s'est un peu calmé sur ça en vrai. Hein. Tout le monde s'est un peu calmé sur le fait de dire ouais, mise à jour et tout, maintenant personne n'y croit. Littéralement. Donc en vrai tu y crois moins, mais il y a une époque où genre en 2022 c'était infâme. Littéralement infâme. Tout était infâme, genre par exemple, moi, vu que je suis créatrice de contenu, je me prenais tous les feedbacks qui étaient négatifs de tout ça, et ça me faisait péter des câbles, quoi. Genre, j'étais dans la période vraiment où je devais bloquer le mot mise à jour, bloquer le mot mage, bloquer toutes les lettres, M-A-J, séparément, pour qu'on arrête de me parler de ça, parce que tout le monde était là, mais t'as vu la mise à jour, t'as vu, il y avait rien du tout, et on faisait que de parler de ça tout le temps, j'en pouvais plus. Mage, tout à fait. Et merci Rose pour ton follow. Tu parles de ce follow, ça donne... Bah vraiment, ça donne envie de tout sauf follow, tu vois, de fou, hein, Dean. C'est vrai, hein. Franchement, les gens qui débarquent, enfin, faut le dire, hein. Les gens qui débarquent de nulle part et qui balancent juste, ne serait-ce qu'un lien dans le chat, en mode ouais, c'est ma chaîne YouTube, allez vous abonner. Bah, enfin, moi je clique pas, genre, franchement, t'es là, je te connais pas, t'as jamais parlé avec nous, tu viens, tu balances juste ton truc pour te faire de la pub, honnêtement, ça fait pas cliquer, quoi. Enfin, il y a tellement de manières, tu vois, Enfin, je sais pas. Déjà, faut arrêter de venir profiter des autres comme ça, Merde, j'ai déposé mes sous, je voulais les récupérer. C'est hyper néfaste pour soi-même, en fait, tu peux pas commenter... En fait, tu peux pas être un bon créateur si tu viens faire ta pub chez les autres. Point barre. Si tu viens faire ta pub chez les autres, tu ne seras jamais un bon créateur de contenu. Notez ça, en fait, vous devez pas... Si vous voulez vous lancer, que ce soit sur YouTube, Twitch, TikTok, peu importe, vous devez vous démerder par vous-même, en fait. Arrêtez de vouloir profiter des autres pour marcher. Comment tu veux... Putain, Lolo, toujours plus long les miens. Comment tu veux... Touche à votre nez. Comment tu veux te démarquer et te faire apprécier des gens si en fait tes seuls abonnés que t'as, c'est des gens qui viennent là parce que en fait t'as fait ta pub. Je suis désolée, ça me fait envie. Je veux pas qu'il y ait des gens qui débarquent comme ça que je connais pas du tout. Enfin, je préfère que vous veniez pour qui je suis, pour je sais pas, genre pour le stream, tu vois, plutôt que juste parce que j'ai fait ma pub chez quelqu'un. La flemme, tu vois, un peu. Ah, trop cool, Lola. Let's go. On va pas tarder à recommencer à reset cette île, nous aussi là. Et c'est gentil, merci, j'espère que tu vas bien. Et salut Kayla. Kalia, pardon. Oh là là, j'inverse tout. J'inverse tout en fait.
Comment on va mettre des pierres sur notre île quand on a tout cassé? T'inquiète, elles respawn les jours précédents, enfin les jours suivants. En fait, t'as une pierre qui spawn par jour quand tu les as cassées. Du coup, elles reviennent. Il faut 6 jours pour qu'elles reviennent toutes si tu les as toutes cassées. Ça fait grave longtemps que t'as pas reset, mais vraiment, bah ça fait plus de 8 mois. Ça fait plus de. Ça va faire 10 mois là, en... enfin presque un an en soi, en avril. Non, en mai, ça fera un an qu'on a pas reset, ouais. Ça date, hein, c'est vrai. Un petit reset par an, en vrai, c'est bien, non? On a eu le temps de faire pas mal de choses, mais pas énormément non plus, quoi. Salut Julie, au passage, merci pour ton follow. Y'a pas de soucis, Jessica, merci à toi. Salut Caro, merci pour le follow, et salut Bubble Tea. J'espère que vous allez bien. C'est la fois de continuer à jouer, reset, recommencer, etc. J'ai fini mon île depuis 2 ans, j'ai zéro motivation et inspi, c'est la mort dans mon cerveau. Après, en même temps, si t'as fini depuis 2 ans, qu'est-ce que tu veux faire de plus? En vrai, reset, rase, recommence, hein. Moi, c'est comme ça que j'arrive à maintenir mon jeu, et puis surtout parce que, bah, moi aussi, c'est mon taf, tu vois, c'est mon métier, et que, bah, quand je joue au jeu, je joue avec vous. Donc, vous me motivez, il y en a plein qui commencent le jeu, tu vois, il y en a plein qui recommencent en même temps qu'on... Enfin... En fait, ça dépend, c'est juste vraiment... Ah, j'ai pas fini. Ah, pardon, excuse-moi, ça. J'ai mal lu, alors. Ah non, j'ai déjà pas fini, excuse-moi. J'ai vraiment mal lu, désolé. Ouais, en vrai, si t'arrives pas à faire... En vrai, c'est dur, hein. Vous êtes beaucoup dans ce cas-là, dans le même cas que toi, Sarah, en mode... bah, j'ai pas fini, je sais plus quoi faire. En vrai, franchement, moi, ce qui m'avait motivé pour vraiment finir à 100% une île, c'est de raser un coin de l'île, genre une grosse partie, et de tout refaire la partie, en fait. Tout refaire, ça m'avait bien motivé. Genre par exemple, j'avais un tout petit coin qui me restait à faire. Ça m'a saoulé, j'ai pété tout le tour. Genre j'ai pété genre un quart de l'île et j'ai tout refait. Et puis ça m'a permis de le finir comme ça. Après ça dépend, hein. Ça dépend de vos inspi, etc. Hein. Si le thème te fait chier ou quoi, franchement, rase. Hein. Et le 100%, en vrai, ça permet de reconnecter vraiment au jeu. Oui, c'est vrai, le 100%, moi je trouve qu'il est vraiment pas mal aussi pour ça. Il te permet de vraiment jouer au jeu, en fait, et pas juste décorer et tout. Et ça, si vraiment t'as rien à faire ou quoi, bah... Franchement, go se donner cet objectif-là, hein. Ça peut être très long. Le 100% peut être très long. Je suis encore dessus, ça fait 4 ans que je suis dessus, hein. Alors je suis dessus, mais sans vraiment me foutre depuis 4 ans d'affilée dessus, mais... Ouais, non, l'inspiration, c'est pas évident, Sarah, t'as raison, hein. T'as raison. Je recommence mais j'ai pas tout effacé. Ah oui, du coup t'as rasé, quoi. Salut Medrim, merci pour ton follow. Je vais finir pour la Saint-Valentin, mon île rose. Mais bref, ah bah, comment te dire. Du coup, à CNH que maintenant, perso. Après tous les autres bus quand même. Avant quand même, ok. Et j'étais full étude jusqu'à maintenant. Donc ça régale. Ah ouais, si tu découvres tout maintenant, purée, tu dois trop kiffer. La découverte du jeu est exceptionnelle, hein. Moi je donnerais tout pour revivre ça, hein, parce que putain, j'étais... C'était génial, en fait, hein. Il faut le dire, la découverte du jeu était vraiment géniale. J'ai passé mes meilleurs moments durant le confinement. Et j'ai passé un trop bon confinement parce que j'ai découvert le jeu dans les fonds en comble du jeu, tu vois. Maintenant, je les connais et j'ai plus rien à apprendre du jeu, tu vois. Du coup, c'est dommage, mais franchement, profitez bien. En vrai, j'ai un conseil à vous donner. Si vous débutez Animal Crossing, vous n'avez jamais joué à celui-là avant... prenez le temps de vraiment jouer de votre côté sans regarder des tutos, sans regarder des astuces, des trucs comme ça. Découvrez par vous-même, vous aurez 100 fois plus de satisfaction, quoi. Écoute, kiffez le confinement pour ça, mais vraiment pareil, hein. Et puis sur Rumi, j'ai trop d'inspi, mais trop cool. Pendant le confinement, c'était trop cool, hein. On attend le prochain Animal Crossing, vraiment. Non, Wild World, c'était le deuxième. Le premier, il était sur GameCube. Il était sur GameCube. C'est l'île de Joe, Clem. Hop. Là, j'ai plus d'update. Ouais, bah oui, mais en même temps. Franchement, je sais pas ce qu'il pourrait faire de plus, hein. Là, le jeu est de l'abandonner. Faites-en un nouveau, quoi. Au point où on en est. Créez-en un nouveau, quoi. Créez-en un nouveau. Oui, c'est ça. Ah, mais de fou, Lola. Moi aussi, franchement, quand j'ai vu les premières images, j'étais bouche bée, j'étais sur le cul. C'était tellement nouveau et tellement... Enfin, même en vrai, mine de rien, hein, Animal Crossing New Horizons est un très joli jeu, hein, il faut le dire. Il y a des jeux qui sont sortis sur Switch qui sont vraiment moches. Ils sont dégueulasses, genre premier degré. Animal Crossing New Horizons est un très beau jeu. Le jeu est joli, c'est clean, enfin vraiment, le jeu est beau, quoi.
Le jeu est beau, le jeu est cool, il bug pas de ouf, hein. Juste quand t'as vraiment énormément de meubles, mais c'est normal parce que bah t'as beaucoup beaucoup de trucs, mais les graphismes du jeu sont, sont adorables, ils sont agréables. Non, franchement, moi j'ai rien à redire sur ça. Le jeu me convient grave au niveau esthétisme. Ça là-dessus. Les couleurs d'Asena sont vraiment belles, ouais, le jeu est coloré, c'est joli, non, franchement, il n'y a rien à redire. Honnêtement. Il y a tout ça. En blanc. J'hésite. Merci Mélie pour ton follow, bienvenue. Même les fruits sont hyper beaux. Ouais, après bon, les fruits, moi je suis un peu déçue sur sur plein de points, comme j'ai annoncé dans ma vidéo de 40 minutes là. Par rapport aux fruits, il y a des choses que je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est pas très grave. Merci Louis, merci Léna, je suppose, et merci Ezio pour le follow. Bienvenue à vous. Et va regarder les couleurs des trottes, je sais pas si c'est des trucs. Il y en avait tellement plus sur Assassin's Creed. Mais oui, même pas forcément en quantité, mais ne serait-ce qu'en amélioration, t'avais les fruits parfaits que tu retrouves pas du tout là sur ce jeu-là, donc c'est un peu dommage. Ça, on va les modifier en plus clair. Ah, je peux pas. Ouais, en fait, ils ont fait des nouvelles fleurs. Ils ont je sais pas pourquoi ils ont enlevé la violette. Mais d'un côté, bon, ils ont enlevé la violette et le yé, mais on en a eu 4 nouvelles. Donc ils en ont rajouté quand même 2 de plus au final. Et qui sont des très belles fleurs d'ailleurs, ils nous ont fait des très très belles fleurs avec les jacinthes, les anémones, les chrysanthèmes. Et c'est quoi la dernière? Je sais plus c'est quoi la dernière. Les citrons, j'ai pas compris. Bah les citrons, tu les avais sur l'île quoi. C'est un peu, ouais voilà. Les jacinthes, elles sont incroyables. Moi je suis grave d'accord pour dire que c'est triste pour la violette qui est disparue en mode bye. Mais à la fois trop contente. Qu'on est les jacinthes. Moi, je suis ravie de ce choix-là. Non, les fruits parfaits, ça n'existe plus. Ils auraient été si beaux, mais de fou, hein, franchement. Il y avait de quoi faire, honnêtement. Il y avait de quoi faire. Pareil, ouais, de fou, ils auraient grave pu nous ramener... nous ramener de nouveaux fruits, tout ça, enfin... Non, il n'y en a que 3, en fait. Ouais, c'est ça, le lolo, my bad. Hein. Je me disais, attends, il y en manque une, mais non. Il y en a 3 des nouvelles. Merci Eva pour le follow et merci Elbousef et salut Karine. Non, il faut pas le online, c'est un contenu que tu peux avoir gratuitement. Salut Happy Claire, comment tu vas? Ah mais je te jure, hein, une combinaison, ce que je disais dans ma vidéo, si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. C'est une vidéo qui compare un peu à CNH, à CNL et c'est hyper intéressant. Enfin, j'ai adoré faire cette vidéo, c'était très très cool à faire et je pense que vous avez vraiment de quoi débattre dans les commentaires. Et coucou Linux, comment ça va aujourd'hui? J'ai vu que tu t'étais réveillé il n'y a pas trop longtemps, ça va, t'as bien dormi ou t'as galéré à dodo? Ah merci Shuka, c'est gentil, merci Nox. Merci Océane, c'est gentil, vous êtes mimi. Il faut que je réponde aux commentaires, j'ai pas répondu à tout, j'ai fait une grosse pause en fait de beaucoup de choses. Il y a un moment donné où je vais m'y remettre, je vais m'y remettre à fond, mais là j'ai vraiment besoin de décompresser sur plein de points je pense, donc du coup ça me fait du bien de pas tout gérer d'un coup. Ah bah let's go Lola, je sais pas que tu me découvrais. Bon, si jamais vous me découvrez sur Twitch, je fais des vidéos sur YouTube, je vous ai remis le lien. Si jamais, moi de base je suis youtubeuse, je suis pas du tout streameuse. Mais bon, c'est un peu devenu mon métier également, enfin c'est un peu 50-50 maintenant honnêtement. Mais j'avoue que je préfère quand même la plateforme Twitch, je préfère le live aux vidéos. Honnêtement maintenant, ça y est, je suis passée du côté obscur de la force. Mais oui, de base je viens de YouTube et je fais toujours des vidéos régulièrement. J'ai plein de trucs en vrai sur YouTube et c'est assez cool en vrai à suivre, je trouve. En vrai, je trouve que c'est assez cool à suivre ce que je produis comme contenu sur les deux plateformes, genre sur YouTube et Twitch. Je trouve que c'est dommage si genre tu me suis juste sur Twitch. Et je trouve que c'est dommage aussi si tu me suis juste sur YouTube parce que tu loupes beaucoup de trucs en soi. Mais bon. J'ai découvert sur TikTok. Ah, trop cool! Ah bah, trop cool Lola alors. Y a pas beaucoup de gens qui débarquent de TikTok en vrai et qui nous rejoignent sur Twitch ou quoi. Merci Maylek, merci pour ton follow et bienvenue. Ouais, Laurie, je suis streameuse, ouais. Je suis créatrice de contenu, en fait, en règle générale. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien, en fait, l'interaction avec vous. Puis, tu vois, en même temps, tu joues et tout, tu fais plein de trucs, mais t'es pas seule. T'es pas seule et ça fait du bien de pas être seule, tu vois. Genre là, on est ensemble, on discute, on papote et tout. C'est cool, en vrai.
Merci pour le cœur, merci beaucoup. Merci Laurie, c'est gentil. Pas qu'un peu, je peux plus dire ça. Ça va me coûter, ça coûte combien de les modifier? Ah, 5000, ok, c'est pas 10 000, je pensais que c'était 10 000. À tout moment, on reviendra à les repersonnaliser de nouveau. Hein. C'est sûr même, je pense, parce que au vu de comment ça avance et tout, je pense qu'on devrait les repersonnaliser peut-être sur notre truc, quoi, finalement. Ah, de fou, Zabou, en vrai, ça me fait plaisir de vous revoir tout le temps. Ce que je vous disais hier, hein, ça me fait trop plaisir de vous voir passer régulièrement et tout. Car les habitants ne débloquent plus rien, la technique du maillot de bain a ses limites. Enfin, c'est trop chiant, ils veulent plus parler. Putain, ils sont chiants. Perso, moi, tu m'as fait rester à l'internat, mais c'est pas la même. Ah ouais? Ah, Malinix, tu voulais partir de l'internat? Ah, c'est vrai, Rose, trop trop cool. C'est trop bien. Et coucou Anna, ça va et toi? Désolée si j'ai le beau bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'espère avoir dit bonjour à Max, the person en fait. Qui fait des bêtises, c'est Océane, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup, on peut ajouter un point au compteur, on est à 225 points, c'est énorme, merci beaucoup. Si jamais d'ailleurs, je n'ai pas encore reparlé aujourd'hui, mais je suis en plein objectif d'atteindre 300 points de sub sur ce mois-ci, le mois prochain et le mois encore d'après. Le but, c'est qu'on arrive avant le 29, enfin, date limite, c'est le 29 février, qui est considéré comme la fin de ce mois-ci, qu'on arrive aux 300, donc il nous reste actuellement plus que 6 jours pour récolter les quoi, il manque quoi, il manque 75 points manquants, sachant qu'un sub tier 1, ça donne 1 point, un T2, ça donne 2 points, et un tier 3, ça donne 6 points au compteur. Donc si jamais vous souhaitez participer ou prendre part à ce genre d'objectif, que ce soit du 60-40 ou du 70-30 chez les streamers, franchement n'hésitez pas si vous pouvez. Ça nous soutient de fou et c'est toujours un plaisir de voir que la communauté te soutient et t'aide pour ça. Le but du 70-30 en fait c'est quoi? C'est qu'on soit rémunéré à 70% à la place de 50%. Donc en fait à la place de toucher 2 € sur un sub, bah, je toucherai genre plus, je sais pas combien ça fait, mais je toucherai plus 20%. Sur un sub en fait, par exemple. Donc en fait ça me fait gagner 20% de revenus Twitch supplémentaires et c'est vraiment vraiment pas négligeable pour le coup quand c'est mon métier, enfin comme c'est notre métier. Première année, comme j'étais avec la folle, ah oui putain, j'ai rencontré du coup, je me suis dit, il y a des gens sympas qui donnent envie de rester à Nancy. Et bah oui, et oui j'étais là en fait. 12 000 Linux par contre pour personnaliser ta voiture là, tu coûtes un peu cher. Oui vraiment Océane, enfin franchement et honnêtement c'est un soutien de ouf, genre enfin on se rend pas compte mais 20% genre je dis une connerie, imaginons genre je touche 1 000 € par mois avec Twitch, si je touche 20% de plus ça me ferait toucher genre bah 200 € de plus, du coup c'est pas négligeable tu vois quand t'as un loyer etc à payer, surtout que moi je vais déménager prochainement, du coup ce serait fou honnêtement si on arrive à le taper. Oui, j'aurai quand même le 60-40. Si jamais on loupe le 70-30, j'aurai, ça c'est sûr et certain, je vais déjà avoir 10% de revenus supplémentaires à l'année parce que dans tous les cas, on est déjà à 130 points de sub minimum. Donc ça, on a déjà validé, mais autant tenter le 70-30 pour gagner 20% supplémentaires. Quoi. On teste. Et là, tu es payé par Twitch, pas YouTube ou TikTok? Là actuellement, bah là je suis rémunérée constamment en fait moi. Je suis rémunérée par les pubs, donc dès que tu regardes une de mes vidéos, tu me rémunères en soi. Les pubs me rémunèrent, Twitch, bah les pubs de Twitch me rémunèrent. Et vos subs me rémunèrent, vos bits me rémunèrent, etc. Mais c'est en grosse partie, c'est les pubs, ouais, moi qui me rémunèrent. Salut Lucas, merci beaucoup pour ton prime, c'est ce 13e mois, ça y est, on a passé la barre des 1 an. Sniff, sniff. Ouais c'est ça Zabou, donc on toucherait presque 3 € en fait sur un sub à la place de 2 € à peine quoi. C'est ça, merci pour les calculs Zabou. Elle déménage de ma cave. Bah ouais Lolo, j'en ai marre d'être dans ta cave là, j'en peux plus. Pff, franchement. Ça dépend quoi, par exemple sur un sub je peux rémunérer du tout, Twitter non plus. TikTok c'est rémunéré en centimes hein, littéralement, je gagne rien du tout sur TikTok.
Enfin, ça dépend en fait. Quand t'as vraiment une vidéo qui buzz de fou, une vidéo qui fonctionne et tout, bah ouais, ça peut te rémunérer. En fonction de plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs, c'est hyper aléatoire les revenus TikTok. Mais en général, je dois toucher genre 6 centimes par jour, tu vois, sur TikTok. Je sais pas combien j'ai dessus parce que je regarde même pas tellement c'est rien. Osef, quoi. Mais oui, Nania, de fou, hein. Merci beaucoup d'ailleurs. Je peux leak ta future adresse. Vas-y, tu peux leak ma future adresse. J'ai pas trouvé d'appartement encore, si jamais. Je regarde, et vous savez que je regarde tous les jours là depuis genre 2 semaines. C'est que de la merde, genre littéralement. Je cherche un appart qui est pour moins de 650 euros quand même. J'aimerais bien trouver genre pour 450, 300, enfin 500, mais j'ai mis au max. Si vraiment j'ai un coup de cœur pour un truc à 650, bah je partirai, tu vois. 123 rue du coin Sléant. Putain, vous liquez ma future adresse, vous abusez. ...356 rue du Slay à Slay City. Purée Antoine, il lique tout aussi. J'habite au 124. Oh purée, on est voisine alors. Oh my god, Linux, t'as trouvé une copine qui a le même nom. TikTok, c'est vraiment aléatoire, c'est vraiment dépendant de l'algorithme. Ah, mais vraiment. Déjà, ne serait-ce qu'en... Enfin, moi, je te parlais en revenu, mais également, t'as raison de le préciser, mais également vraiment complètement aléatoire au niveau de la visibilité. Hein. Ouais, je regarde partout, hein. Tous les sites d'agence, Le Bon Coin, Jinka, tous les trucs, je regarde, il n'y a rien, quoi. C'est des vieux bâtiments, et ça, je vous avais déjà expliqué, moi, j'ai vécu pendant un an dans un vieil appart. Plus jamais. Plus jamais. Honnêtement, plus jamais. C'est pas possible. Je sais pas comment vous faites pour ceux qui vivent dans un appart qui est vieux, genre en centre-ville ou quoi. Je sais pas comment vous faites. Je pourrais plus. T'as les murs, c'est du papier. T'entends tout. Les murs, ils sont pas droits. Le sol est pas droit. Ça grince. Enfin, ça moisit. T'as pas d'isolation. T'as pas de lumière. Ah, plus jamais. Mon ancien appart... J'avais pas d'aération dans ma cuisine. Genre, j'avais pas de lumière dans ma cuisine. C'était vraiment l'horreur. J'en bave, ouais, vraiment. Hein. Oh purée. Anna. C'est mon surnom, dommage. C'était presque, c'était pareil. C'était presque. C'est pas grave. C'est horrible, mais vraiment. Hein. Enfin, franchement, si vous êtes en train de chercher un appart, n'allez pas dans les vieux, quoi. Vieux appart, laissez les gens les prendre et vous allez dans les plus récents, quoi. Pas forcément des tout neufs, mais des récents des années 2000, quoi. Pas des trucs qui datent des années 50, parce que vraiment, c'est une catastrophe. Je cherche vers Nancy. Je retourne, en fait, vers chez mes parents, parce que là, je suis à plus de 2 heures de route, mais je suis toute seule et j'ai rien à faire ici, donc... Tant que je rentre et que je me rapproche de chez mes parents, que j'ai, que je trouve un appartement pour le même prix que celui que je paye là, mais avec une pièce en plus, où je sois plus proche de chez mes parents, que je sois dans un village, ou enfin non pas dans un village mais genre une petite ville que je connaisse au minimum, tu vois, pour pouvoir sortir, aller voir Linux. Je retourne voir Linux, on pourra sortir souvent. Imagine Linux, si je remménage sur Nancy, on pourra sortir régulièrement et tout, on pourra se voir souvent. Ah, ce serait trop cool, ce serait trop cool. Ouais, j'ai grandi à Nancy, enfin pas à Nancy mais j'ai grandi près de Nancy, quoi, donc pour moi c'est vraiment ma base, quoi. Après je regarde aussi partout autour, hein. Quand je cherche ma recherche d'appartement, je note vraiment Meurthe-et-Moselle, Vosges. Je peux pas être encore plus large au niveau des recherches, quoi. Surtout que la Meurthe-et-Moselle, t'as la taille de la Meurthe-et-Moselle. Je sais pas si vous avez vu déjà le département de la Meurthe-et-Moselle. Littéralement, le département de la Meurthe-et-Moselle est au-dessus de la Seine. Je vous fais un petit dessin. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ou pas du tout. Et encore une fois, merci aux Allemands finalement. Ces grosses grognasses pendant la guerre. Les appartes qui se proposaient là-bas. Comment te dire? Je ne vais pas aller à quand même 2 heures de chez mes parents. Bah, la guerre, les Allemands, tout ça. Du coup, voilà, on était clairement en Meurthe et non pas en Moselle. Mais bon, ouais, voilà. Je savais pas du tout. Non, c'est pas en vrai, Nancy, c'est pas une grosse ville. Hein. Il y a quoi? Il y a 100 000 habitants à peine. C'est une ville qui est un peu morte. Enfin, franchement, il n'y a rien d'intéressant sur Nancy. Mais il y a ma famille. Il y a ma famille, il y a tous mes copains du lycée, etc. qui sont eux restés sur... Enfin, pour la plupart, restés sur Nancy. Enfin, voilà, quoi. Ça se meurt, ouais. On va redonner vie à la ville, Linux, t'inquiète. Merci pour vos follow sur TikTok, bienvenue. Et salut Océane, comment ça va?
Je passe un coup de vent. Fais les magasins. Ah, trop cool! Bah, profite bien alors de cet après-midi. J'ai pas les modes doigts. Y'a pas des modes doigts. Y'a des modes doigts. J'ai pas les modes doigts. Enfin, une noix. J'ai pas les modes du noix. On va slay in the city. On va aller dans la rue comme ça et on va marcher en slayant comme ça. On va être trop slay. Oui, je connais Neufchâteau, bien sûr. Bon, Neufchâteau, ouais, j'avoue que Neufchâteau ça m'intéresse pas du tout par contre d'aller là-bas. Mais il y a plein d'appart, en vrai, je regarde, il y a plein d'appart qui sont sur Neufchâteau, mais Neufchâteau ça fait un peu loin de chez mes parents quand même. J'ai un peu la flemme. Je cherche pas trop. Pareil, il y a énormément d'appart sur Lunéville qui sont dispo pour ceux qui connaissent un peu le coin. Ils sont dispo, mais ouais, Luné c'est un peu craignos, je trouve. Mon frère il avait fait ses études là-bas, enfin ses études. Son lycée là-bas et j'ai pas envie quoi. Je connais au moins la place Agnès-Las. Ah, c'est une plus belle place, enfin c'est une des plus belles places d'Europe. Hein. Ouais. Je connais si peu ce coin, ouais, mais en même temps. En fait, vraiment, franchement, dans le Grand Est, ce qui est le plus mis en avant, c'est vraiment, vraiment Strasbourg. Parce que du coup, bah, ça a rejoint maintenant un petit peu. L'Alsace, c'est collé à la Lorraine, donc. Ça fait le Grand Est et c'est vraiment genre Strasbourg, la plus grosse ville en fait, hein, littéralement, du Grand Est. Maintenant. Et du coup, bah Nancy, c'est une petite ville, mais t'as Metz qui est. Je suis en Moselle, hein, Metz, si je dis pas de conneries. Metz qui est une très belle ville aussi, qui est un peu plus grande que Nancy, je crois, il y a genre 50 000 habitants de plus. Un truc comme ça, c'est une très belle ville aussi, Metz, mais. Un peu la flemme. Et du coup, ouais, Nancy, c'est pas hyper cher, quoi. C'est ça qui est bien, c'est qu'aux alentours de Nancy, je trouve des T4, hein. Je cherche un T3, je trouve des T4 à 450 €. 450. Si jamais vous êtes du coin, allez à l'univers, c'est le resto de mon ami. Oui, très sly. On ira d'ailleurs Linux quand je reviendrai. On ira manger là-bas si tu veux. C'est nul, je suis née là-bas. Bon, moi, Metz, j'aime bien en vrai. Je déteste Metz. Ah ouais? Metz, je trouve que c'est quand même une ville qui est sympa. C'est un peu mieux que Nancy, honnêtement, je trouve. C'est plus vivant que Nancy. Après, Nancy, c'est Nancy. Hein. Nancy, c'est une des plus grosse ville étudiante, je crois, genre du coin. Genre vraiment en Lorraine, en tout cas, c'est Nancy qui est une très grosse ville étudiante. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants de toute la Lorraine qui venaient à Nancy. Enfin, en tout cas, moi j'en ai vu énormément, quoi. Nancy, c'est moche, c'est moche. Strasbourg, moi pour moi, c'est moche aussi. Hein. Désolé les Alsaciens, mais pour moi, Strasbourg, c'est moche aussi. J'aime pas du tout l'ambiance. J'aime pas du tout, en fait, tout ce qui est. Enfin, j'aime pas en fait l'infrastructure de la ville, tout ça, je trouve pas ça beau quoi. J'aime pas du tout ce qui est les grosses poutres dans les bâtiments comme ça, j'aime pas. Pas d'offense hein, j'aime pas. Pour moi c'est moche, ça ne l'est pas réellement, c'est pas moche, c'est mimi, mais c'est pas du tout mon style. Je trouve ça moche dans mes goûts à moi quoi. C'est rustique ouais, c'est trop sombre, c'est pour ça. On a quoi là-dedans? Allez, on part sur la blanche hein. Singapour, c'est combien? Je ne sais pas. Rustique sur nous. Je vais reprendre mes études à Nancy en septembre. Oh, trop cool. Bah, en fait, Poupounette, les prix à Nice, le loyer pour un T2, c'est genre 900 €. Je veux un T3, c'est 1200. Voilà. À Nancy, enfin dans les coins de Nancy, 450 €, j'ai un T4. Voilà. Je suis pas riche. Je serais riche, je serais partie à Nice, hein, je vous le dis. J'aurais des thunes, je me ferais genre 5000 par mois. Croyez-moi que j'irai habiter à Nice sans aucun problème. Et que le plus gros appart que je trouve. Je suis pas riche, donc voilà. Et en vrai, ouais, Nice, franchement, j'ai adoré la ville. J'ai kiffé quand je suis partie en vacances, vraiment. J'ai adoré Nice. Mais pareil, Nice, c'est que des vieux bâtiments. C'est que des vieux trucs, en fait, la plupart du temps. Sinon, il faut que tu t'écartes vraiment de la ville pour trouver des trucs plus récents. C'est super cher. Et c'est loin de tout. Donc un jour dans ma vie, peut-être que j'irai vivre à Nice. Mais pour l'instant, pas maintenant. Je pense que je vais rester sur les vacances à Nice. Voilà, mais c'est tout. Enfin en France. De quoi enfin en France? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Nice c'est beau, mais en vacances. Ouais, en vrai, en vacances c'est super. Hein. Monaco c'est trop beau, d'ailleurs vous allez voir Monaco aussi dans le vlog hein. J'ai adoré, c'était vraiment très joli Monaco. Monaco c'est très particulier, je sais pas si vous avez déjà été à Monaco. Monaco en fait il y a tout qui est hyper compressé. T'as beaucoup d'immeubles en fait à Monaco. Et en fait c'est extrêmement étroit les rues je trouve. Et t'as des bâtiments qui montent jusqu'au ciel limite tu vois. Genre enfin c'est vraiment vraiment abusé je trouve. J'étais au Canada avant. T'as déménagé en France? Ou t'étais en vacances et t'es revenu? Ou t'es en vacances?
Dis-nous tout, trop cool. Canada, c'est beau aussi. Hein. Viens en vacances à Nice, comme ça on se voit. Mais de fou en vrai, Clarelia. T'es loin de Nice, toi ou pas? Parce que franchement, en vrai, si j'y retourne, on se voit. Hein. Je prends le train, limite, s'il faut, et puis je viens te voir. Ou où tu viens, ou peu importe. J'étais déçue, c'est moche. Ah, moi, j'ai trouvé ça sympa. En fait, ça dépend. Monaco, j'ai trouvé ça très beau sur certains points. Mais j'ai pas compris le délire. Ils mélangent des bâtiments type archi-bourgeois et riches. Vraiment, t'as un immeuble archi-bourgeois, riche, ça se voit, le truc qui coûte hyper cher. Et à côté, t'as un vieux HLM dégueulasse. L'autre côté, t'as un vieux HLM. À côté, là, t'as un bâtiment hyper riche. Non, j'ai pas été à Cannes encore. Je suis pas encore allée à Cannes. Enfin, t'as vraiment des trucs, tu comprends pas trop le délire, mais c'est hyper impressionnant parce que vraiment, entre deux HLM moches, là... Enfin, des HLM, c'est pas des HLM, mais c'est des vieux bâtiments dégueux, quoi, avec une infrastructure qui est vraiment... Enfin bref, pas très belle quoi. Et t'as vraiment des trucs, vous allez voir à un moment donné, on est à Monaco dans mon vlog qui sort demain. Et vous allez voir, genre je vais vous montrer un truc, vous allez être là en mode wow, c'était super beau genre. Et on en parle avec Dan, il disait putain mais regarde comme c'est beau quoi. Vraiment incroyable. Les HLM dégueulasses, en tout cas à l'intérieur c'est des palaces, ouais certes, mais d'extérieur c'est vraiment dégueu quoi. C'est vraiment moche et ça ruine je trouve la beauté de Monaco quoi. Parce que Monaco quand tu regardes... Enfin, quand tu vas à certains endroits, enfin, c'était super. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça super joli. Une de mes filles habite à Menton. C'est bien plus joli. Menton, c'est Mimi, ouais, aussi, ça a l'air trop mimes. Il y avait quelqu'un qui m'avait parlé d'une petite ville un peu dans les montagnes derrière Nice. Purée, je sais plus c'était quoi, mais c'était super beau, quoi. Mais c'est dommage, bah, de fou. Hein. Mais par contre, ouais, c'est clair, l'intérieur. L'intérieur, là, je dis pas. Je ne pourrais pas me permettre de louer un appartement à Monaco, personnellement. C'est un peu cher. Ouais, ma chaîne principale, ouais. Demain à 10h du matin. Antibes, j'y suis pas allée, j'ai pas eu le temps. Menton, c'est un peu drôle le nom, ouais, j'avoue. Putain, Saint-Trope. Oh, trop cool, Saint-Tropez. Il y a 2 ans. Oh non, dommage. En vrai, c'est bien d'avoir de la famille dans le sud, tu viens pour les vacances. Genre. Cave d'Antibes, ouais, j'ai pas vu ça non plus. Maëva, ok, ça me va. Je peux t'appeler Maëva ou tu préfères que je t'appelle Inked? En plus, c'est même pas Inked, c'est Inked. Inked artist. Je le lis en mode bien français, Inked, alors que c'est Inked. Genre en anglais, je crois, non. J'ai un appart à Antibes, c'est beau, mais c'est cher de... Ah bah, Antibes, ouais, c'est sûr. Hein. Les corniches avec vue sur la mer, trop... Ah, m'en parle pas. Arrêtez, vous me donnez envie de déménager dans le sud, alors que bon. On n'a pas ça. Il manque un truc. Lyon et Tignes, Besseville. Tignes, je connais pas du tout. Enfin, si, Tignes, attends. C'est pas un truc de ski, ça? Peut-être pas du tout. Les deux m'en vont. Ok, ça me va alors. En tout moment, j'ai oublié d'ici demain ton prénom. C'est joli en vrai comme prénom, Maëva. C'est très joli, je trouve. J'ai connu une Maréva aussi, que je trouve très jolie comme prénom, Maréva. C'était la petite sœur d'un mec qui joue au foot avec mon frère. Et je sais pas pourquoi son nom m'avait archi marqué. Enfin, pour moi, elle s'appelait Maëva. Et un jour, on m'a dit non, c'est Maréva. Et du coup, ça m'avait archi marqué et je trouve ça trop beau. Je suis à Paulestre, je connais pas du tout. Et j'ai vu sur les montagnes, je suis à 20 minutes de voiture de la plage. Oh, trop cool ça, ça a l'air trop beau. Et ça va en vrai, il y a des gens parmi vous qui habitent genre dans les montagnes, dans les hauteurs et tout. Et si oui, comment. Enfin, est-ce que ça va niveau genre. La vie de tous les jours, genre les approvisionnements des magasins, les trucs comme ça. Ou faut tout le temps que vous déplaciez en redescendant un peu dans la vallée et tout. Parce que j'avais vu des trucs... Tahitien. Ah ouais, ok, j'avais même pas. Montagne Normande, ouais. C'est vrai, Lolo? Non, tu me mens. Ah, je connais pas. Je connais pas, Zabou. En Hollande, avec les champs de tulipes. Ah, on parle pas. Mon rêve d'y aller. Je pense que c'est un de mes voyages que je veux faire dans ma vie. D'aller en Hollande, voir les champs de tulipes, là, quand c'est la période. Enfin, il faut absolument. Non, c'est un mensonge. Je me disais, t'habites vraiment pas dans les... Oh, j'en peux plus de personnaliser des objets là, j'en ai ras le cul. Ah oui, dans les vallées au-dessus de Nice, et ils trouvent ça super chiant, ils sont loin de tout. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est ça le problème, ouais. J'ai visité pendant les vacances. C'est beau par contre, mais c'est vrai que c'est cher aussi. Hein. Les vagues, le soleil et tout. Troisième étage. En vrai, ça va juste. J'ai juste à prendre l'ascenseur. Avec vue sur grue, s'il te plaît. C'est quand tu montes, bien sûr. Ouais, c'est ça, en fait, t'es obligé de te déplacer tout le temps. C'est un peu chiant, ouais, du coup. Sur ce point-là.
peut mettre tellement de stickers sur ces caisses, c'est cool en vrai, mais on va faire une caisse vierge comme ça. À Porto, au Portugal. Oh, ça a l'air beau aussi, Porto. Ça a l'air vachement beau. En vrai, le Portugal, toute ma vie, j'ai cru que c'était genre... Genre, je sais pas, de la taille de... Je sais pas, genre pas de la France, j'abuse, mais genre une demi-France. Mais pas du tout, genre Portugal, c'est vraiment petit, quoi. C'est vraiment petit, le Portugal, c'est pas énorme, hein. On va récupérer des sous. On va reprendre. Jamais allé, mais ça... Ouais, ça a l'air trop beau, en vrai. Bah, comme l'Espagne, hein. Je suis jamais allée en Espagne non plus, mais ça a l'air super beau. J'aimerais trop aussi aller en Italie. L'Italie, c'est vraiment beau. J'avais 12 millions, je crois, quand j'ai commencé à personnaliser mes meubles hier. Peut-être même 13. Ça dépend des coins après, ouais, comme partout. Hein. Vous me direz. Normal, normal. 9 millions, je crois. Ah, 9 millions. My bad, alors. C'est pas sur cette Switch que j'ai 13 millions? Bah, j'avais pas 13 millions? Non? Ah non, oui, non, t'as raison, on avait 9 millions. On avait 9 millions, my bad, j'ai rien dit. Alors, on était à ça. C'est bien, ça reprend là où on s'était arrêté. Pitié, dis-moi que j'en ai plus, quoi. J'en ai ras le cul de modifier des trucs, là. Et c'est bon, je crois qu'on est à la fin. Il nous reste 2 meubles. Ah, merde, il reste ça. Oh, vas-y, les petits meubles, la flemme, hein. Je les modifierai quand on fera la déco. Allez, on a les petits meubles flemme. Le principal, c'est les gros meubles. On fait juste les deux là et après on commence à tout déplacer. J'ai pris combien de pourcents avec mon chargeur de merde hein? Je ne sais pas. 42. J'en ai pris 12. Caisse en bois. Et je vais regarder pour pas que ma Switch se mette en veille aussi, au cas où. C'est dans quoi ça? Luminosité? Non. Verrouillage de l'écran? Non. C'est pas ça, je crois, si? Ah, c'est veille. Jamais. Utiliser avec une heure. C'est quoi ça? Verrouillage de l'écran. Je sais pas ce que c'est. Allez. Salut Cass, ça va et toi? Vas-y, bonne vaisselle, Lolo. Ah si, Romy, ouais, on t'a averti beaucoup de fois déjà. Hein. On t'a averti beaucoup de fois déjà sur les streams derniers. Il y avait Nefert, Linux qui te faisait des remarques. On t'avait demandé de te calmer. Pour être honnête, Romy, là, t'as un comportement qui est un petit peu... très agité, on va dire. C'est pas problématique parce que tu dis rien de problématique, mais t'es très très agité et j'ai peur que ça dérange certaines personnes. Donc fais doucement, essaye d'aller un peu mollo. Essaye d'y aller un petit peu mollo et d'essayer de te calmer sur certains points parce que tu peux, enfin, ton comportement peut déranger certaines personnes. Ça peut déranger certaines personnes. En plus de nous avoir menti la dernière fois. Normalement, ça c'est un ban def, les mensonges. Vous savez qu'on a accès à l'intégralité de vos messages sur le chat. Donc là, j'ai accès à tes 705 messages. La dernière fois, hors stream, on avait regardé un petit peu parce que t'avais été un petit peu virulente et on voulait voir un peu comment te cerner. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait déjà des commentaires modérateurs sur toi où tu avais déjà parlé, etc. La dernière fois que t'es passé, tu nous as grave menti ouvertement et j'aime pas trop ça. Donc évitez de nous mytho, arrêtez de vous inventer une vie. Ça vous regarde pas, mentir sur quoi? Je parle juste à Romy, mais je vous le dis, arrêtez de nous mentir. On n'est pas dupes, on voit vos messages, on voit quand vous changez de pseudo, on voit tout en fait, depuis le mode modération si vous gardez le même compte. Donc ne mentez pas, ça sert à rien, parce qu'en fait si vous nous mentez juste pour vous sentir exister, bah c'est nul, ça sert à rien, littéralement, et c'est dommage parce qu'en fait vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas et on peut pas vous apprécier comme vous êtes réellement, donc c'est vraiment dommage. Donc faites attention et soyez vous-même, restez vous-même, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour qu'on vous lise, pour qu'on vous apprécie, il n'y a pas besoin de s'inventer une vie, il n'y a vraiment pas besoin de tout ça, vraiment restez qui vous êtes. Vous prenez pas la tête à essayer de créer quelqu'un ou enfin que sais-je. Restez vous-même et puis voilà. Tout ce que j'ai à dire parce qu'en fait on a déjà eu des cas. Là vraiment je m'adresse plus à toi particulièrement Romy, hein, pas du tout. Mais on a déjà eu des cas globalement sur le stream où en fait on s'est pris des mythos sur plusieurs mois. Mais des mensonges qui étaient très très durs. Très 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 durs à base de fausses couches, à base de mort de bébé, à base de bébé mort-né, des trucs vraiment. Mais
horribles où littéralement l'intégralité du chat prenait la défense de la personne en mode ah non, je suis vraiment désolée, etc. Alors que la personne avait littéralement 14 ans. 14 ans, c'était mensonge sur mensonge sur mensonge, changement de pseudo, remensonge, remensonge. Et en fait, moi, j'ai plus envie de gérer ça. On n'a plus envie de voir tout ce genre de trucs. C'est des trucs horribles. C'était vraiment des propos. Et encore là, c'est rien ce que je vous ai dit. Hein. C'est rien. Mais il y a eu vraiment des personnes comme ça qui ont eu des propos, mais horribles. Horribles, 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 qui s'inventaient une vie en fait pour se sentir aimé par les gens du chat, pour se sentir exister, etc. Mais vous avez vraiment pas besoin de ça, les gars. Franchement, genre. Il y a vraiment. C'est pas nécessaire en fait, ce genre de comportement, ce genre de choses-là. Restez qui vous êtes, restez vous-même, vous inventez pas une vie, et surtout pour inventer des trucs comme ça, horrible, parce que ça je vous le dis maintenant, au moindre doute qu'on a sur ce genre de truc là, on part en ban def, et c'est à vie, parce que flemme. En fait c'est ça, genre on en a marre en fait des mythos comme ça, en fait ok certes la mythomanie pour certains c'est vraiment une maladie, mais on n'a pas à subir votre mythomanie, on n'a pas à subir votre maladie, donc on a un peu la flemme en fait, on est là pour passer des bons moments, pas pour voir des trucs comme ça, des propos horribles de la sorte ou des mensonges qui peuvent vraiment des fois dépasser complètement l'entendement. On n'est pas là pour ça, on est là pour passer des bons moments. Déjà la personne qui nous avait fait ça, on l'avait engueulé au possible parce que vraiment on avait été sur le choc, on était vraiment sur le cul, on l'avait trop mal vécu parce que c'était vraiment, mais vraiment horrible, hein, je vous le dis. Et ça c'est arrivé plusieurs fois, alors pas avec des propos aussi graves, mais on a eu genre 3 cas je crois. 3-4 cas comme ça de personnes qui se faisaient vraiment passer pour quelqu'un d'autre sur le chat en 3 ans. C'est quand même beaucoup trop. Et en fait, on a passé des soirées entières à enquêter entre guillemets avec les modos, à repasser tous les messages de la personne au peigne fin, à détecter sur les chats de tous les copains chez qui est la personne passée, de voir des messages si c'était pas inventé, etc. D'un côté, chez l'un, ça disait qu'elle avait genre 17 ans, l'autre côté, j'ai 24, qu'elle était en études de droit, l'autre qu'elle était infirmière, que machin, elle s'inventait une vie, qu'elle était enceinte, que patati, que patata. Et franchement, on a la flemme. Genre, moi, vous savez vraiment, enfin, j'ai le bras long dans le milieu d'Animal Crossing, dans la communauté Animal Crossing, j'ai le bras long. Si je veux savoir quelque chose sur quelqu'un, si je veux récupérer tous les messages d'une personne sur le stream de quelqu'un d'autre, je peux le faire. Je peux demander. En général, les personnes sont là en mode ok, bah vas-y, tu nous tiens au jeu. Genre, je fais mon enquête avec mes modos, on récupère ce genre de messages, on fait le tri, on regarde, si c'est du mytho, tu dégages. C'est balancé aussi aux autres créateurs et vous êtes ban aussi chez eux. J'ai le bras long, hein. Et les autres aussi ont le bras long, ils veulent savoir un truc sur quelqu'un d'entre vous. Si c'est vraiment pour des suspicions d'un truc, genre de mensonge ou peu importe, un truc qui est vraiment, genre, qui se passe, mais dans le cas où ça peut être grave. Ouais, y a pas de souci. Moi, je vais donner les infos parce qu'en fait, on a la flemme de ce genre de comportement. Mytho égale ban, ah bah bien sûr. Attends, quand même. Bon, ma Switch, là, par contre, elle s'allume pas, là, elle me fait chier. Luby, s'il te plaît, allume-toi là. Ça fait genre 2 minutes depuis que je vous parle que c'est en chargement comme ça. Tant que modo, j'ai toujours réussi à trouver l'info. Bah ouais, de plus, en plus. Ok, Luby s'allume. J'ai de la place pour balancer mes trucs. C'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour vous intimider ou quoi, c'est juste qu'en fait on en a ras le cul des mythos, en fait, des gens qui viennent nous mentir. Alors que nous on est là, on est le plus transparent possible, et en fait il y en a, ils viennent et ils te mentent ouvertement au nez devant tout le chat, devant tout le monde, et ça on veut plus quoi, on en a ras le cul, franchement on en a vraiment ras le cul. Quand t'es créateur, c'est chiant de faire face à ce genre de personnes en fait. C'est très chiant. Salut Pistache, merci pour ton follow. C'est vraiment fatigant en fait, je vous le dis. Parce que en fait, des fois ça dure sur plusieurs semaines. Et c'est plusieurs semaines en fait où chaque message de la personne dans le chat, tu le regardes, tu l'analyses, tu lis, mais tu le lis pas forcément à voix haute, mais tu le lis dans ta tête, tu prends compte de tout ce qui a été dit pendant des semaines, en fait, quitte à côté ne pas se concentrer sur ce que tu fais, etc. Enfin, c'est frustrant, c'est chiant, quoi. Donc, et ça se voit, surtout. Allez, Marie, elle me parle de la fête des œufs qui en approche sur mon île, apparemment. Je suis désolée, mais vraiment, purée, la qualité et le visuel OLED est... Oh, waouh. Il est vraiment beau, hein, la Switch OLED, alors que c'est une dinguerie, hein. Je joue jamais en portable. Je suis là, moi je vais à l'aéroport déjà, mais j'ai pas pris mes objets. Je vais aller ouvrir, attendez, sur Luby. Parce que de base, c'est pour ça qu'on est là. Hop. C'est vraiment, oh, c'est vraiment joli. Hein. Franchement, la OLED là, oh là 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 là. Ça te rongeait le cerveau. Bon, en fait, c'est surtout hyper fatigant parce que tu passes des soirées entières avec les modos à lire les plus de 1000 messages des gens, quoi. T'as la flemme de faire ça. T'as pas envie, en fait. Genre quand t'as fini ta journée de stream, de taf, t'as pas envie de passer genre 5 heures en plus, enfin 5 heures j'abuse, genre 2-3 heures à stalker littéralement les gens pour voir si ils ont pas dit des trucs qui correspondent pas dans leurs propos. Tu vois? C'est long. MP sur Didi ou Twitch, si quelqu'un vous cause des soucis après vérification, on verra ce qu'on fait exactement. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Si, même si c'est juste dans le comportement de la personne, si vous trouvez que c'est déplacé ou que ça vous gêne ou quoi, bah dites-nous. Hein.
nous envoyer un message et on en discute, y a pas de souci. Hop. Et hop. Ils ont peut-être, bah, ils ont clairement besoin d'attention en fait, mais on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour leur donner de l'attention, tu vois. En fait, je considère que je suis pas psychologue, que je suis pas une garderie non plus, tu vois. Genre, vous venez là pour passer des bons moments, pas pour voir des mythos dans le chat, quoi. On n'est pas des psychologues, vraiment pas. Et il y a des streamers comme ça qui se sentent... et je pense qu'ils en parlent pas parce qu'ils veulent pas blesser la communauté ou quoi. Mais vraiment, pensez-y, on n'est pas des psys. On n'est pas des psys, on n'a pas à voir tous vos problèmes. On n'a pas à entendre ce que vous avez à nous dire sur votre vie, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe mal, tous les problèmes que vous avez, ça nous regarde pas, ça nous concerne pas. Et en fait, nous, ça nous plombe. Honnêtement, quand tu streams tous les jours et que t'as des gens qui viennent et qui te racontent tout leur malheur tous les jours, ça te plombe en fait. C'est plus possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'ici, tous les trucs qui peuvent trigger les gens, c'est pas acceptable, c'est pas accepté. Et on vous demande de pas en parler. Et si vraiment c'est des trucs graves, on vous renvoie vers des numéros de soutien ou des trucs de soutien en général. Mais on ne fait plus de psychologie entre guillemets ici parce qu'en fait c'est juste pas possible et ça nous mine tous, quoi, et c'est vraiment pas agréable. Allez, j'y vais en multijoueur local cette fois-ci. Comme ça, au moins on est bon. Et on va pouvoir aller visiter. Ça peut trigger des gens, c'est clair. Même sur le Discord, hein, des fois, il y a des gens, on voit mettre des messages, je suis obligée d'intervenir. Et d'ailleurs, merci hein, pour les personnes qui me signalent. Trigger, ça veut dire, par exemple, je sais pas, genre... en fait, trigger, c'est genre un déclencheur, entre guillemets. Par exemple, je sais pas, imaginons, tu viens de perdre ton animal, on va parler de chien. Ça va te trigger et ça va te faire te dire ah non, ça me met mal à l'aise parce que bah moi je viens de perdre mon animal, donc est-ce qu'on peut changer de sujet, tu vois. C'est genre, c'est un déclencheur d'un truc qui toi peut te mettre mal à l'aise. Quand tu dis ouais, genre pour pas trigger des gens, c'est pour pas genre éveiller ne serait-ce que un truc qui pourrait gêner ou affecter en fait la personne, tu vois. Et je voyageais. Hop, let's go. Paramétrer un dodocon, accès libre. Déclencher, soulever, ouais, c'est ça. Et si pareil, ouais, si quelque chose vous trigger dans le chat ou même sur mes streams de ma personne ou quoi, si genre vous venez, vous faites tout le temps trigger par un truc en particulier, dites-le moi. Des fois, je peux, c'est peut-être des trucs tout bêtes que je peux arranger, tu vois. On sait jamais, des fois, si ça peut vous permettre de vous sentir mieux sur le stream, let's go quoi. Qu'on change le sujet, ouais, c'est pareil, hein, même si jamais on, dans le sujet qu'on discute, ça vous trigger, vous nous dites, excusez-moi, mais ça me trigger, genre. Est-ce qu'on peut changer de sujet ou sinon bah, je reviens plus tard, etc. Et dans ce cas-là, oui, on peut évidemment changer de sujet, y a pas de souci, tu vois. Et salut Yorvin, je t'ai même pas dit bonjour, en plus, je suis vraiment mal poli. Merci pour tout le follow, en tout cas, merci beaucoup et bienvenue. Salut Neroma aussi, salut Meritea, ça va et toi? Salut Varash, salut Monday, salut Yorvin, salut Eugène, que j'ai pas dit bonjour. Et bonjour à ceux que j'ai pas dit bonjour. Allez, on y go. Les dents, ouais, on parle pas de dents, c'est pas ça me trigger. Moi par exemple à midi j'ai trop salé mes coquillettes, c'était immangeable, mais j'en ai pas parlé ici, c'est good vibe. Et comme ce sujet là fait un peu pitié, j'ai pas partagé ma peine par exemple. On joue. Finalement ça va Yorvin, tu vas bien? Putain, salut les jeux aussi. Tout ça pour dire c'est une safe place ici, donc utilisez-la bien et faites en sorte que ça reste safe, tout à fait. Oh putain. Non, franchement, un jour, j'aurais adoré partager ce moment. Non, en vrai, évidemment, genre, on est là en mode, ouais, des trucs de... Enfin, racontez pas trop des trucs de votre vie trop perso, ce genre de trucs-là, mais bon, enfin, ça dépend du contexte aussi, quoi. Faut pas que, par exemple, genre, d'un coup, sans qu'il y ait absolument aucun contexte sur le chat, tu vois, genre, vous sortez une dinguerie, tu vois. Genre, si on arrive à parler d'un sujet en particulier, y a pas de souci, hein, dites ce que vous avez à dire, tu vois. Mais si c'est vraiment random, dites pas spécialement, tu vois. Genre, que t'arrives au plein milieu du chat alors qu'on est là en mode « Ah, on fait la fête et tout, machin », et que t'arrives et que tu nous dises « Bah, machin vient de décéder. » Ok, bah merci pour l'ambiance. C'est super triste pour le coup, mais on peut rien faire. On peut rien faire, et le but, c'est pas de mettre une ambiance horrible pour tout le monde, c'est vraiment que vous passiez un bon moment, tu vois, pour tout le monde. Enfin, c'est bête, mais... des fois, il y a des trucs comme ça où ça trigger un max, quoi. Donc faites attention à ce genre de trucs. Attention dinguerie, je suis partie des super nunus. Ça, par contre, c'est une superbe information. Non, les jeux, bon, en fait, non, ça dépend du contexte, en fait. C'est pas si random, tu vois, tant que ça peut... Enfin, en plus, on vous connaît, donc je trouve pas que ce soit un peu... Enfin, random, mais tu vois que, je sais pas, j'ai une connerie.
on est en train de parler, je sais pas, genre de personnalisation de meubles, un truc bien précis, tu vois. On est en train de parler de personnalisation de meubles sur Animal Crossing, et tu débarques et tu nous dis, enfin, tu viens de follow la chaîne, tu débarques et le premier truc que tu nous dis, c'est genre un truc qui est complètement hors contexte, hors sujet, et qui, je sais pas, genre, tu nous dis, ah bah moi, j'ai fait du coloriage, non, même pas, ça serait même pas forcément hors contexte, mais genre, moi, je sais pas, genre, bah moi, j'adore les brocolis, tu vois. Donc t'es là en mode, d'accord, enfin, tant qu'on parle pas de brocolis, enfin, tant qu'on parle pas de nourriture, je vois pas ce que ça vient faire dans le contexte, tu vois. J'ai fait pipi. Ouais, ou sinon, en mode, quand t'arrives, tu dis, ah, salut, j'ai fait pipi juste avant, d'accord. Tu vois, genre, enfin, des trucs vraiment archi hors contexte comme ça, qui ont pas lieu d'être et qui ont pas de sens de dire ça. Enfin, en fait, on va juste laisser passer. On a rien à faire, en fait, de ce message-là. On a rien à en faire en soi, dans le sens où on peut pas vraiment répondre. C'est les messages où on peut pas répondre, bah ok, tu le mets dans le chat. Des fois, il y a des trucs que je vois passer 5 fois, la personne le repose 5 fois, on est là en mode arrête de le spammer. Genre, au bout d'un moment, tu vois, c'est que. Genre, juste, j'ai rien à redire sur le message et que bah je le passe volontairement. Mais casse-toi, Tony, là. Je le passe volontairement parce que j'ai rien de particulier à redire sur ce qui a été dit, tu vois. Donc, bon. Ou aussi, il y a un truc, moi, qui me trigger un peu, c'est les gens qui débarquent, enfin, qui viennent uniquement pour parler qu'avec moi. Qu'avec moi, genre. Uniquement, et que genre s'il pose une question et que la personne lui réponde dans le chat, va forcer pour que ce soit moi qui réponde, va repousser la question jusqu'à ce que ce soit moi qui réponde. Genre que ce soit moi, ma personne. Ça c'est insupportable aussi. D'ailleurs des fois, si on vous ignore, c'est pas parce qu'on vous aime pas, hein, c'est juste qu'on a rien à dire, c'est vrai. On fait ça entre nous, c'est vrai, des fois t'as des messages, tu peux pas répondre, genre y a pas forcément de messages répondables. Genre si vous nous donnez une information, une affirmation, d'accord. Genre par exemple vous allez me dire bah complètement hors contexte, ah oh, bah je suis en train de manger des pâtes. Bah bon appétit. J'ai rien à redire, tu vois. Des fois il y a certains messages où vraiment tu te dis, enfin quand tu réfléchis tu te dis pourquoi poster ça. Est-ce que ça va vraiment être pertinent de le dire. C'est comme le fameux message je vais faire pipi, je reviens. Bah nous le dis pas, va faire pipi et reviens, tu vois. Genre t'es pas obligé de nous dire que tu vas faire pipi. Genre c'est pas comme si on allait arrêter le live en attendant que tu reviennes de faire pipi. On va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter pour que t'ailles faire pipi, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, en fait? Comment on peut le trouver? Il est sur les îles d'Amiral. Robusto. Si jamais tu veux le trouver. Rulial le fait à H24 en stream grave, purée. Non, enfin bref, après, voilà. Fin... Après, ça dépend du contexte, comme je vous dis. Genre, c'est pas... Je suis pas là en train de vous réprimander, en train de vous dire que ce que vous faites ça va pas du tout, non, c'est pas le cas, c'est juste je vous dis, je vous explique un peu pour que des fois vous compreniez peut-être un peu mieux certains points de vue, pourquoi des fois on répond pas à certains messages, ce genre de choses, tu vois. Genre les comportements un peu pique-me, j'avoue que moi ça met mal à l'aise, du coup je réponds pas, la plupart du temps c'est le chat qui est obligé de reprendre les personnes parce qu'elles forcent dans le chat, etc. Il y a certaines personnes aussi que moi, volontairement, je ne vois pas. Parce que bah, je les ai mis en surveillance et que si elles sont en surveillance, c'est que ces personnes-là m'ont déjà un petit peu trigger. Du coup, je préfère les mettre de côté et de ne pas les voir dans mon chat classique plutôt que de les voir et qu'elles me trigger encore un peu plus. Peut-être quand on propose une sortie, un truc, vous vous dites oui. Et quand c'est au point d'arriver. Ah, mais tout le temps, Marie-Théa, moi. Ça m'arrive tout le temps. Je t'aime de m'écouter. De force. Non, franchement. C'est comme tu le ressens, si vraiment tu te sens pas de sortir, tu dis bah écoute en fait genre je me sens pas du tout, basta tu vois. Il y a des gens qui comprennent pas ce genre de point de vue là, moi je le vis tout le temps, donc je te comprends, je peux que comprendre. Franchement en vrai si t'as pas envie n'y va pas hein, si t'as pas envie n'y va pas. Me prévenir que péter un câble, ouais, c'est ça, bah après on en discute de temps en temps, là c'est juste parce qu'on est dans le sujet tu vois, c'est pas pour vous faire la morale ou quoi, pas du tout hein, vraiment pas, j'ai pas envie que ce soit perçu comme ça, mais je vous explique juste mon point de vue. Et je vais être transparente avec vous parce que bah, je sais pas, vous méritez quand même de la transparence quoi. Question à la reine des miles. Quand on a un objet perdu, un habitant qui dort déjà. Ah ouais, ouais c'est mort je crois. Je crois qu'il y a moyen que ce soit mort. Je crois que tu peux pas le refaire. Mais tu peux têter plus tôt, ouais tu têtes genre 2 heures plus tôt tu vois, ou enfin quand il dort pas. Si tu têtes. Mais je crois que ouais, le lendemain, l'objet perdu est considéré comme un objet genre random, en mode qu'est-ce que c'était déjà, tu vois. Il me semble que ça me fait ça tout le temps. Ça va faire 2 ans que je suis ici, je vais pas vous mentir, je me sens tellement bien ici. Quand j'ai des problèmes, je me pose ici et puis je me sens mieux. Et modo,
je peux juste vous remercier pour ce que vous faites sur le live et puis le chat, j'aime trop ce safe play, c'est Cohen, merci de partager ta vibe. Mais c'est trop mimi Sophia, j'essaye de vous partager vraiment le mieux que je peux vous partager. Je sais que tu sais, quand tu viens sur un live, tu veux voir de la bonne vibe, de la bonne humeur, tu veux rigoler, tu veux te changer les idées, tu vois, ou juste passer un bon moment sans forcément te changer les idées. Donc j'essaye de faire en sorte vraiment que ça se passe bien. Je suis désolée si des fois tu vois je reprends un peu les gens, peut-être un peu de manière méchante ou quoi, mais bah comme tout le monde j'ai mes limites aussi. Donc je sais que bah il y en a plein qui vont dire ouais mais t'es créatrice, donc tu devrais pas répondre comme ça, tu devrais pas parler comme ça et tout, mais je suis humaine. Je suis humaine et je respire, je mange comme vous. Donc bon. Voilà, désolée, j'étais en train de lire TikTok, mais je vois que ça crie. Je vois que vous êtes en train de vous empoucaner. Excusez-moi, TikTok, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, je vous lis. Désolée si je vous ai pas... si j'ai pas vu vos messages. Je suis en train de transférer mes meubles sur mon île du Let's Play, de mon île que je vais bientôt reset. Donc je voulais pas... Oh non, il y a le gros Albin là. Oh, ma phobie. Je voulais pas genre reset avec tous mes meubles et tout perdre. Du coup, je les transfère sur mon île avant de reset. Enfin, sur une autre île. C'était quoi la question? J'ai pas compris du coup votre question sur TikTok. Désolée, j'ai pas capté. J'ai pas le contexte. Enfin, j'ai pas le contexte, je pense. Et j'ai du mal. Je vous avoue que c'est galère à vous voir sur TikTok là. Purée, c'est trop mal foutu leur truc là. C'est horrible pour vous lire. Ok, bon alors ça va alors, tant mieux. Salut à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui débarquent. La personne, j'avais commencé tes streams en décembre, janvier pendant les révisions de mes partiels. Ça m'a tellement sauvé. C'est vrai, bah, ça fait plaisir franchement que vous... Enfin, genre de vous accompagner comme ça. Ça fait plaisir en vrai de voir que bah, vous nous accompagnez, vous aussi, mine de rien. En fait, on s'accompagne mutuellement, c'est beau. On en parlait un petit peu hier, mais ça me fait trop plaisir en vrai de voir. Même j'en parlais avec une copine hier. Elle me disait que bah, ça lui avait fait du bien pendant une période où ça allait pas, tu vois. Mais genre juste de passer random, ça changeait les idées. Tu te reposais vite fait sur Animal Crossing. Enfin, c'est bête, hein, mais des fois, vraiment, ça te fait vraiment oublier tous les problèmes de te poser quelque part, que ce soit des vidéos YouTube... moi, il y avait une période où ma safe place, c'était vraiment les vidéos de McFly et Carlito, les toutes premières qu'ils avaient fait sur leur chaîne. Où c'était vraiment les vidéos que j'ai trouvées les plus drôles. Genre les trucs en voiture qui faisaient ça me faisait mourir de rire à l'époque. Et j'avoue qu'à pendant un moment donné de ma vie où ça allait vraiment pas du tout, je me focussais entièrement et uniquement sur leurs vidéos à eux. Et purée, mais je passais trop des bons moments, genre j'étais trop dans le bon mood, dans la bonne vibe et tout. Et après, ça revenait tout... normal, tu vois. Ça revenait bien, j'étais chill, j'étais contente. J'avais vraiment des bonnes périodes comme ça. Salut Tom, comment ça va? Merci pour ton follow. Là, depuis que je suis modo, je me sens grave bien, grave utile, j'apprécie ma juste valeur. Ah, Malinix. C'est vraiment des cœurs. Ça me fait plaisir en vrai de savoir que vous vous sentez bien ici, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Donc comme je disais juste avant, je suis désolée si des fois je suis un petit peu... Je peux paraître un peu, tu sais, froide ou renfermée ou quoi, etc. Il y a des moments où, bah, comme tout le monde, ça va un peu moins bien et tout. Et du coup, je suis peut-être un peu plus froide. Mais j'essaye de faire en sorte que ça se voit pas trop et d'être genre correcte dans mes propos, d'être correcte dans ce que je peux dire, etc., etc. Mais il y a des fois où, bah, ça dérape. Et encore, ça va. Je trouve que, enfin, franchement, c'est ok, tu vois. C'est les modos de l'amour, vraiment. Bah mes modos, je pense que vous le savez un petit peu, mais mes modos c'est vraiment mes meilleurs amis, genre on passe tout notre temps en vogue, dès qu'on peut se voir on se voit, c'est vraiment mes meilleurs amis, en fait c'était vraiment des viewers de base pour la plupart, bon sauf Linux qui était quelqu'un que je connaissais déjà de base, qui était vraiment déjà une des meilleures copines à la base, mais genre par exemple Lolo, Voli et tout de base c'était juste des viewers tu vois, des viewers qui m'ont touché différemment. Et des personnes genre qui sont vraiment devenues des amis à force de parler. Enfin voilà, ne serait-ce qu'on soit en vogue et tout, enfin c'est vraiment devenu mes amis et genre j'ai un peu créé entre guillemets mon groupe d'amis et ça m'a fait du bien genre de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir ces personnes là et ça fait genre plus de 2 ans et demi maintenant qu'on se connaît tous à peu près. Il y a Claire, Liux et Nefers qui sont arrivés un peu plus tard dans le groupe de copains, mais c'est toujours un plaisir quoi. Chialer pas, c'est pour les faibles, elle dit. Zinzine va. Cœur sur les super nunuches. Et oui, hein, c'est beau, c'est beau.
passer du temps sur des gens vocaux, etc. J'ai toujours peur de tomber sur des gens étranges. Sur les... Ouais, après, j'avoue que sur les serveurs et tout, c'est différent. C'est vrai. Après, bon, tu vois, par exemple, dans les chats aussi, il y a des amitiés qui se créent. Genre, par exemple, je prends vraiment le cas, genre, Kam Kam, Sheymar, Ruya, Aksu, tu vois, Shirachou, les Jio et tout. Enfin, tu sais, à force de voir des personnes dans le chat, au final, tu apprends un peu à les connaître aussi, tu discutes, etc., etc. Je me permets, mais il y a un petit hic dans le blocage du mot. On peut pas mentionner quelqu'un qui s'appelle Océane. Ah, merde! Ah, c'est un peu con, ça. Ouais, il y a moyen. Oui, j'ai bloqué mon prénom. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Océane. J'ai bloqué mon prénom parce que ça me met mal à l'aise qu'on m'appelle par mon prénom quand je vous connais pas. Du coup, j'ai bloqué mon prénom pour pas qu'en fait il sorte, tout simplement. J'avoue, du coup, c'est chiant. Bah, attends, je vais l'enlever parce que c'est vrai que c'est chiant, mais beaucoup d'Océane. My bad. Bon, bah, du coup, si jamais ne m'appelez pas par mon prénom, ça me met mal à l'aise. On se connaît pas pour qu'on s'appelle par nos prénoms. Enfin, je vous connais pas, du coup, c'est un peu gênant. J'ai l'impression que vous rentrez dans mon intimité. Mais du coup, j'enlève. Attendez, je vais enlever ça. C'est vrai que c'est un peu con si on peut pas me mentionner, c'est un peu chiant. C'est où qu'on fait? C'est où? Modération, elle est où la modération? Paramètres, modération. Bah, beaucoup de gens en jouent m'appellent par mon prénom, ils débarquent. Oh, c'est Anne, ça va? Et je suis là en mode, mais je te connais. Et tu sais, pour moi, quand tu m'appelles par mon prénom, c'est vraiment que tu me connais dans la vraie vie, tu vois. Enfin, tu m'appelles Quen, etc. Ça me dérange pas du tout parce que bah, vous me connaissez sous ce surnom de pseudo-là, en fait, tu vois. Rien demander en relation plus. Oui, bah c'est ça. Après, c'est les relations parasociales et tout, et c'est un peu particulier, quoi. Alors, attendez, termes et expressions bloquées. Ouais, le haut, c'est passe pas non plus. Bon, allez, je les dégage. Mais sachez que du coup, si jamais vous venez à m'appeler par mon prénom, je vais ghoster volontairement votre message pour que vous le reformuliez avec Cohen à la place ou Quen. Mais je ne vous répondrai pas si vous m'appelez Océane. Ça me met trop mal à l'aise. Genre même dans la vraie vie, hein, même mes modérateurs, hein, je les appelle pas par leur prénom. Hein. Sauf si vraiment votre pseudo, c'est le prénom, tu vois. Genre, par exemple, Océane, je vais pas l'appeler autrement que Océane parce que bah, c'est son pseudo, tu vois. Mais genre Roulia, je vais pas l'appeler Julia, tu vois. Genre c'est Roulia, j'appellerai Roulia. C'est bête, hein, mais... Mon pseudo, c'est... C'est un peu bête, mais mon pseudo, c'est littéralement mon prénom. C'est l'anagramme du mot océan, finalement. Enfin, genre, même Linux, je l'ai appelé Linux depuis toujours. Je l'ai jamais appelé Lin, tu vois. Genre... Voli, je l'appelle Voli, je l'appelle pas Maxime. Enfin, je sais pas. En fait, je trouve que c'est... On a des pseudos, c'est pas pour rien, faut les utiliser, en vrai. C'est tout bête, tu vois, mais... Moi, dans le cas-là, c'est vrai que je me pose la question, en mode... Oui, mais c'est différent, Clarelia, on est amis. Vous m'appelez OC, mais parce qu'on est amis, tout le monde dans le groupe de potes m'appelle OC, tu vois. Mais vous êtes mes amis, c'est différent. Vous êtes pas genre des inconnus que je connais pas qui viennent de débarquer sur le live, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais même moi, hein, je vous appellerai pas par votre prénom si on se croisait IRL. Pour moi, ça resterait ouais, du Zabou, du Cam Cam. Je sais pas t'appeler Camille, Cam Cam, tu vois. Pour moi, t'es Cam Cam, t'es pas Camille, tu vois. C'est bête, hein, mais. Enfin. Pour vous, ça peut paraître bête pour certains. Moi, pour moi, c'est pas bête, c'est intelligent. C'est intelligent. Dire chez Marante. Ah, bah, excuse-moi, chez Marante, c'est vrai. C'est vrai, j'abuse un peu. Désolée. Je devrais t'appeler chez Marante, t'as raison. Appeler Camille, ouais, c'est un... Pour moi, c'est bizarre parce qu'on se connaît tous sous un pseudo. Alors pourquoi vouloir se sentir plus proche en appelant par le prénom de la personne? Sauf si vraiment. Si la personne, ça la dérange pas et tout, tu vois, pas de problème. Une deuxième session. C'est chiant. Une deuxième session, Oren, tu peux la supprimer quand tu lances le jeu avec ta deuxième session. Et que avant d'appuyer sur A, tu sais, sur le menu d'accueil pour lancer le jeu, tu appuies sur moins. En bas, en bas ou en haut à droite, à gauche, t'as un petit truc qui s'écrit moins. Et t'arrives sur un menu avec Tom Nook et tu peux, depuis ce menu-là, en fait, supprimer ton personnage. Bah c'est vrai, bah après on se connaît dans la vraie vie, tu vois, enfin on se connaît dans la vraie vie. Genre on s'est connus avant, etc. Enfin on est copines, on a déjà une relation, tu vois. Après si ça te dérange que tu t'appelles Manon, tu peux me dire je peux t'appeler Kashoumi, hein. Tu me dis. Ça fait bizarre maintenant, on m'appelle autrement que Linux. Bah oui, bah moi aussi. Vous savez que quand on m'appelle par mon prénom, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Je change mon île, est-ce qu'il peut... Comment ça tu changes ton île? Salut Louga. Dans quel sens Zamion? Zamion, oui, c'est ça.
Pour le peu que je parle. Non. Ah, c'est l'heure du touche-nez, en effet. Touchez votre nez. Mais mon daron m'appelle Roulia maintenant. Au bout de 7 ans à se parler sur internet, on s'est rencontrés IRL pour la première fois avec des potes. Et on s'appelait, bah bien sûr, mais moi aussi, hein, tu sais, Yorvin. Quand j'ai. Même mes potes que je connais depuis super longtemps, tu vois, après ça dépend qui, genre Dan, tu vois, je l'appelle Dan parce que je l'ai connu sous Dan. Mais genre. Même Tammy. Non, Tammy, je l'appelle longtemps par son prénom, mais maintenant j'appelle. Enfin, Tammy, c'est son surnom finalement. Et c'est cute Tammy, donc au final ça va. Enfin, il y a plein de gens, ouais, même moi, hein, je les appelle pas par leur prénom, tu vois. Enfin, c'est. Je trouve c'est bizarre. Enfin. Moi, je sais pas, genre, imaginons. Ouais, non, je me dis, je rencontre mes copains, je les appelle pas par leur prénom, je les appelle par leur pseudo tout le temps. Enfin, la première fois, bah, je l'appelle toujours Nera. Même pour parler, bah oui, bah, bien sûr, moi aussi, hein. Quand j'ai appelé. Quand j'ai dû dire à mes parents la première fois que j'allais voir les copains d'internet, etc. Donc quand on s'est vus à Paris, tout ça, qu'on s'est tous vus. J'appelais mes potes par leur pseudo devant mes parents. Pour dire avec qui j'étais, etc. Au cas où, tu vois, on sait jamais. Merde. Et genre, Waza, par exemple, son pseudo c'est Wazali. Son prénom c'est Zali. Mais je l'appelle Waza. Et un jour, bah, je parle de Waza, je racontais plein de trucs avec Waza à ma maman et tout machin. Et ma mère, elle connaissait Waza sous le nom, bah, Waza. Et un jour, j'ai dit Zali, elle était là, mode Qui C'est avec un Y, Maritea. Mais ouais, c'est Mimi, Zali. C'est vraiment Lisa à l'envers, finalement. Et salut, Emma, comment ça va? Mais, enfin, bref, du coup, elle était là, mode Qui ça? Je comprends pas. Ah oui, oui, oui. Enfin, quand t'appelles tout le temps quelqu'un par son pseudo, bah, après, tu te perds, quoi. C'est plus le prénom. Slay. C'est presque les mêmes lettres, hein, dans Slay et Zali. Enfin, bref. Tiens, ouais, j'avoue que Roulia, je t'appellerais pas Julia, tu vois, même si on se connaissait en vrai. Enfin, si on s'était connu avant, oui. Mais même, je pense que je t'aurais appelé Roulia dans la vraie vie, tu vois. Possiblement. Ma mère pensait que Voli s'appelait Voli. Mais moi aussi. Moi aussi. Mais pareil, hein. Ma mère, enfin, je t'avais toujours appelé. Enfin, au lycée, je t'appelais Lynn. Et c'est vraiment par la suite que j'ai vraiment appelé Linux. Et ma mère était là, mode, qui c'est Linux? Bah, c'est Lynn. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ok. Ah oui, d'accord. Des fois, j'essaye des fois d'y aller avec les prénoms de mes potes. Pour que ma mère se. Enfin, que mes parents se rendent compte que c'est vraiment une personne derrière et que c'est quelqu'un qui a un prénom random, genre Margot, Maxime, etc. Et c'est vrai que bon. Salut Gatwin, ça va et toi? Et merci Aya Framboise pour ton follow. Toi, tu me fais penser à l'été. Oui, t'as vu le gamer, on est déjà à 225 sur 300. Mais la route est encore longue. La même PTDR, mais ça la perd, bah oui. C'est compliqué. Son totem scout. J'avais oublié son prénom. Mais dites-vous que des fois, moi, je sais pas c'est quoi les prénoms de mes potes. Genre, Clarelia, les autres, des fois, ils l'appellent par son prénom. Moi, je suis là en mode, c'est qui ça? Même Nefertz tout le temps. Moi, je l'appelle Nefertz. Ou Nefertz, tu vois. Je l'appelle pas par son prénom. Et du coup, quand vraiment, des fois, ils disent son prénom, je suis en mode, mais c'est qui ça? Et ils sont là, ils me regardent, ils sont là en mode, mais comment ça, c'est qui ça? C'est moi, Bolos. Je suis là en mode, putain, j'avais oublié que tu t'appelais comme ça. Genre, premier degré, des fois, j'oublie que c'est leur prénom. Tellement, je les appelle pas par leur prénom. Ah oui, merde, pardon, c'est vrai, je suis con et tout. Enfin, c'est terrible. Oui, encore, toi, ça va, Clarelia, genre, c'est proche. Alors, Nefer, ça change tout de fou. Mais du coup, je suis là en mode, mais c'est qui ça? C'est qui? Ah, putain. Ah, enfin, les vacances, let's go. Mais c'est vrai, là, on est vendredi, certains ont quitté, ouais, déjà. Les relations sociales ont toujours été compliquées. Eh, mec, même là, avec un sujet dont j'avais discuté avec Feno, qui m'avait complètement bad mood sur le chat, et elle m'avait beaucoup rassurée vis-à-vis de tout ça. Moi, j'ai du mal à parler. Sur le chat, tu veux dire, avant? Vraiment que j'ai loupé un message, peut-être. Peut-être que c'est moi qui ai loupé un mot. Ah, bien sûr, j'ai trouvé ce surnom, pseudo. Chacha, tout le monde. Ouais, je comprends, j'aime en vrai. En vrai, des fois, c'est dur de trouver un pseudo aussi, hein. Et franchement, c'est pas évident. Et salut Harry, ça va et toi? Comment tu vas? Bienvenue. Prendre, c'est tout le temps, je me trompe. Les motifs que j'utilise, Tom, ils sont sur mon Pinterest. «
Oui, c'est vrai, il y en a qui reprennent lundi. Bon courage hein, pour la reprise déjà. Bon, j'espère que vous avez pu bien profiter de vos vacances. Moi, j'aurais dit Cassandra pour le casse, mais c'est sûr, c'est pas ça. J'ai mis longtemps avant de trouver le mien en vrai. Super long à chercher. Ouais, de fou, hein. Moi, quand j'ai repris les vidéos, fallait absolument que je change de pseudo et j'ai passé des semaines à réfléchir. Et au final, j'ai pris mon prénom, j'ai modifié de place les lettres et puis c'était ça. Enfin, honnêtement, je me suis pas fait chier. J'ai réfléchi beaucoup, j'ai regardé comment les créateurs de contenu s'étaient renommés à l'époque quand j'ai créé mon pseudo. Et je suis tombée sur Amixem. Je me suis dit, bah ouais, il est pas con. Il est pas con. Voilà. Il est pas con. Le pestacle pendant la vaisselle. Le pestacle pendant la vaisselle, comment ça? Zumbi, on commence enfin les vacances, eh oui! Salut Tammy! Tu m'as pas envoyé tes ongles, je suis un peu déçue, mais bon, bref, je vais les trop voir, mais bon, bref. Tu m'enverras une photo, tu m'enverras une photo. Arena devant le lave-vaisselle. Avant de laver la vaisselle, mais toi t'es zinzin. Je vais y remédier. Ah, ça me fait plaisir. Tiens, tiens, tiens. Et certains prénoms qui sont faciles à pseudoter. Par exemple, le mien il est impossible. Oui, c'est vrai qu'il y a des pseudos, enfin des prénoms qui sont faciles à pseudoter. C'est bien le mot pseudoter, j'aime bien. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres. Oh, putain, vas-y, va trouver quoi. Je suis zinzin. Genre Lolo, il est dur son pseudo, enfin son prénom à pseudoter. Il a carrément Géchant de pseudo, il a créé un pseudo quoi. C'est trop difficile aussi. J'aimerais trop virer le 29-10 du mien, mais je sais pas trop quoi mettre. Bon, en vrai, tu mets un tiré du bas. Hop. Hop, ça dégage. Oui, c'est. Je vais pas en parler à Nathalie, ça sert à rien. En vrai, on va voir un message sur Insta à vous si tu veux, on en discute des trucs du pourquoi, du comment. On va travailler à faire soi-même. C'est pas facile. Ouais, je comprends, je comprends. Des fois, t'as peut-être même. Enfin, même des fois, genre. Pas obligé de discuter, genre, si tu le sens pas, y a pas de souci, hein. Attends, rajouter un X à nos pseudos pour faire un nom. Oui, j'avoue, Clarilux. Bon, Lolo, ça marche pas, Lolox. Tu t'as mix, j'avoue. Ça dépend des pseudos. Tu m'as envoyé, je vais regarder ça de ce pas. Oh, waouh! Ah, t'as fait du rouge! Je sais pas pourquoi je m'imaginais du rose, mais c'est trop beau ça. J'adore. Ça slay! Linux? Ah oui, c'est vrai, pardon, du coup, c'est vrai. Le Winix? C'est vrai. Y a trop de chidori sur Twitch. Ah ouais? Après, moi, je connais que toi, j'avoue que. Oh, merci, Melvin, pour le go. Il est venu, il a mis son gros cul sur mon écran, genre. Ton geek, ça fait. Ouais, non, oublie. Je me permets de rejeter le mot porno quand même. Albin, non, le regardez pas, franchement, le regardez pas. Neferx, non, ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas. Oui, par exemple, Miss, ouais, de fou, ça passe aussi. Après, t'as plein de trucs, hein. T'as beaucoup de trucs, hein. Et salut, Talia, désolé, je t'ai pas vu. Merci, c'est gentil. Bon, après, là, tout qui est un peu vide pour l'instant. On va utiliser les Bamos à la Playa, moi, je vous le dis. Utiliser chaque espace. Volix, on dirait un Pokémon. Volix, c'est. Non, ça passe pas trop, je trouve. Mais je t'ai dit bonjour, Tom! Rebonjour. Volix! Elle serait la Lowinix. Moi, c'est mon Volibro. Mon Volibro! Ah, je pensais que. Ah, je vais pas mettre là. Bah, my bad. On va se mettre là. Merci Chouxi pour ton follow, bienvenue. Fan de Naps numéro 2. Ah, c'est ça, ouais, je pense. Il s'est trompé, je pense, dans son pseudo. J'ai mis 4 ans après mon pseudo. Un pseudo. 4 ans? Ah, ouais, quand même. Mais arrête, des fois, t'es vraiment pas d'inspi, hein. T'as pas de truc qui te vient et t'as des fois, t'as le. La lumière en mode. Oh my god, c'est ça, je m'appellerai comme ça. Non, je suis pas à Lyon. Non, non, ils sont juste rejoints. Ils vont chez Nefert, etc. Mais en fait, moi, ça me coûtait super cher. Le trajet était super long. J'ai fait la flemme. Je me suis dit, ouais, non. Au vu du prix, j'en avais pour 150 € aller-retour. Plus 4 heures ou 5 heures de train aller, 5 heures de train retour.
C'était trop cher. C'était vraiment trop cher et j'ai pas les moyens de... Pour l'instant en tout cas, je préfère économiser et puis mettre ça dans ma garantie de loyer de mon futur appart. En barre voli republication, c'est hilarant, non? Est-ce que ça m'étonne? Même vraiment pas. Non, c'était vraiment abusé les prix. C'est vraiment abusé. Le train, c'est de plus en plus cher, mais vraiment. Et après, ils se plaignent. Enfin, après, ils sont là en mode, bah ouais, mais ne prenez pas l'avion. Bah ouais, mais l'avion, il est 6 fois moins cher que le train, des fois. Enfin, pas dans mon cas, mais c'est vrai que des fois, genre, tu fais des trajets, genre Paris, je sais pas, genre Toulouse pour 20 balles. Enfin, peut-être pas 20 balles, mais genre 40 à la place de faire Paris-Toulouse pour 80, quoi. Donc forcément, en fait, la question est vite répondue. T'as 4 heures de trajet en moins, et t'as 60 euros de moins, bah forcément, tu vas t'orienter vers l'avion. C'est terrible, parce qu'ils pourraient vraiment faire en sorte que l'avion soit vraiment plus cher et les trajets de train soient plus... Enfin, moins chers, mais bon. Et bon. Ouais, j'ai pas hâte de regarder les stories parce que je vais avoir le seum de pas y être allé, mais bon, c'est pas grave. Histoire de mon pseudo, j'aime les chats, j'ai une amie qui... Ah, ça remonte. chou, donc chat chou. C'est trop commun. Pseudo, mais ouais, c'est ça, tu vois, genre des fois juste un petit truc que tu rajoutes, genre là le cas, chat chouka, ça slay. On se réconforte. Oh oui, pitié. Mais pas ce soir, Linux, que je suis de sortie. Mais si je rentre pas trop tard, why not? Et en voiture, vous divisez les frais par deux. Je préfère pas prendre ma voiture pour l'instant pour faire des gros trajets. De quoi, nébuleuse? Je trouve pas quoi. J'ai en fait, dis-toi que j'ai jamais fait de trajet. De très gros trajet de voiture. Ça fait 6 ans et demi, enfin non, ça va faire 6 ans que j'ai le permis. Ça fait 5 ans et demi que j'ai le permis là actuellement. Bientôt 6. J'ai jamais fait de gros trajet en voiture. Genre des trajets de plus d'1 heure, j'ai jamais fait. 4 heures de trajet, ça me fait un peu peur. Tu sais, quand je vois, genre. Je sais que Lucas et Inès, souvent, ils prennent la voiture et ils font des trajets genre de 4-5 heures de route pour retourner chez leurs parents à chaque fois. Je pourrais pas. Ça m'angoisse en fait. Des gros trajets comme ça. Salut Letty, comment ça va? C'est quoi le permis? Ah, beaucoup de choses. Je pourrais faire ça toute la journée. Ah ouais? Non, moi j'avoue que. En fait, ça dépend. Genre l'autoroute et tout. Je suis grave habituée parce que j'ai appris à rouler sur l'autoroute moi donc ça me dérange pas. Mais je suis très angoissée en fait quand je conduis dans des endroits que je connais pas. De peur de me tromper de route et tout. Du coup, ça m'angoisse énormément. Et c'est un peu horrible, pour être honnête. Oh my god, Letty. J'espère qu'elles seront bonnes les fraises, qu'elles auront du goût. Toujours peur de rouler sur l'autoroute. Ah ouais? Non, moi l'autoroute ça va. Enfin, l'autoroute de Nancy ça va. L'autoroute de Strasbourg, t'as 4 putains de voies. Je me chie dessus. Littéralement, quand je prends la route en voiture aux alentours de Strasbourg, il y a 4 voies. Et des fois, t'es sur la 4, enfin, t'es sur la voie la plus à gauche, tu dois aller sur la voie la plus à droite pour aller vers la sortie. Mais c'est pas possible, genre. Ça, c'est mon angoisse. Et c'est pour ça que je ne prends pas la route. Genre à Nancy, je m'en fous de prendre la voiture et tout. Mais à Strasbourg, je prends jamais la voiture, même. Pour aller au centre-ville, je prends le bus. Je prends pas la voiture. Déjà, bon, ça économise un peu de tout, mais bon, ma voiture, elle roule pas, quoi. J'ai dû changer la batterie parce que je roule pas. Terrible. J'adore les grosses routes. Ah, je déteste. Toi, c'est une zinzine, toi. C'est une zinzine. Merci pour le... Ah, bouer. Bon, alors, on se trompe? Ah non, moi, je suis en France. Pourquoi je serais en Belgique? Strasbourg, pour le coup, c'est vraiment bien en France, quoi. je peux prendre l'autoroute avec ma voiture. 5, 30... Ouais, vraiment, mon cousin, il a une... Il a récupéré, en fait, la petite Twingo que ma cousine avait et que la grande-tante de ma cousine avait et lui avait donnée, etc. Donc, ils se sont filés la voiture. Purée, mon cousin, des fois, il passe me prendre quand on mange chez ma cousine. C'est arrivé une fois parce que mon frère était déjà parti, j'allais pas prendre une deuxième voiture de la maison pour aller en ville plus de 30 minutes et tout, donc j'ai demandé à mon cousin de venir me chercher avec ma cousine en voiture. Putain, sa petite Twingo, déjà je galérais à rentrer dedans, puis la voiture. Vraiment. Sur l'autoroute, elle était en galère dans la montée, la pauvre, c'était terrible. C'est presque en Allemagne, c'est vraiment collé à l'Allemagne, on peut le dire. C'est bien en France, mais presque en Allemagne finalement. Ah, purée.
Ah mais conduire sur Paris, vous êtes des malades, hein. Franchement, je vous admire les personnes qui conduisent sur Paris. Oh là là, les accidents toutes les 30 secondes. Mais Albin, casse-toi vraiment, on veut pas te voir, je pense. En quatrième dans la montée pour pas perdre de kilomètres. J'ai ma voiture, ah, trop bonne voiture. C'est quoi ta voiture? Lox, ce grand malade. Ouais, vraiment, Lox, il prend la voiture. Bon, après, Lox, il est plus en banlieue que sur Paris, mais bon, même en banlieue, c'est blindé, quoi. Je veux Albin, c'est quel... Tu veux Albin? Je ne répondrai pas à cette question. C'est de la torture pour toi-même. Pour toi-même, ça va pas. Écoutez pas l'arnaque, qu'est-ce qu'il va dire? Découvert le périph en Uber. Ah non, mais vraiment, moi, pareil, hein. J'ai découvert le périph aussi. J'ai découvert toutes les routes, en fait, de Paris. Enfin, toutes, pas toutes, mais une bonne partie des routes sur Paris. Grâce au Uber, quand on fait des déplacements et tout. Franchement, je suis à ça de vomir à chaque trajet, quoi. L'angoisse, mais jamais de la vie, hein. Jamais de la vida loca, quoi, comme on dit. Vraiment pas, quoi. Ouais, Letty, pourquoi? Bon, qui n'aime pas Europa Park, c'est le sang. Ah, je pense pas que ça se mettrait en face, là, le truc. Bon, c'est cool, au moins, ça fait un meuble en plus de placer au sol. Je pourrais pas même voir. Ouais, c'est ça, hein. Il faut y aller, il faut y aller. Au Québec, la majorité des gens ont une voiture. Tout est loin. Ouais, j'avoue que c'est vrai que... Pas trop le choix, quoi. Des fois, ouais, même en campagne, hein, moi j'ai pas eu le choix de passer le permis parce que j'étais à la campagne. Hein. Mes parents, ils habitent à plus de 30 minutes de la ville. J'avais pas le choix que de passer mon code, passer mon permis pour pouvoir me démerder et d'être autonome. Parce qu'en fait, ça fait chier quand t'es parent et que tu dois emmener ton gosse à 30 minutes de voiture, plus toi revenir, ça te fait une heure de trajet, plus retourner le chercher 3 heures après et revenir, c'était abusé. Genre du coup je sortais jamais, mes parents voulaient régulièrement pas que je fasse de sortie et tout, donc je demandais jamais parce que bah, c'était trop loin, fallait emmener, etc. C'était chiant de ouf, quoi. Salut Charline, salut Hailey, comment ça va? Pas de quoi être permis au MG. Bah franchement, depuis que j'ai le code, j'ai eu le permis dans la foulée, bah ça m'a permis vraiment d'être autonome, quoi. Quand j'étais jeune, j'ai pu avoir un scooter. Ah, ça c'est cool en vrai, ouais, j'avoue. Scooter et tout, pourquoi pas. C'est cool en vrai le scooter, franchement. Nigloland. Nigloland, pas Nogloland. C'est Nigloland. Nogloland. Ah, en plus, c'était corrigé, c'est ça le pire. Ah, je suis en tête, let's go, Lox. On parlait de toi justement, on disait que c'était un zinzin de prendre la voiture pour aller au travail. Parce que c'était l'horreur sur Paris. J'ai le permis, mais je cherche la voiture. Mon permis, j'ai une tuile depuis un an et demi. Bah, après, oui, il faut la voiture, ça c'est sûr. Je faisais 15 fois l'aller-retour pour mon lycée. Ah non, mais. Voilà, littéralement pour ça. Hein. Moi, dites-vous, j'étais au collège, j'étais scolarisée à peine 15 minutes de route. Allez, 20 minutes, grand max, si c'était. Si la circulation, c'était la. Grand max de route de mon collège. C'était soit je quittais à 13h et je prenais le bus qui m'emmenait dans le village. Je me tapais tout le trajet du bus. Hein. De campagne, hein. C'est des villes de campagne, des petits villages de campagne. Je me tapais tout le trajet de bus pendant genre 45 minutes pour arriver dans le bled qui était à côté, genre à 5-10 minutes grand max de chez mes parents, qui viennent me chercher là-bas et qui me ramènent. Ils venaient pas me chercher là-bas, hein. Je prenais le bus et si j'avais le malheur de quitter genre à 15h, ah bah c'était mort, hein. Je restais en perme jusqu'à 17h30. Hein. C'était mort, je restais en perme, ils venaient pas me chercher pour 2h. 3h, ok. Genre à 14h, ok, tu vois, à la rigueur. Mais non, non, le reste, je me démerdais, hein. Je me démerdais. Le lycée, bon, j'étais interne. Parce que, bah, évidemment, quand t'habites en campagne, tu vas pas prendre le train à 5h30 tous les matins pour aller au lycée. Parce que sinon, en fait, tu rentres, il est 19h30. Le temps que tu te douches, que tu te manges, en fait, t'as pas de temps, t'as rien. Tu peux rien faire, en fait, t'as pas le temps. Donc, terrible. Je suis jamais restée en perme. Bah, en vrai, moi, la perme, ça m'a permis de faire mes devoirs. Et quand je rentrais, bah, j'avais fini. Puis j'avais rien à faire, quoi. Donc, d'un côté, c'était pas plus mal. Parce que bon, je faisais mes devoirs en perme et basta, quoi. Ah non, mais c'est pas une vie vraiment. Hein. Et je me rappelle Linux. Je sais pas si t'es toujours là, mais genre, tu vois, Lulu, quand elle avait quitté. Non, c'est la fausse, Tom. C'est la fausse et. Voilà, c'est la fausse. Du coup, ouais, Lulu, tu vois, elle avait quitté l'internat. Et elle, pareil, elle se tapait des 5h30 le matin. Elle rentrait, il était 19h. Enfin, c'était un enfer, quoi.
Et elle était morte, elle était KO, et pourtant elle revenait, elle était plus contente d'être chez elle que d'être à l'internat, mais bon. Et en vrai, franchement, l'internat, c'était pas si cher, c'était genre 1000 euros l'année. L'année. Genre, en vrai, c'est rien quand tu y repenses, hein. C'est une IA, tout à fait, tout à fait. Ok, il m'a dit en plus. Tom, bah bien sûr que c'est la vraie, tu as pas le gros badge vérifié avec la coche devant. Aïe, aïe, mais évitez de lui choper la veste. Évitez de choper la veste de des autres créateurs de contenu qui viennent sur les streams. C'est pas très agréable, genre quand t'arrives et tu te fais choper. Ah, oh, c'est la vraie Charline, genre. Oh là, on s'en fout, genre, que ce soit la vraie, la fausse. Elle vient en civil profiter de son moment, en fait. J'ai tous les meubles d'intérieur là, mais ça en vrai, on pourra le faire plus tard, non? Je suis là à me donner ça, mais on s'en fout. On va prendre cela. C'était 700 par trimestre. Ah, c'était 700 par trimestre, ok. Je me rappelle pas. Ouais, c'était 1500. Ah bah non, du coup, c'est plus, c'était genre 2000, un peu plus. Un peu genre vers 2000, ouais. Elle vit en civil, mais c'est vrai, genre, quand on va sur les streams des copains, c'est pour être en civil, tranquille, pas pour se faire choper par le callback, comme, ouais, j'attends ce que tu fais, c'est gentil, hein, mais... Enfin, tu viens pas là pour qu'on parle de toi, tu viens là pour qu'on parle de la personne qui stream, tu vois. Ça peut être dérangeant, moi je sais que ça me met trop mal à l'aise quand je vais sur les streams des copains, que vous soyez là, enfin qu'il y en ait certains qui soient là, enfin qui soient là, en train de me choper la veste, en mode, ouais, j'adore ce que tu fais, sur ce qu'une prochaine vidéo, c'est quand ton prochain live. Arrêtez, genre, ce genre de comportement, c'est vraiment pas possible par contre. C'est vraiment déplacé pour le streamer chez qui vous mettez ces genres de messages en fait. Imagine mon internat, haha. Bah imagine moi en internat. Voilà. Avec des meufs que t'aimes pas dans ta chambre. Enfin, une meuf que t'aimes pas dans ta chambre. C'était gênant parce que... Quand j'étais en internat, j'étais... Alors au début, en seconde, j'étais avec bah, Clara, Linux, et Manon. Qui était partie en cours de route. Donc au final, elle s'était retrouvée à deux dans la chambre. On était l'une à l'opposé. On était super copines, ça allait, il n'y avait pas de problème. En première, je sais plus avec qui j'étais. Non, si, en première, je me suis retrouvée avec la meilleure amie de mon ex dans la chambre. Une meuf qui était, que je trouvais très impressionnante et qui me faisait peur, honnêtement. Et qui me foutait un peu... pas les jetons, mais j'étais gênée par rapport à elle. J'étais très mal à l'aise face à elle. Je me la sentais vraiment, genre, supérieure à moi. Je la sentais vraiment supérieure à moi. Et ça me mettait trop mal à l'aise. Et j'étais dans sa chambre. Non, tu choisis pas, Jérémy. Tu vas te faire foutre, hein. Tu demandes à changer de chambre, tu vas te faire foutre. On avait demandé à être ensemble avec Linux et on n'a pas été ensemble. Tu vas te faire foutre, littéralement. Mais ouais, enfin, du coup, voilà, je me suis retrouvée dans la chambre de la meilleure amie de mon ex. C'était sympa. On se parlait pas, hein. On était juste là, on dormait et basta, elle passait sa vie dans la chambre d'une autre meuf. Ils nous ont dit, on mélange pas les lycées. Vraiment, enfin. On se lève à la même heure, mon grand, quoi. Enfin, je sais pas. En fait, c'était une meuf avec qui j'étais au collège. Et cette meuf-là, en fait, la meilleure amie de mon ex, c'était... J'étais au collège avec elle. Et c'était la toute première personne à qui j'ai parlé au collège. Casse-toi, boum boum. C'était la toute première personne à qui j'ai parlé au collège. Donc c'était pour moi ma toute première copine. Sauf qu'en fait, après, bon, on s'est plus du tout recroisés. On n'était pas dans la même classe. Du coup, bah forcément, nos chemins se sont un peu croisés. Et c'est la toute première personne à qui j'ai parlé parce qu'en fait on était, bah, elle habitait dans, justement dans le village d'à côté à 10 minutes de chez mes parents que je vous disais où fallait que je prenne le bus et que je descende dans ce village là, elle habitait là. Donc en fait le tout premier jour de collège, il y avait que elle dans le bus parce que tous les parents amenaient leurs enfants et tout. Moi j'étais toute seule dans le bus avec elle, elle était rentrée avant moi dans le bus donc moi j'arrive. Je me suis, alors on était toutes les deux genre presque devant mais on n'était pas devant devant mais on était dans l'avant du bus quoi. Donc je me mets de l'autre rangée des sièges pour pas être genre collée à elle non plus, mais... Et elle a commencé, enfin je crois qu'on a commencé un peu à parler, un peu nerveusement, en mode... Et puis on est descendu du bus, on était là toutes les deux, bon on se connaissait du coup que du bus, bon on se connaissait pas du tout, mais on se connaissait que du bus. Et bon, on en est venu à parler, on a été voir les trucs des classes ensemble, et tu sais en 6ème il t'appelle. Et là je vois qu'il l'appelle, et j'étais là, pitié que je suis dans sa classe, pitié que je suis dans sa classe, pitié que je suis dans sa classe, que je voulais absolument pas être toute seule, parce que c'était ma seule connaissance, tu vois. Donc j'étais là en mode... j'étais angoissée. Et ils l'ont appelé et j'étais dans la classe d'après, donc j'étais pas dans sa classe. Et du coup je suis arrivée dans ma classe, je connaissais personne, j'étais là, oh là là. Mais du coup c'est la toute première personne que j'ai connue, mais après elle a grandi et elle traînait, en fait c'était littéralement le groupe de meufs populaires du lycée, enfin du collège, voilà. Elle ne faisait pas partie des populaires, mais elle faisait partie des meilleures amies des populaires et du coup bah, elle était un peu impressionnante sur ça, parce que bah... Genre elle te foutait la pression, c'est le genre de personne qui te foutait... Enfin pas qui te harcelait parce que c'était pas ça, mais tu sais qui te portait un jugement quand même. De loin il te portait un jugement tu vois. Et elle en faisait partie. Et du coup bah voilà. Et j'ai toujours eu cette impression suite à ça du coup que bah genre
qu'elle était supérieure à moi suite au collège en fait. Et le fait que finalement soit la meilleure amie de mon ex par la suite, bah flemme. Flemme. Casse-toi Albin, vraiment personne veut te parler là, dégage. Il est là, il saute sur le côté, casse-toi. Pour répondre à la question de tout à l'heure, Albin il vient en avril, au début avril je crois. Enfin je sais plus, fin mai, je sais plus. 20 mars je crois cette année. Ouais vraiment Néroma, je te jure. Albin en mode frère. Des grognasses, hein, vraiment, c'est ça. C'était quoi votre truc pour vous faire des potes au collège? Bah, pas grand-chose, honnêtement. Moi, au collège, les premières copines que je me suis fait, ça a été les personnes les plus harcelées du collège après. Parce que c'était des personnes qui avaient toujours été très gentilles avec moi, et bah, j'ai jamais rien eu contre elles ou quoi, mais c'est juste que nos chemins se sont séparés quand j'ai rencontré d'autres personnes. Genre, on était devenus copines parce qu'on était un peu les personnes toutes seules, parce qu'on connaissait personne. Il y avait deux personnes. Il y en avait une qui avait... patience, elle était déjà si jeune, attaquée par l'acné, mais genre violemment. Je pense que c'était la personne qui avait le plus d'acné, malheureusement, du collège. Donc elle se faisait tacler sur ça en boucle, en boucle, en boucle. Et l'autre copine, c'était une meuf qui était... qui était catégorisée comme s'habille mal. Ou un peu en mode fais pitié, MDLOL. Du coup, tout le monde l'a harcelée sur ça. Genre, enfin, les deux se faisaient harceler sur ça et tout. Et moi, j'étais là en mode, bah, moi, c'était mes deux premières copines... Je comprends pas trop et tout, enfin... Bref. Du coup, le temps a passé, je me suis fait d'autres copines dans ma classe. Dans ma classe, j'avais des triplés, un sixième. Un deuxième trio de triplés, parce que je connais deux trios de triplés. Qui ont fait partie de mes meilleurs amis du collège, vraiment. Et du coup, avant que ma meilleure amie d'enfance, elle arrive au collège, parce que j'avais un an de plus qu'elle, je me suis fait d'autres copains, et je me suis fait du coup les deux filles des triplés comme copines. Bon, le garçon, on s'en fout, tu vois, mais je me suis fait les deux filles de ce groupe comme copines. Et ces deux filles-là étaient en primaire avec d'autres personnes. Du coup, en fait, elles étaient venues au collège avec d'autres personnes qu'elles connaissaient déjà. Du coup, bah, c'était un petit groupe de copines qui était déjà fait. Et puis, je me suis greffée à elles. Et puis, bah, on est devenues copines. Et puis, c'est resté jusqu'à la troisième. Mais voilà, c'est vraiment mes meilleures copines du collège. Et au lycée, on était dans le même lycée. Alors, pas pour toutes, mais on était dans le même lycée pour beaucoup. Et on n'était pas dans la même classe, malheureusement. Donc, on s'est un peu perdu de vue. Puis, on s'est refait des potes après. Mais c'est à force de discuter, etc. L'enfer, hein, vraiment le collège, surtout, genre. Surtout, je dirais 6ème, 5ème et 4ème. 3ème, en vrai, je pense que t'es assez grand mentalement pour comprendre qu'il y a des trucs que tu peux pas faire. Pas dire. Pas faire subir aux autres, etc. Je pense qu'il y a quand même des trucs comme ça. Mais il y a des gens qui. Malheureusement, bah, ont pas eu de chance avec ça, quoi. Mes potes du collège, je suis allée les voir parce qu'elles avaient de la bouffe. C'est toujours mes meilleurs amis, donc ça va. Non. T'es là, t'es en primaire, t'es innocent et bim, le collège. Mais c'est ça, hein. Franchement, tu te prends une giga tarte dans la gueule. Hein. Honnêtement, le collège, il te matraque. Hein. Après, pour certains, ça va. Moi, le collège, en vrai, il m'a pas... J'en ai pas des mauvais souvenirs spécialement. J'ai subi, genre, 2-3 moves de harcèlement au collège, mais... Je l'ai pas vécu mal, enfin je l'ai pas vécu comme tel, c'était juste des grosses connes quoi, donc j'étais là en mode, ah mais toi t'es vraiment conne, ok, t'es une conne en fait, genre vraiment, tu me parles comme ça, tu me harcèles, tu me pousses dans les bacs de plantes, ok, t'es vraiment juste une grosse conne et puis c'est tout, tu vois. Je me suis jamais trop attardée, jamais vécu ça comme du vrai harcèlement ou quoi, mais je sais qu'il y en a qui l'auraient pris vraiment plus personnellement, parce que justement, bah, mes premières phases de harcèlement à l'école, c'était quand j'étais pote avec mes deux toutes premières copines que je vous parlais juste avant. Et on était dans un coin de la cour, on était tranquille et il y avait des gros bacs de fleurs, je vous explique, enfin je vous l'ai déjà dit plein de fois. Il y avait des gros bacs de fleurs en fait, où ils plantaient des fleurs en été, mais là ils étaient vides donc il y avait que du terreau dedans. Bon ça va, il faisait juste froid, c'était pas mouillé ni rien, enfin je sais pas le souvenir que ça mouillait, c'était juste des bacs de terreau quoi. Et en fait c'était la meuf qui nous a fait ça, c'est une meuf qui était déjà grande, elle était très grande, enfin elle faisait genre, enfin pas ma taille mais genre elle faisait genre 1m65, 70 en 6ème, donc elle était grande. C'était Cassandra, cette grosse grognasse de service. Et bref, et cette meuf-là, en fait, elle avait deux copines avec qui c'était un peu genre, vous voyez, mais littéralement le cliché des meufs, des harceleuses. Littéralement. Et cette meuf-là, elle arrive et tout, puis elle a trouvé ça marrant de nous pousser une par une dans le pot de terreau, en fait, dans le gros pot de terreau. Et j'étais là en mode, c'est quoi ton problème? Enfin, tu sais, j'étais vraiment sur le cul en mode, enfin, premier degré, j'étais sur le cul, sur le bac de terreau. Et j'étais là en mode, mais c'est quoi ton problème? Enfin. Moi ça m'a pas du tout touché, je sais pas comment elles ont vécu ça les filles avec qui j'étais, mais j'étais juste là en mode mais t'es... Les Cassandra sont des grognasses de toute façon sauf Fluffy. J'étais vraiment là en mode mais je capte pas le move, hein. Vraiment t'es vraiment une grosse conne et puis c'est tout tu vois.
J'ai été le dire. Bah, moi, rien à branler. Hein. Tu me fais un truc comme ça, je vais te poucave. J'ai été la poucave. Elle s'est fait convoquer chez le CPE. Elle s'est fait engueuler. Elle l'a plus jamais refait. Et cette meuf a plus jamais reparlé. Tant mieux. Mais maintenant c'est clairement devenu genre le genre de meuf que t'as pas envie de devenir quand tu grandis. Genre c'est horrible de dire ça. Ça me fait chier de dire ça, mais c'est vraiment devenu une grosse cassos. Genre vraiment. Genre franchement, elle me fait pitié maintenant. Genre désolée, je suis désolée de dire ça aussi, mais c'est vraiment devenu une cassos de ouf. Genre enfin bref. Une grosse conne, quoi. Après, bon, tu me diras, t'es un harceleur. Bon, tu mérites pas grand chose de bien, donc finalement, karma, comme on dit, quoi. Des gros bolos, ouais, c'est vraiment une bolos, mais vraiment. Le troisième qui n'a tout fait pour que je stabilise. Vous êtes gentille, madame, mais laissez-moi dans ma sociabilité, vraiment. Des fois, t'as juste pas envie, tu sais. Bon, c'est pas le bon mot, cassos, parce que bon, c'est vraiment un problème social, etc. Mais c'est pas le bon mot, et vous avez compris dans quel sens. Je veux dire le terme, quoi. Moi aussi, Marceleuse, je l'avais revue. C'est une big cassos, c'est grave drôle, mais vraiment. Oui, je suis pas méchante, moi, même si mon nom c'est Cassandra. Ah, moi j'ai rien contre les Cassandra, juste contre celle-là. C'est vraiment une grognasse, celle-ci. Mais toi, t'es pas une grognasse, c'est ça. Les pauvres Cassandra qu'on a demandé dans le chat, vraiment, je te jure. C'est terrible. Et ouais, enfin bref, il y avait juste eu ça. Et eu un moment où. J'avais été, je vous ai déjà expliqué ça, j'avais été actrice du harcèlement de quelqu'un sans le vouloir. En fait, à l'époque, au collège, en 5e, 4e, je m'étais fait grave pote avec une copine. Elle était trop cool et tout. Et vous savez, bon, tout ce qui était homosexualité, tout ça, bisexualité, à l'époque, au collège, enfin, à mon époque, moi, c'était vraiment pas commun et c'était archi tabou et c'était grave la honte, genre, de dire que t'étais gay ou machin. C'était vraiment l'insulte facile, c'était « Ah, t'es gay, toi ?» Genre vraiment l'insulte de merde, quoi. Enfin vraiment les années 2011, 12, 13 là, de la grosse merde il y a 10 ans, la mentalité. Et en fait cette copine là bah moi c'était vraiment comme une de mes meilleures amies. Sauf qu'en fait elle m'aimait plus que meilleure amie, tu vois. Moi j'avais pas capté parce que bah je m'étais pas posé la question. Je me suis dit bah t'es ma meilleure amie, elle me considère comme sa meilleure amie, forcément qu'elle m'aime bien, tu vois. Et un jour elle commence à me dire bah qu'elle m'aimait et tout, et moi j'étais là en mode bah ouais moi aussi je t'aime bien, t'es ma meilleure pote quoi. Elle était là ah non, moi c'est pas de l'amitié genre que je ressens pour toi. Et j'étais là ah bah désolé mais bah moi non, tu vois. Et puis là bah ok je comprends mais du coup enfin je suis un peu gênée maintenant. Je dis bah oui y a de quoi être gênée, enfin genre tu vas me dire que tu m'aimes, moi je te dis que non t'es ma pote, enfin c'est un peu gênant tu vois, mais bon pas grave. Et moi ça m'avait fait un peu rire, enfin j'avais aucun souci avec ça et ça m'avait fait un peu rire. Du coup j'en avais parlé à mes autres meilleurs potes, je leur avais dit c'est marrant parce qu'il vient de se passer et tout, du coup c'est un peu gênant. Je leur en avais parlé parce que c'était arrivé et j'étais là bah je suis un peu gênée maintenant vis-à-vis de cette personne et tout machin parce que bah elle m'a dit qu'elle m'aimait et tout. Et en fait il y avait des meufs à côté, justement les fameuses meufs populaires que je vous parlais juste avant, qui étaient là et qui avaient entendu. Elles avaient entendu parce que bah voilà. Puis en fait on avait un groupe de potes, on était devant la vie scolaire et en fait devant la vie scolaire à 5 mètres à droite t'avais ce groupe là. Et elles ont entendu. Elles sont venues me voir à la récré d'après. Elles ont créé des rumeurs, des trucs, mais genre des insultes, des machins, genre en le temps d'une récré, genre. Et moi j'étais là, j'étais actrice de ça parce que je l'avais dit à voix haute, alors que enfin pour moi, enfin. Tu sais, je pensais pas que c'était un truc qu'il fallait pas dire ou quoi, tu vois, enfin, je savais pas, genre pour moi c'était juste un peu marrant et un peu gênant parce que la situation était gênante maintenant, mais basta, enfin, y avait rien de mal, y avait rien de... qui m'avait choqué, qui m'avait dérangé ou quoi, ou patati patata, tu vois. Et bah du coup, genre ma pote qui m'avait avoué ce sentiment, elle avait été foutue dans une sauce parce que bah c'était la première genre meuf bi à être, entre guillemets, officialisée dans le collège, quoi. Et moi j'étais juste là en mode, on s'en bat les couilles, genre, enfin... Je m'en fous, tu vois, qu'elle m'aime ou quoi. Puis j'avais pas vu encore l'ampleur du truc. Et en fait, à la récré d'après, justement, une des meufs populaires était venue me voir. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai qu'elle t'a dit ça. C'est vrai qu'elle t'aimait tout, machin. C'est vrai qu'elle est gay, tu vois. Et j'étais en mode, bah, je sais pas ce qu'elle est, tu vois. Mais elle m'a dit qu'elle m'aimait, quoi. Mais enfin, voilà, c'est tout. Et j'ai été convoquée dans le bureau du CPE le lendemain matin à la récré. Et j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, tu sais, je me suis dit, putain, je suis dans une gigasauce, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Genre, enfin, j'étais toujours une élève modèle, j'avais 17 de moyenne, enfin, il n'y avait pas lieu d'être que je sois là, tu vois? Et du coup, j'étais là, putain, qu'est-ce qui se passe et tout? Et je me suis fait engueuler parce que
Enfin, le mec, il m'a fait... mon CPE, il est trop gentil par contre, vraiment hyper bienveillant et tout, mais il m'avait engueulé en disant ouais, mais tu sais, à cet âge-là, on se cherche et tout. Mais j'étais là, bah, je sais, enfin, je m'en fous, genre, c'est pas mon problème, tu vois, enfin. Je vois pas pourquoi je suis dans le bureau, genre, moi, j'ai rien fait de mal, genre, c'est pas moi qui vais harceler. On m'a posé une question, j'ai juste dit bah ouais, et alors, tu vois. Et je me suis fait, genre, défoncer par le CPE, mais tu sais, de manière gentille. Il m'a fait la morale et il a bien fait son travail là-dessus. Par contre, ça, là-dessus, je suis vraiment fière d'avoir eu un CPE qui était comme ça. Il était vraiment cool. Il m'a vraiment fait la morale, mais de la manière la plus bienveillante possible. En mode, ouais, bah, tu sais, à cet âge-là, on cherche, machin. Il y a des personnes qui sont attirées par les garçons, d'autres par les filles, d'autres par les deux. Enfin, on s'en fout, tu vois. Genre, ça change rien à quitter. Mais il m'a vraiment fait la morale, mais la meilleure morale, franchement, qu'il aurait pu faire. Et j'espère qu'il a fait la morale à toutes les autres personnes à qui c'est arrivé après. Parce que c'était vraiment bien fait. Il l'avait vraiment bien fait. Mais j'avais pas lieu d'être là. J'avais pas lieu d'être là. En fait, et ma pote, elle m'avait dit après. Que genre elle l'avait trop mal pris parce que vraiment enfin c'était un truc qu'elle voulait pas dire à tout le monde et tout et que du coup bah là tout le monde avait été au courant juste parce que j'en avais discuté mais je pensais pas que c'était un truc qui était à pas dire tu vois enfin on s'en foutait genre de qui aimait qui c'est ah t'aimes machin ok bah ça on s'en fout ça dure une récré après c'est fini mais là en fait ça durait bien plus longtemps et elle s'était fait genre enfin tout le monde savait qui c'était parce qu'elle était bi genre et j'étais là en mode mais enfin je sais pas si les gens se rendent compte et moi j'étais trop mal parce que du coup j'étais là en mode bah c'est de ma faute si j'avais rien dit on n'en serait pas là tu vois. Alors que moi, je voulais juste partager un ressenti que j'avais avec mes autres copines, c'est tout. Et au final, je me suis retrouvée à être l'acteur principal du harcèlement d'une de mes copines de l'époque. Et je m'en suis voulu parce que j'étais là en mode, mais j'ai rien fait de mal. Et pourtant, bah. Enfin, je pense pas avoir fait quelque chose de mal en soi. Et en fait, bah, ça m'est retombé dessus. Et ça lui est retombé dessus gravement à elle, en fait, après. Et du coup, il y a tout le monde qui lui parlait plus et tout parce que les gens étaient là, non, mais tu vas tomber amoureuse de moi si je te parle. Vraiment des cassos, quoi. Vraiment des gros cons, quoi. Excusez-moi, mais. Oh là là! Et après, bon, on s'était reparlé, elle me disait, bah, on en discutait en privé, etc. Quand même, on avait rediscuté, on avait beaucoup reparlé toutes les deux. Elle m'avait dit bah, que ça l'avait touchée, que machin, que, bah, qu'elle l'avait pas mal pris, mais que ça l'avait vraiment fait chier, en fait, que bah, tout le monde soit au courant comme ça, alors que c'était pas ce qu'elle voulait. Je disais, bah, je suis désolée, enfin, j'avais expliqué la situation, elle était là, bah, c'est pas grave, mais bon, enfin, ça me fait chier quand même, et tout. Puis on s'était reparlé, puis on était redevenues copines, elle m'avait dit que, bon, bah, ce sentiment était passé, patati patata, puis on est devenues copines, et puis jusqu'au lycée, on était copines, quoi, mais, enfin. Ça m'avait fait chier quoi parce que j'étais là en mode bah je suis désolée quoi. T'es bi, tombe pas amoureuse de moi. Ah, Clarelia tombe pas amoureuse de moi. Hein. Attendez, Clarelia tombe pas amoureuse de moi s'il te plaît. Hein. Oh là là, franchement, ce serait vraiment dommage. Hein. Terrible, genre. T'imagines, tu réagis comme ça. Enfin, faut être débile quoi, faut être bête, faut être ignorant en fait. Seigneur, cette phrase. Linux tombe pas amoureuse de moi s'il te plaît. Hein. Je suis déjà amoureuse de toi, perso. Ah oh, merde. En plus, on est en année bisexuelle, alors attention. Con, putain. Ouais, en 2024, c'est bien plus normalisé. Et encore, en vrai, ça dépend. Parce que t'as des enfants qui sont élevés dans des familles hyper homophobes où il n'y a aucune discussion au sujet de l'homosexualité ou du genre, même au sujet de l'orientation sexuelle, tout simplement. Il y a des familles qui sont pas du tout éduquées sur ça. Il y a sûrement des jeunes qui sont présents actuellement sur le chat qui ont été élevés par des parents homophobes et qui sont là, du coup, ont cette vision que des personnes gays, c'est sale, que c'est crade, que machin, que truc, alors qu'on s'en bat les couilles de qui t'aime, ça change pas ta vie. Donc vraiment, il faut éduquer les gens là-dessus. C'est pas parce que t'es gay, que t'es bi, que t'es différent, genre non. Le truc du coming out, je trouve ça vraiment genre ridicule, dans le sens où on devrait même pas avoir besoin de faire un coming out. Genre pourquoi on fait pas un coming in quand t'es hétéro dans ce cas-là, tu vois. Enfin, je trouve ça vraiment débile. Oh putain, je peux te battre, fais chier. Je trouve ça vraiment bête. Enfin, ça devrait même pas exister. On devrait même pas avoir besoin de faire des coming out. Genre, enfin, Osef, on s'en fout de qui t'aime, on s'en fout de qui tu veux être. Enfin, soit qui t'es et basta, tu vois. Genre bref, on a tous le fameux oncle vraiment, ou le parent qui est fermé sur tout, qui est, enfin pas le parent forcément, mais genre l'adulte qui est à moitié raciste, à moitié homophobe, misogyne, enfin, et qui avec qui tu peux pas discuter parce que tu vas passer pour une hystérique si tu parles avec eux, si tu commences à débattre. Bref. Je suis bisexuelle, pas bigleuse, mais vraiment, vraiment, ma grande, tu n'es pas mon type, laisse-moi tranquille. C'est parce que t'es bi ou t'es gay que tu vas tomber amoureux de toutes les meufs. Tous les mecs qui passent, genre, enfin, on s'en fout, enfin, ça change rien. Bref. Les repas de famille en PLS, je jure. Ouais, même la religion et tout. En vrai, la religion, j'ai l'impression que c'est moins. Enfin, les gens sont moins attaqués sur la religion que sur leur orientation sexuelle, genre. Alors que c'est deux trucs qui sont hyper personnels et que c'est deux trucs qui te touchent que toi. Et c'est tout. En fait, je sais même pas pourquoi il y a des débats sur ça. C'est deux trucs, genre la religion, ton orientation sexuelle, c'est deux trucs qui te touchent uniquement toi et toi-même. Je sais pas pourquoi il y a des gens en fait qui se permettent de venir mettre leur grain de sel dans ta vie. Enfin, il y a pas de débat, tu vois, à avoir sur ça. Enfin, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Genre, t'entends des dingueries aussi hein, de ta famille. Mais vraiment,
Vraiment, vraiment. Je me suis retrouvée quand je suis rentrée chez mes parents, là, quand j'étais invitée au repas de Noël avec mes cousins, à devoir débattre avec eux sur la transidentité, genre. Enfin, vraiment. Lunaire, des fois aussi. Mais tu sais, ils ont des discours en mode ils veulent pas s'incriminer. Mais bref. C'était vraiment trop limite pour moi. Genre, j'ai pas pu. Genre, juste être là et sourire en mode ah, ouais, je suis d'accord avec vous, alors que je suis bon, pas du tout d'accord. Ça devient. Ce qui devrait être blâmé, c'est l'irrespect, l'égoïsme, le manque d'empathie. Ça, c'est la honte. Ouais, vraiment, de fou. Mais pour le reste, quel est le problème? Moi, je me fiche du style vestimentaire, de l'orientation, etc. Tant que t'es respectueux, tu as de la valeur, bah vraiment. Même en tant que personne, en fait, t'as de la valeur. Tant que t'es pas quelqu'un de problématique, qui crache pas sur la gueule des autres, qui a pas des comportements genre. Misogyne ou que sais-je, tu vois, les trucs comme ça. Le fameux je suis pas homophobe, mais. Ah, je suis pas raciste, hein, mais. Les étrangers, fou. Ouais, on les connaît, ceux-là. Hein. On les connaît. Ou les je suis pas raciste, hein, mais la France, c'est un pays qui est laïque. Hein. Ou chrétien. Ta gueule. Ferme ta gueule. Red flag. Oh putain. Pourtant, l'homophobie est punie par la loi, ben apparemment oui. Mais il faut te rien pour ça. Parce que Lolo, dans les vieilles familles de campagne, ils sont là en mode, je suis pas raciste, hein, mais les musulmans, patati patata, la France est un pays laïque, tu vois, ce genre de discussion. Oh putain, franchement, la honte. Hein. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est sûr il y a des gens qui sont pas du tout d'accord sur le chat. Dans ce cas-là, remettez-vous en question. Mais je passe un message, remettez-vous en question s'il vous plaît. Et voilà, bref. Ou les dès que tu vois des personnes asiates, t'as mis subit tout le temps du racisme banalisé. Pareil, ça fait en parler, hein, le racisme banalisé envers les Asiatiques, faut vraiment les se faire foutre au bout d'un moment, quoi. Genre pendant la période Covid. Tu prenais le bus, tu prenais le métro, les gens ils s'écartaient de toi parce que t'es asiate, enfin bref. Ils allaient se faire foutre. Tous autant qu'ils sont vraiment. Je les déteste. Je déteste ces gens. J'espère qu'ils vont tomber dans les escaliers et se fracturer la jambe. Aïe 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 quoi. Mais non Clac-clonk. Pas du tout. La semaine dernière, j'ai eu le moyen de croiser un bras. C'est sympa, ça a vraiment une bonne semaine en perspective. Putain, l'enfer, vraiment. J'ai une meilleure amie au collège qui était rousse, qu'elle se prenait dans les dents, malheur, mais vraiment. T'es juste rousse, hein. Enfin, les bruns, on s'est jamais pris de haine parce qu'on est brun, tu vois. Enfin, c'est. Il roule dessus par une grosse Clio 4, bien lourde. Il fait beau aujourd'hui, bah écoutez, aujourd'hui, le soleil se bat avec les nuages, mais il est là, il repart, il est là, il repart. Et j'ai l'impression que c'est une belle journée, que les oiseaux font piou 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 dehors, c'est super. Détendez-vous, chakra, vraiment. J'ai deux principes dans ma vie. Des gens qui font ce qu'ils veulent du moment que ça n'influe pas sur la liberté des autres. Secondo, les sujets qui ne me concernent pas, identification de genre, religion, etc., je ne débat pas dessus parce que ça ne me concerne pas, donc je ne pense pas que mon avis soit plus important que les personnes qui sont au cœur du sujet. C'est vrai, totalement, je suis d'accord. Bien dit, bien dit. Comme le truc là qui est passé en politique. Il refuse le congé quand t'as des règles douloureuses, là je sais plus ce que c'est exactement, mais la décision a été prise par des hommes bien concernés par le sujet finalement. Les hommes qui ont leurs règles toutes les semaines, hein, évidemment. Bref, ce genre de truc, ça casse les couilles. Prendre quelque chose. Bref, allez vous faire une patrouille, comme dirait Roulia, tout à fait. Bah let's go Gabi, franchement fonce. Les hommes. Et d'ailleurs, j'ai personnalisé toutes mes cloisons simples. Hein. Je l'ai fait ce matin, j'en pouvais plus. Hein. J'étais là en mode putain. J'avais vraiment le mort. Mal parlé, vraiment. Dès qu'ils ont un rhume, ça y est, ils ont chopé la mort pendant qu'il est. C'est vrai. Mais c'est réel en vrai. Vous voyez tous les TikTok passés? J'ai beaucoup de TikTok de meufs qui se foutent de la gueule de leur mec. Parce que genre
Et elle met un truc en mode, ouais, mon mec, enfin mon mari, quand il a un rhume, en mode dans le canapé, en mode. Et moi, quand j'ai une gastro, plus ci, plus mes règles, plus machin, et tu la vois, genre elle fait tout, 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 genre franchement, fou rire. Je suis là en mode, mais c'est tellement réel. C'est si triste à la fois, mais si drôle. Faire voter un simulateur de. Oh, vraiment, de fou, Manon, vraiment. Les blagues sur les blondes aussi, ouais, grave, ça faut arrêter, genre. Non, mais dans tous les cas. La société dans laquelle on a grandi, c'était dès que t'étais différent, tu te faisais tailler. Parce que t'étais pas dans la soi-disant norme. Et je déteste de dire ça dans la norme. Mais c'est réel. En fait, il y a une norme, en fait. Et si t'es pas dedans, tu te fais tailler. Et je suis bien contente, en vrai, qu'en 2024, la norme, elle se soit beaucoup, beaucoup plus étoffée. Dans le sens où... Étoffée, je sais pas si c'est le mot, mais... Dans le sens où maintenant, genre, il y a des... y a plusieurs normes, en fait. Pour plein de trucs, genre que ce soit style vestimentaire, enfin... Il y a plus qu'une norme, je dirais, et en fait, c'est même plus des normes, en fait, maintenant, c'est vraiment carrément plus devenu des normes, c'est genre... Juste, je sais pas, par exemple, ne serait-ce que le style gothique. Au collège, t'étais gothique, ouais, c'est, ah ouais, le gothique, machin, enfin, tu sais, les insultes débiles et qui sont nulles sur ce genre de truc-là. En fait, maintenant, il y a tellement plus de personnes dans le style gothique ou quoi, comme en fait, bah, tu t'en bats les couilles, quoi. Bah voilà, genre vraiment. Le mot normal, ouais, de fou, je déteste ça aussi à vous. J'emploie ce mot, la norme, entre gros guillemets, pour faire une grosse généralité, etc. Hein, vous doutez bien, c'est pas... Voilà, quoi. Ou tu t'habilles en noir, t'es gothique. Littéralement. Le pire qu'on m'ait dit, c'est... Oh, oui. On t'a vraiment sorti un truc comme ça, Charline? C'est une vanne, j'espère. À quelle heure tu dis ça, vraiment? Ça moche. Il y a un truc, tu vois, sur... Il y a un truc comme ça. Sur toutes les horreurs que, genre, l'humanité a pu faire. Genre, les blagues, moi, sur la guerre... sur les nazis, sur les camps. Ça me fait vraiment pas rire, par contre. Genre, je trouve vraiment... Tu vois, t'as le débat de... Est-ce qu'on peut rire de tout? Non. Franchement, non. Tu peux pas rire de tout, genre... Il y a des sujets comme ça que je trouve vraiment beaucoup trop graves. Et... Enfin, des sujets comme ça que je trouve vraiment beaucoup trop graves pour en rire. Genre, les blagues sur le petit Grégory. Ça fait rire qui? Genre, personne, en fait. Littéralement personne, sauf les vieux darons beaufs de 50 ans, quoi. Genre, je suis désolée, mais en fait, on rigole pas de ce genre de choses. Genre, il y a des trucs, tu peux pas en rire. Tu peux vraiment pas en rire. Genre, franchement, je te connais pas, tu me fais une blague sur le petit Grégory, je te parle plus jamais de ma vie, genre. Je te signale à la police, même. Genre, enfin... Genre, c'est pas drôle, et pourquoi t'aurais envie de rire de ça, vraiment? Genre, l'humour noir... Ah non, merci. Non, merci, non, merci. Ouais, aussi de fou, Claconc. Les blagues sur le viol, les trucs comme ça, enfin, faut aller se faire foutre. Se jeter d'un pont, pitié, quoi. Ces genres de blagues, là, y a rien de drôle. Genre, c'est des crimes, c'est grave. C'est des crimes contre l'humanité. Bref, tu ris pas de ça. Tu ris pas de ça. Roulia, j'en ai vu, moi. J'en ai vu. Des timbrés, je te dis. Vraiment abusé. Salut Zorua! Comment ça va aujourd'hui? Les vannes sur les gens. Plus ce monde. Ouais, j'aime pas non plus les blagues sur les personnes qui sont décédées, genre. Genre par exemple, les blagues sur Michael Jackson, les blagues sur machin truc, sur bidule. Non, ça c'est. Ça, j'accepte plus. J'ai décidé que j'acceptais plus ce genre de truc. Dans ma vie de tous les jours, hein, je parle. Sur le chat non plus d'ailleurs, au passage. Vous doutez bien. De tout, mais pas avec tout le monde. Non, non. On va rigoler sur tes darons décédés, t'inquiète vraiment. Il y a des limites, je trouve, dans l'humour. Il y a des choses, genre, où t'enfreins vraiment, je trouve, le respect. Le respect et l'image d'une personne, genre, je trouve, en vrai. T'es là, tu fais des blagues sur... je sais pas, genre, quelqu'un... Genre tu fais des blagues sur... Moi franchement les trucs genre Johnny et tout, ça fait pas rire. Genre tu vois les fameuses blagues, on en parlait il y a pas longtemps, des blagues du salut mon pote de... Purée, j'ai oublié son nom. À la télé là. Comment il s'appelait? J'ai oublié ça, moi ça me fait pas rire. Genre ça me touche plus, ça me fait plus être mal que ça me fait rire, tu vois. Genre, quand t'as pas le contexte de pourquoi c'est lâché et que t'as les mèmes etc. qui ressortent... Ouais Drucker ça. Ça peut être marrant dans certains cas. Quand t'as pas le contexte en fait. Quand tu sais pas que genre Johnny est parti, que c'est pour Johnny qui dit ça, etc. Ça peut être marrant quand t'as pas le contexte. Quand t'as le contexte, franchement, moi je vois passer ce truc avec un mème, je trouve pas ça drôle quoi. Je suis là en mode bah non.
Non. C'est nul. Salut Koana, comment ça va? Je crois qu'on a placé tout là. Là, je peux rien mettre là. Non, je peux pas mettre ici, je pense. Aussi rigoler de ses traumas. Mais c'est toi qui regarde. Ouais. En fait, tu peux t'autoriser de rigoler de toi-même, de ta vie à toi. Si tu veux rigoler toi-même, tu peux. Si tu acceptes que des personnes autour de toi rentrent dans ton délire et rigolent de ça avec toi, pas de soucis. Mais viens pas me faire une blague sur mes traumas alors que je t'ai pas demandé, tu vois. Va te faire foutre. Vraiment non. Vraiment non. Ça, par contre, c'est non. Un gros non. Un gros gros non. Ah oui, Lou, pareil, moi ça m'a fait trop de peine à vous, vraiment. Je suis dans le live. Oui, c'est ça. Et puis du coup, c'était le décès de son papa et qu'elle était. Mais vraiment, la même, pareil. J'essaie de suivre le rouleau. On se contrôle plus sur le chat. Tout le monde est dans son délire. Tout le temps, Axou. Le timing, mais. Après, je vous chaîne pas. Elle part jusqu'au bout de la night. Va te faire patrouiller par Lox, pour être poli. Par Lox? Pourquoi par Lox? Qu'est-ce qu'il a fait, Lox? Parce que c'est un policier? Avec ses menottes? On peut rire de soi-même, je pense. Je pense pas des autres car tu connais pas. Mais en fait, c'est ça. Tu peux rire de toi-même. Si t'es... En fait, c'est à partir du moment où ce que tu peux dire peut heurter quelqu'un et peut déranger quelqu'un, le dis pas. Vous savez, il y a la règle des. Pareil en amitié, là, il y a la règle des 15 secondes. Avant de dire quoi que ce soit, comme quelque chose qui pourrait être comme une remarque, un reproche que tu pourrais faire à un ami. Par exemple, genre. T'es dehors avec ta pote. Et tu vas lui dire trop bizarre ta tenue aujourd'hui. Est-ce qu'en 15 secondes elle a la possibilité de changer sa tenue si t'es dehors? Tu réfléchis, tu te dis non. Alors je vais pas lui dire que sa tenue est bizarre aujourd'hui, parce qu'en fait elle va être là tout le temps qu'elle est dehors, en mode bah ma tenue est bizarre. Ça se fait pas, c'est méchant, c'est mesquin. Par contre si tu lui dis ah t'as une trace de mascara sur la paupière et qu'il suffit juste de passer un coup de doigt pour enlever, est-ce que c'est possible de changer ça en 15 secondes? Tu réfléchis 15 secondes, oui, tu peux lui dire. En fait, il y a la règle de ça, il y a la règle aussi de... est-ce que ce que je vais dire peut blesser la personne dans toutes les, enfin, dans peu importe quel sens du truc ou pas? Et les gens camouflent la méchanceté avec par l'honnêteté. Oui, ça aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a certains. Après, des fois, il y en a, c'est complètement inconscient, enfin inconsciemment. Mais il faut le dire. Il faut remettre en place quand ça arrive. Il faut dire, écoute, là, je sais pas si tu te rends compte, mais t'as fait ça. T'as fait ce move-là qui est vraiment un move de connard. Voilà. Tu as été un connard aujourd'hui. Des fois, faut le dire, hein, même à ses potes, hein, quand ils font des moves de merde. Dites-le, genre. La fausse bienveillance, ouais. Je te dis ça en tant qu'ami. Non, non, me dis pas. Après, ça dépend ce qu'il te dit, tu vois. Ça dépend. Si je te dis ça en tant qu'ami, mais t'as du mascara sur la paupière, ok, pas de problème. Si tu me dis, je te dis ça en tant qu'ami, mais t'es trop mal sapé aujourd'hui, va te faire foutre. Va te faire foutre. Je suis quelqu'un qui n'a pas trop de tact, je fais toujours attention à la forme au moins. Ouais, au moins à la forme, ouais. Ça arrive des fois, t'as des trucs qui sortent et tu te dis « Oh merde, pourquoi j'ai dit ça ?» ou tu te rends compte que c'est méchant et tout, mais tu peux t'excuser. Tant que la personne est encore là, tu peux dire « Bon, j'ai abusé », genre, enfin, tu t'excuses. Ne serait-ce que ça, bon, le mal a été fait, mais au moins tu t'excuses. Le pire, c'est de pas s'excuser, tu vois. Ah, c'est possible, Dean, j'ai pas vu. J'ai pas vu passer. T'as vraiment une sale tronche, t'es aigri en ce moment, mais ta gueule, ouais. Pareil, moi, il y a un truc qui me saoule. J'ai plus de batterie bientôt, chier. Il y a un truc qui me saoule et qui me frustre. C'est les gens qui disent à tout le monde, consciemment, régulièrement, « Oh, t'es aigri. T'es aigri. Oh, t'es aigri. T'es aigri. » Je vois ça passer sur des lives. J'ai envie de... Franchement, en tant que créatrice, j'ai envie de bannir toutes les personnes qui disent des trucs comme ça. Alors, je suis là, moi, toi, je serais modo, là, sur la chaîne, je te bannerai, genre. Je te bannerai, def. Genre, ta gueule. Ta gueule, pardon, hein, mais ta gueule, franchement, ta gueule. Genre, on n'en peut plus. On n'en peut plus de voir ça. On n'en peut plus, franchement, moi ça me saoule et ça me rend énervé. Quand je vois ça, je m'en vais. Je pars du live et je reviens plus tard, carrément, tellement ça me gave de voir ce genre de message. Oh, t'es aigri aujourd'hui, mais ta gueule. Ta gueule. Genre, juste tais-toi. Il y a des fois des trucs... Pff, avec le TSA, c'est quoi TSA? C'est pas inné le tact, mais j'apprends. MDR, c'est ça aussi, une question de volonté, les gens ont zéro tact. Mais c'est ça, ils veulent pas apprendre, moi de ouf. Ils veulent pas en fait juste se remettre en question, tu vois. Aigri, c'est violent comme mot en plus.
C'est vraiment avoir perdu tout plaisir de la vie. C'est... Mais oui, vraiment, genre le mot aigri, il est grave utilisé à tort et à travers. Genre, je te jure. Tout le spectre. Ah oui, c'est vrai, je suis con, Claire. Oui, c'est vrai. Bon, après, t'as des certains cas comme ça où le tact, etc. Mais quand t'es pas atteinte de quelconque trouble ou quoi, et que t'es quelqu'un qui n'a pas ce genre de soucis-là, et du tact, quoi. Genre. Ça dépend de ce que tu as comme trouble, enfin peu importe, tu vois. Que ce soit physique, mental ou autre. Mais en général, ouais, quand t'es atteint d'un trouble comme ça, en général, tu veux toujours genre t'améliorer et essayer de comprendre. Mais ça, c'est qu'essayer de comprendre, tu vois. Non, vous avez pas le droit d'être aigri. Vous êtes bonne vibe. Si vous êtes aigri, je vous banne. Je vous banne. Merci Pyrock pour ton follow. Non, vous ici, vous êtes pas aigri du tout, je trouve. Enfin, y a des gens des fois sur les. Je vois des gens passer qui sont aigris, qui sont chiants et qui sont archi. Enfin, aigri, en fait, moi, je l'entends comme rabat-joie. Genre archi rabat-joie. Et des gens qui sont archi rabat-joie, on leur dit, ils se prennent un. Et s'ils continuent, ils se prennent un time-out. Donc ils passent plus, après ils s'en vont. Mais en globalité, enfin, c'est très rare qu'on ait affaire à des gens qui sont archi rabat-joie sur le stream. Hein. Honnêtement. Salut Clara, comment ça va? Je suis aigrie, genre. Ah, mais de fou, Blue. Je suis grave d'accord, franchement, c'est chiant, genre. C'est un truc, ça y est, ça... c'était marrant en deux minutes de dire aux gens, ah, t'es aigrie, maintenant ça y est, faut passer à autre chose. Genre, c'est gênant carrément. Qu'est-ce qu'il a dit, Lolo? Rabat joyeux là-bas, merci. Rabat joyeux là-bas. Qu'est-ce que vous faites de la débile? Ouais, vraiment, hein, Dolce. Hein. Des fois, c'est dur. Hein. Des fois, mentalement, putain, faut prendre sur soi. Hein. Mais bon. Ma meilleure amie avait pleuré pendant une sortie scolaire. Et genre, tous ses camarades m'ont traité de mauvais amis. Elle pleurait à cause de moi. Mais même pas. Je faisais même pas partie de l'histoire. C'était à cause. Si jamais mes dreams. Cause, c'est C-A-U-S-E. Au cas où. D'un camarade qui arrêtait pas de l'embêter depuis des semaines. Ouais, c'était du harcèlement qu'elle subissait, purée la pauvre. Mais même après. Putain, ma souris qui se merveille. Rien à voir dedans, ils ont continué à me traiter de mauvais amis. Putain, mais c'est vraiment des enfoirés. Test depuis. Alors que moi j'ai rien fait. C'est vraiment des cons. Purée, ils m'en supportent. Le groupe de quoi? C'est pas mon groupe, c'est le groupe de Rouleau, Shaima et tout. Mon groupe, il dit. Pardon, ma gorge, elle a rôté. Rabat joyeux, vraiment, ça c'est drôle. Salut Lou, ça va et toi? Salut Pauline aussi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va bien, merci. D'être aigri, genre. Mais être aigri, enfin, aigri, ça vient vraiment du mot aigre. Et genre, être aigre, c'est genre en général quand t'es vieux et que t'as plus aucune joie de vivre, quoi, vraiment. C'est ça les super nunuches. Merci Sophia pour la démonstration. This is new. La should be. Bah, trop chiant, vraiment. Mes dreams, franchement, relou les gens. En fait, il y en a certains, dès qu'ils trouvent un truc pour lequel ils peuvent harceler, tu harcèles avec ça. C'est amer de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Comme les cerises aigres. On peut dire que c'est des cerises aigries. Pour le coup, c'est vrai. Des cerises aigries. Rien à voir avec la sauce aigre-douce, évidemment. Bah, si, en soi. C'est aussi le aigre de la sauce aigre douce. C'est un peu ça aussi. Une nouvelle jeune au boulot avait dit que j'étais aigrie. Elle était choquée. Et on me dit que j'étais l'éduc la moins aigrie. À l'aide, mais qui te dit ça, genre? Enfin. Les jeunes ont le mot aigri beaucoup trop facile. C'est déstabilisant. Salut Julie! Je comprends jamais pourquoi il y a Grand Galop qui chante parfois. Bah parce que c'est une récompense de points de chaîne que Sophia a payé pour qu'elle passe. Du coup, elle passe. C'est les super nunuches qui chantent. Aigri, c'est dans les déceptions de la vie qui ont rendu la personne amère et irritable. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un état qui ne change plus après ou rarement. C'est pas temporaire. Juste pour la soirée. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc c'est vraiment un mot qui est fort, en fait. Génération TikTok, exactement, vraiment. Ah, Shaima, re-coucou. On parlait de toi, Shaima. On dit que c'était vraiment une sacrée grognasse. C'est pas vrai. C'était un prank. La pauvre.
Rien demandé. Salut la Zouz, comment ça va? Sacré grognasse. Ok, les gens n'utilisent pas dans ce sens-là. Bah, c'est ça, oui. En fait, maintenant, ils déforment tous les trucs. Hein. Dès qu'ils trouvent un nouveau mot, Internet s'en empare. Enfin, Internet, TikTok s'en empare. Et ça devient vraiment des trends terribles. Quoi. Bien, bien, bien. On y va. Vas-y. C'est pas synchro, mes Switch. Hein. Génération TikTok, c'est vrai. Bande de méchants, je repère. Mais non, Cinema, t'es la puberte. La plus saillante des grognasses, des super nunuches, tu veux dire? Tu t'es trompé, je crois, le mot, c'est pas ça. Ah, le petit loto, let's go! N'hésitez pas à voter, vous avez 10 minutes pour participer, mais pour voter pour un chiffre entre 1 et 10, aléatoirement. Comme vous le souhaitez. Je réponds juste à mon collègue pour ce soir. Tu nous sommes désolé, désolé, mais on s'organise parce qu'en fait il a un problème de voiture, il a plus sa voiture le pauvre. Et sa voiture elle est tombée en panne. Littéralement en plein milieu de l'autoroute sur une truc à trois voies il y a pas longtemps, du coup bref il a plus de voiture, ça devait être horrible genre vraiment, et bref c'est vraiment mon collègue préféré ever, je l'aime trop. En gros bah ce soir on a rendez-vous avec nos anciens collègues, c'est tout le groupe des anciens collègues en fait. Et bah du coup, il prend le train, je crois. Du coup, il me dit, bah soit tu m'attends, mais tu me gardes une place, je vais être assis à côté de toi. Touchez vos pieds. Ouais, il est 15h16, on touche son pied. Si on a loupé le touche-nez, on touche son pied. T'as pas vu le touche-nez, désolé, je touchais mon pied, c'est bon, c'est réparé. Putain, j'ai l'impression qu'on en a 50 milliards. Je vais jamais finir, j'ai l'impression, mes trucs. J'ai jamais touché mon pied des sesses comme ça s'est dit. Oh my god. Bref. Mais bref, du coup, je lui ai dit, bah, si tu veux, on se rejoint à tel endroit, puis on y va ensemble, quoi. Voilà. T'as beaucoup, j'en ai beaucoup. Ça, c'est les commandes tous les jours pendant 6 mois, là. Chaque stream Animal Crossing. Top, comme ça. Comme ça. Si c'était Charline et que je faisais ça, il y aurait des ballons qui pèteraient derrière, là. Parce que... avec l'iPhone, quand tu fais ça, ça fait des ballons et tout. Enfin, ça fait des trucs. Je sais pas si c'est des ballons ou ça fait la fête. Non, je crois que ça fait la fête. Bref, mais je suis pas Charline, donc ça n'est pas la fête. Il y a ça aussi. Si tu fais ça, ça fait la fête sur ton iPhone avec la caméra frontale. Ou de dos. Voilà, si jamais vous savez pas, essayez. Faites un pouce. Faites un cœur. Essayez. C'est vrai en plus, hein. Salut Théophile, bah écoute, je recommence à chaque fois. J'en ai essayé, ça marche pas. T'as juste mal fait en fait. Il y a des lasers aussi, oui. Film en ordi, on filme sur mon ordi en cours, on s'amuse à faire ça, peut-être con, putain. Concentrez-vous un peu. Unfollow, je vais te prouver par A plus B que j'ai raison. J'ai toujours raison. Quand je dis un truc, je le dis pas pour faire de la merde. C'est putain de vidéo que ça fonctionne. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Allez, je vais me faire foutre. Ça veut pas. Salut Kathleen, comment ça va? Salut Sandro. Ah merde. Je maîtrise le signe du rock and roll. Ok, ok. Rock and roll. Ça, des fois, ça me fait ça quand je fais un appel. Genre, je suis sur Discord avec les copains sur la tablette. Genre, quand je me maquille et tout. Et des fois, je fais des moves avec mes mains. Et ça fait des trucs en mode. Ça fait genre les cœurs, ça fait les likes. Ça fait genre le truc de fête et tout. Je suis là en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? Salut Kimp. C'est la première fois que ça t'arrive, t'es là en mode, qu'est-ce qui se passe ici? Bah j'aime bien aussi Mikao. C'est vrai qu'il faut parler d'un peu de tout, hein. Il faut parler un peu de tout.
Il y a des sujets qui sont importants, il y a des sujets qui sont genre des fois un peu graves. On parle de plein de trucs en vrai, c'est vrai. Hein. Mais toujours dans la bonne humeur. Et dans la bienveillance. les signes ne marchent pas sur l'iPhone. Et la Terre est plate. Ne marche pas sur... Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait des chocs à pic et part, ça fait des chocs à pic. C'est ça que t'es en train de dire? On en parle de la façon dont vous êtes zinzin. Ok, gratuit. Ok, si tu veux, on peut dire que je suis archi zinzine, si tu en as envie. Si tu n'en as pas envie, bah, c'est pas grave. Il n'y a pas plu aujourd'hui. Écoutez, je vais mettre mes petites chaussures trop belles. Voilà, c'est dit. Les mots sont dit, les mots sont sortis de ma bouche. T'es dans ta era zinzine, exactement. Mais vous aussi, vous êtes dans votre era zinzine, là. Franchement. Ok. Let's go. C'est noté. Putain, mais c'est vrai, ils ont changé les bus dans Strasbourg, là. Ils font chier et... Depuis décembre, ils ont changé tous les bus, là. Je dois prendre un autre bus. Je dois marcher super grave loin, maintenant, pour reprendre mon bus. Ils me font chier. Salut, Mail. Comment ça va? Et merci pour ton follow. Eh ben là, Johanna, je te le fais pas dire. Et salut, d'ailleurs, au passage. Je t'ai dit bonjour aujourd'hui, je sais même pas. Bonjour. Là, je vais avoir de quoi finir, c'est clair. J'aime même beaucoup, là. C'est moi qui ai changé les bus, tu critiques? Ah ouais, je critique. Y a pas à mentir Théo par contre, j'avoue que bon, Épinal c'est un peu une ville de merde. Je connais bien Épinal. Je connais très bien Épinal. Tout de même. Y a pas grand chose à Épinal. À la fac de droit de Épinal, ils sont 30. Fac de droit. Hein. Ah non, s'ils sont 500. Y a rien à Épinal, vraiment. Épinal, y a rien franchement. Y a le CCV. Le magasin de Daron, c'est tout. Non, en vrai, il y a des petits trucs quand même sympas. Épinal, c'est sympa. Épinal, c'est calme, franchement. C'est calme, je trouve. Quoi? Oh, va y avoir une baston, là. Daron sur deux. Ah, chérie. Je connais bien Épinal. C'est pas grand, en vrai, Épinal. C'est chill, je trouve, comme petite ville. C'est chill. Il y a une belle ZAC. C'est tout. Théophile, je suis sûr qu'il va nous sortir tous les points positifs d'Épinal, tu sais. Tu plantes partout? Comment ça, je plante partout? Salut Zozoé, comment ça va? Tu vas bien? Zozoz, pardon. Zozé? Je sais pas comment le dire, c'est Zosé, c'est ça? Oui, ok, Zosé. J'ai tout déformé, comme d'hab. Pour la pitié. C'est une ville, Épinal. C'est une ville dans les Vosges. Un mot de Shakira, ça suffit. Zinzol. Compte de Zinzol, va. Putain, batterie faible, ça suffit en fait! Ah, mais ça va pas fonctionner si je fais ça. Alors, bougez pas! Zaz sur nous! Zaz sur nous, ah ouais! Carrément quoi. Ah, oh, ça met les vieux bleus et rouges alors qu'ils sont vraiment roses, ça me dégoûte. Bref. Zosé. C'est... En fait, c'est marrant, Zosé, je trouve. C'est un peu mimi. C'est un peu mimi. Ah, il y a la publicité qui arrive là. C'est pas pour qui celle-là. La publicité comme ça devant tout le monde. Bref. Elle publicite devant vous, hein, franchement. Oula. Toi, tu veux la mort. Doucement. Ok. Aucune dignité, franchement. C'est pas par là. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas changé de drapeau pour cette île, c'est pas grave. Pas trop grave.
tu rigoles toujours des pseudos de tes viewers. Bah parce qu'ils sont trop slay, c'est pour ça. Ok, comme Naps. Ok. Ouais. C'est ça. Tu connais même pas le chemin, bref. Arrêtez de me critiquer, de me triquiter. Drapeau sur nous. Drapeau ? Ah oui. Drapeau sur vous, c'est vrai. Ah, vraiment, j'avais tout faux, quoi. Je me suis dit, bah tiens, celle-ci, je vais la personnaliser en bois. Ça doit être ça, la couleur. Pas du tout, elles sont blanches, les autres. Bon, c'est pas très grave. J'ai les deux. J'ai deux Switch normales et une OLED. Le tri sélectif, si jamais. Pardon, mais c'est un peu drôle. Je suis plus team là parce que vous. Je suis très choquée par contre par les propos. Ah, le loto est fini. Dis Siri. Je reprends mon calme. Dis Siri. Dis-moi un nombre entre 1 et 10. Un nombre aléatoire entre 1 et 10 font 4. Ça fait 3 fois d'affilée qu'elle dit 4. Je pense qu'elle est amoureuse de ce chiffre, sachez-le. Je pense qu'elle est vraiment clairement amoureuse de ce chiffre. Chiffre 4. Voilà. Il veut pas bosser ce con. Vraiment, il voulait pas là. Hein. Il était pas content. Je suis pas contente. Oh, Mad, tu slay. Ta sauce. Je démissionne. En mode t'étais employé. Chipeps. J'ai oublié de miser. Quelle grosse bouffonne. Ah ouais, d'accord. Ça s'auto-insulte de la sorte ici. Purée, faut pas être... Ah ouais. 200 points de chaîne et je gagne. Vas-y, on ne parle plus, Lolo. J'ai pas misé. Toujours pas des... Bah, tu vas, t'aurais-tu. J'ai dépassé 300k. Popopo. C'est ça qu'on veut, Mad. Let's go. Je voulais mettre 4 en plus. C'est faux. Ouais, bon, c'est ça. J'ai tapé dans le mur carrément. Ouais. Carrément. Lolo, il a passé les 1 400 000 points de chaîne. Bah, c'est sûr, Shaima, Mad, elle passe pas son temps à balancer ses points de chaîne dans tout et n'importe quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Donnez pas des points de chaîne à Shaima parce qu'après elle va tous les perdre. Genre vous faites une cagnotte. Petite cagnotte, 10 points de chaîne pour Shaima chacun. Allez. Terrible. Et merci Shashuka pour ton à boire. Lolo t'arrêtera de les collectionner les points quand on aura combien. C'est vrai Lolo, c'est vrai. Salut Mariana, comment ça va? À boire. Tout à fait. Ah, c'est vrai, Gastien. Je préfère que ça slay, ouais. Jusqu'à l'infini. Toi, t'es malade, toi. T'es vraiment zinzin, celui-là. Comme ça, hein. Toc toc. Toc toc, carrément. Plus 7 mois, carrément. Et j'ai même pas pris de douche. Oh my god. Je regarde un truc. Je peux peut-être vous faire plaisir. Ah non, je peux plus. Désolée, je suis trop pauvre. Désolée. Je suis vraiment trop pauvre. J'avais 1 500 000 et j'ai plus que 38 000. Sorry my friend, but no. I don't have some points for you. So sorry. Chapeau à l'artiste. Après si vous voulez on peut faire... Attendez. Oula. On peut s'en faire une petite.
Je vais quand même miser l'intégralité de mes points. Merde. Comme ça, si jamais je perds, au moins vous les avez. Je vous donne des points. Ça m'a misé 38 à la place de 38 000. J'ai ouvert première pro, casse-toi, genre vraiment. Voilà. J'ai misé mes points. En espérant que, vous... que je gagne pas. Je all-in, je sais pas. Ton navet, je sais pas, on est quel jour. À tout moment, on est un jour. Non, on est mardi. Salut Tama! Merci pour ton follow. Si je gagne, c'est terrible. Hop. J'ai peur d'agence. Franchement, je refais une et je vous remets les points, quoi. Ils veulent te faire stonks, petite DR. T'imagines, là, si je gagne vraiment beaucoup. Après, bon, on verra, hein, je sais pas. Ce serait drôle. Je vais vous voler en fait. Avec la chance qu'on a, ça va arriver maintenant. Ok, je all-in. Ok, bah. Ok, Roulia. C'est en faisant ça que t'as eu 1 million. Mais c'était pour les filles garçons, c'était pas pour. C'était pas pour le tour de navet. Le tour de navet en vrai, c'est peut-être un peu plus. C'est un peu plus facile de savoir en vrai. Pourquoi tu mets par terre les feuilles? C'est des objets! Je me donne des objets! Au sol. Bravo à vous. Vous avez bien fait de voter. Vous n'avez pas gagné des masses, mais quand même 40%. J'ai gagné 22 000, voilà. Je chourave mes abonnés. J'ai plus aucun point maintenant. J'ai plus rien. Après, si vous voulez vraiment gagner beaucoup de points de chaîne, il faut miser des grosses sommes. Hein. Faut pas que tu mises du 10, quoi. Sinon, bah, tu gagnes rien. Les deux, Zosé. Ça, c'est Altea, mais je me casse. Sur les lots. Alors, sur les lotos, oui, par contre, c'est vrai. Il me manque 8 œuvres d'art. Mais Lolo, t'as vraiment charbonné. Hein. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto. C'est faux. Let's go! Non, c'est le train. Littéralement le train qui vient de passer. Non, les points de chaîne, tu les accumules quand t'es sur le live. Si jamais il y a un panneau en dessous du stream, alors c'est sur le à propos ou dans info, enfin je sais plus quoi, sur le téléphone. Mais si vous êtes sur PC, c'est dans juste en dessous du stream, il y a un panneau avec les points de chaîne et écrit comment on les gagne, etc., etc. Qui envoie des messages à la femme? Et toi, je te banne. Casse-toi. Heureusement que je regarde les messages de la PAM. Hein. Slash user, commentaire. Il vient faire son Tinder sur moi, là. C'est une vanne ou quoi? Il a DM à mon bot en lui disant ça te dirait qu'on fasse connaissance. Ça veut dire qu'il a déjà fait ça avec d'autres gens aussi. Casse-toi, genre. Casse-toi, dégage. Allez vous faire foutre. On n'est pas sur Tinder là. Va tinderer là-bas, vraiment, casse-toi quoi. Me dégoûte ce genre de personne là.
me dégoûte. Genre, ça veut dire qu'ils le font avec d'autres personnes sur le chat, genre qu'ils DM random des gens. À tout moment, ils DM des gens qui ont 13 ans ou 12 ans et ils leur demandent ça, mais ça me dégoûte. Oh putain, c'est ça qui me dégoûte. Cette Mimi, les autres, vous êtes Mimi, vous pensez que Pamela c'est quelqu'un, vous lui envoyez un DM, etc. pour lui demander des trucs. Ou alors les messages de style « Vous pouvez me débanner, j'ai rien fait ?» Non. Non, non. Non, non, ma grande. Tu vas rester bloquée, désolée. Enfin, ban. Ban pas pour rien, c'est pas les « j'ai rien fait ». Eh non. Je découvre en fait les messages que la Pam reçoit là. Il y a des trucs, des fois c'est chaud. Hein. J'avais reçu un message d'un viewer. C'était pendant le Battle 4 sur la Pam. Non, flemme. Salut Nijio. Non Johanna, parce que des fois c'est nécessaire d'avoir les MP de la Pam ouvert. Genre comme pour bloquer ce genre de personnes dégueulasses, tu vois. Ma classe fait n'importe quoi là. J'ai rien fait vraiment. C'est l'excuse facile, mais j'ai rien fait. Bah non, t'es pas puni parce que t'as rien fait, genre. Les gens réfléchissent pas. Non, ça c'est Altea. C'est les meubles d'Altea, Maritea. J'aime la part des gens qui m'aiment pour te parler. Jamais... Ah, mais vraiment. Même pour juste te parler, tu parles pas à quelqu'un que tu connais pas, genre sur internet. N'allez pas envoyer des DM à des gens que vous connaissez pas, genre... Tu vois, par exemple, je sais pas, j'ai une connerie que Cam Cam, elle DM Mariana. Bon, Osef, elles se connaissent, tu vois. Mais je sais pas, genre que... Je sais pas, enfin... Envoyez pas des messages à des gens que vous connaissez pas, ça peut être dangereux, je pense. Enfin, je sais pas, vous rendez peut-être pas compte, mais... Ça peut être super dangereux, des fois. Il y a des gens, ils peuvent retrouver votre adresse, vos pseudos, vos noms, prénoms, adresse mail. Ils peuvent tout savoir de vous en 2-2, genre. Ouais, ça par contre à l'aide quoi. Chipips. Ouais, c'est un peu chaud. Tu te l'as dit de one day. Je sais pas de quoi tu parles. Cam Cam, j'ai la date tous les jours. Bah, normal. Cam Cam, faut la date tous les jours. Elle mérite. Voilà. Désolée, je réponds à mon collègue pour ce soir. Hop. Ah oh, putain, Cam Cam à l'aide. Je viens de voir ton message. À l'aide. Je vais ajouter un truc. Alors, merci pour ton info complémentaire. Les klaxons dehors là. Euh,
Bah les points de chaîne tu les gagnes quand tu restes sur la live. Plus tu es là, plus tu gagnes des points de chaîne. C'est pas cette Switch, je commence à prendre la OLED là pour jouer, vraiment pas. Allez. Ça c'est long par contre hein. Je pensais pas qu'on mettrait autant de temps à transférer tous les meubles et là j'en ai vraiment 70 milliards. Je pensais que Maria me dit que c'est bon, j'ai la ville parfaite là. Je pense qu'elle va me dire ça. Les caleçons, non, les klaxons, il y avait plein de bruit en fait. Alors attends, qu'est-ce que tu racontes? Oui, vraiment, Johanna, pitié quoi, que laisser les autres viewers en paix, genre c'est pas eux de gérer vos problèmes avec quoi que ce soit, genre parlez-en au modo ou à moi-même directement sur Insta si jamais. Juste le prénom, non, après ça dépend, enfin si tu t'appelles Manon, tu vois, vas-y Manon, il y en a 50 milliards, par contre si t'as un pseudo, genre, enfin un prénom hyper hors du commun, tu vois, ouais, là il peut te retrouver, tu vois, enfin, on sait jamais. Slay. Roaxo d'ailleurs, je t'ai pas vu revenir. Désolée si je loupe vos messages. Ouais, t'as raison, Sophie. Hein. Putain, à l'aide. Si jamais vous recevez des messages bizarres en MP, genre de personnes qui genre vous dérangent, vous demandent des trucs en mode on peut faire connaissance, machin, machin, remontez-le, pitié, remontez-le au modo ou à moi-même. Ne laissez pas ce genre de fléau rester sur le chat. En fait, le fait que si vous remontez ce genre de comportement vraiment, parce que pour moi c'est un comportement dérangé, faut le dire. Je disais, oui, du coup. Si jamais vous avez un comportement comme ça à remonter, remontez-le directement, genre. N'ayez pas peur ni honte de remonter que vous avez reçu ça, genre. Comme ça, on banne, et en fait, un ban, la personne peut plus venir, peut plus vous faire chier, en fait. Parce que si on laisse, si vous nous dites pas, si vous nous remontez pas ce genre de message, bah, en fait, on peut rien faire, et la personne, elle est encore là, et elle fait ça à d'autres personnes, en fait. Donc, dites-nous, dès qu'il y a un problème comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui vous DM de manière bizarre, ou que c'est trop louche ou quoi, dites-le nous, quoi, direct. Bah non, je le dis, pourquoi? Oh purée, il manque un truc. Salut Kolala, tu slay? Ah, c'est parce que tu mets des mots bloqués, c'est pour ça. Comment on laisse un commentaire sur un ban? Tu mets juste un commentaire modo. En fait, tu fais slash user. En fait, par exemple, quand tu bannes quelqu'un, tu copies-colles le pseudo. Ou enfin, tu l'écris, tu vois. Tu fais slash user et ça va t'ouvrir la fenêtre, comme quand tu cliques sur quelqu'un. Ça va t'ouvrir la fenêtre de modération avec le nom, enfin les messages, les bans tempo, les bans def et les commentaires modérateurs. Et tu mets un message dans les commentaires modérateurs. Ah, le thème, bah, c'est... Enfin, ça dépend à quelle île. Sur celle que je mets les objets, là, c'est Palm Spring. Genre, un peu dans les tombes blancs, etc. C'est une ville un peu californienne, on va dire. Mais ça se fait sur YouTube, ça, par contre. C'est l'île de YouTube, celle-ci, que... sur laquelle je mets les objets, c'est l'île de YouTube, que vous voyez pas là, normalement. Frégeur, vous avez pas vu, ok? Vous êtes pas censé la voir, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai dit à YouTube qu'il la voyait pas sur Twitch, et au final, si. Le TME, fallait trouver d'astuces. Salut Camille, sur quelle île? Précisez, s'il vous plaît, parce que là, j'en ai deux. J'ai les deux là, donc je... Laquelle? Parce que si c'est celle-là, ça c'est Altea qu'on a rasé hier et du coup t'as le code dans le message que Elisa a remis. Ou alors l'autre, il n'y en a pas. On sera aveugle. Ouais, vous avez pas vu, ok? Vous voyez pas. Il hein. Y en a tellement des jardinières. Je viens de YouTube, mais c'est pas grave. T'inquiète, fais genre, ok? Tu diras pas aux autres. Non, en tous les cas, je vais leur dire, je vais leur expliquer la situation. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo qui est sortie samedi dernier, de toute façon. J'ai déjà expliqué que c'est trop galère, etc. Donc que j'allais me donner les meubles et puis basta. Puis ils m'ont dit, en vrai, franchement, go, parce que sinon tu vas faire 50 milliards d'épisodes, ça va être fatigant pour tout le monde et tout, donc autant que tu t'avances, quoi. Voilà. Seb, t'as déposé les objets? Bah, y'a pas de code, alors. Y en a pas. C'est Luby, y en a pas, pour l'instant.
Je mettrai le code de l'île à jour. Il y en a aucun en fait pour l'instant. Donc je créerai carrément le code de l'île que quand elle sera finie pour celle-ci. Comme pour toutes mes îles, hein, mes îles en général, je crée le code uniquement quand c'est fini. J'ai pas envie de vous montrer un truc qui est vide ou qui est pas fait quoi. Je préfère vous montrer un truc bien fini, bien propre, comme à chaque fois en fait. Comme à chaque fois. Les yeux fermés, c'est beau. Fermez les yeux. Ferme les yeux, merci, merci. Merde, j'ai les yeux fermés. Fermez les yeux encore, ouais, un peu. Vous pouvez les ouvrir là jusqu'à temps que j'arrive sur l'île et après vous fermez les yeux, ok? Non, pas les yeux. Pff, ok, super. Super, super. Je vais vous voyager. Allons-y, let's go! C'est parti, les amis! Il y a déjà l'aéroport orange. J'avoue que je fais pas vraiment attention. Je sais pas c'est lequel mon aéroport préféré. J'ai le bleu sur l'Ubi. J'ai orange ici. Je pense que j'aime bien le jaune. En vrai, je fais vraiment très peu attention en vrai, à la couleur de l'aéroport, honnêtement. C'est mieux que tu fasses comme ça. J'adore regarder le let's play, mais ces derniers temps, j'ai l'impression que tu... Bah, c'est ça, exactement, Nania. Je suis grave d'accord. Seulement des meubles, donc beaucoup de vidéos de rush de meubles. Ouais, en fait, c'est ça. J'avais pas non plus. En fait, le truc, c'est que. Pour être transparente, ça m'aurait fait chier de devoir enlever tous les meubles de Altea, les personnaliser et les redéposer en vidéo. Genre, putain, ça aurait été chiant comme vidéo. Alors que là, je vais tourner, je pense, dimanche, ou enfin dans le début de semaine, genre lundi. Limite, si j'arrive vraiment à faire des trucs, je ferai deux vidéos, donc mercredi et samedi, comme ça au moins on avancera un peu plus et je rattraperai l'épisode de cette semaine que j'ai pas pu faire. Mais là, dans ce cas-là, tu vois, on va vraiment pouvoir faire un truc, quoi, et avancer, décorer, faire des trucs, quoi. T'inquiète, Gaëlla, je t'ai dit, y a pas de soucis. Y'a pas de problème, tu l'as mis sûrement quand t'étais pas encore à ce moment-là du live, on a un décalage et tout, y'a pas de problème. Hein. C'est pas grave du tout, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Pourquoi l'herbe est jaune? Ah oui, parce qu'on est en... Ah oui, on est en fin mars, c'est pour ça. Y'a pas de soucis. J'ai laissé profiter de la musique en attendant, pour pas parler dessus. Ma toute première rêve, j'ai l'aéroport bleu. Quand je suis allée chez la pote, elle avait l'aéroport vert, j'ai vu qu'elle avait peint. Oh non, c'est vrai. Oh non. Merci Léa, merci Ta pour le follow, bienvenue. Merci, merci, bienvenue, merci pour votre soutien. Le contenu sera différent et bien plus intéressant et ça avance. J'ai l'impression que depuis toi, c'est... Ouais, c'est ça, je suis d'accord, Nania. Hein. Je suis d'accord. J'avance un tout petit peu, tu vois, mais ça stagne, tu vois, j'ai rien pour finir. Enfin, je crée l'endroit, mais j'ai rien pour finir. Genre, par exemple, je prends un cas tout con, genre ici. Bah, tu vois, c'est vite, quoi. J'ai fait l'endroit il y a deux épisodes, bah, j'ai pas pu meubler parce que j'ai pas les meubles. Donc là, on va pouvoir meubler, on va pouvoir commencer enfin la déco et on sera bien, quoi. Voilà. On va continuer là-haut. Il y en a des meubles. Atelier painting de l'aéroport, t'imagines? Salut Kinza, comment tu vas? C'est un peu marrant. T'imagines? Painting de l'aéroport. Vraiment random l'activité. Merci Mimi pour ton follow aussi. Les codes, t'es tu les mets sur quoi? Ils sont dans le chat là, on les avait remis. Point d'exclamation, c'est où? Ils sont là, dans le chat Twitch. Et je crois qu'il y a moyen que je les ai mis sur YouTube. Je sais plus, faudrait que je regarde. Si je les ai pas mis, faut que je les mette. Mais en général, les codes de mes îles, je les mets durant la visite finale de l'île. Vous l'avez sur la vidéo, je mets le temps qu'il faut pour la carte pour que vous puissiez récupérer les codes. Si jamais, vraiment, tu cherches une île en particulier, tu regardes la visite finale et t'as le code dedans. Salut Zaouroi, comment ça va? J'espère que je dis bien. Ou Zaouroi? Zaouroi ou Zaouroi? Un ou deux? Comment je la prononçais? Je casse tout. Le nombre de jardinières, c'est pas ce que vous croyez. Mais ouais, enfin du coup, je suis quand même contente parce que j'aime beaucoup les motifs de cette île-ci. Je suis contente, vous voyez, genre ceux-là, ils sont un petit peu... Enfin, on dirait qu'il y a des petits trucs verts. Mais alors, c'est pas du tout vert, c'est du gris, mais on dirait qu'il y a un effet en mode de verdure. Donc on dirait que l'herbe, elle est en train de repousser à travers. Enfin, je trouve ça trop mimi, j'aime bien. Enfin, ouroi. Ok, ça me va. Parfait. Si c'est qu'on croit. Tu l'as fait un peu à la mode du faux fifon fec ou qu'est-ce qui se passe là? J'ai fail un peu, oui, parce que j'ai pas compris. Si c'est ce qu'on croit, tu voulais dire?
profil font fake. Si c'est qu'on croit, Lélé. T'es terrible. C'est du schéma, c'est pas facile à déchiffrer. C'est ouf. Oh, par contre, j'ai faim. J'ai envie de faire pipi. Bon. On reprend un truc et pendant le retour sur l'île, j'irai faire une petite pause pipi. Je vais me prendre un petit goûter, je vais me faire un petit thé. Puis comme ça, on sera bien, on sera reparti. Faudra que je vous laisse dans une heure à peu près. Genre à 17h. Un peu avant même. Le temps que je me prépare pour ce soir. Que je trouve quoi mettre comme pantalon parce que je passe ma vie en jogging. Oh, il y a un objet par terre. Un livre. J'aime bien aussi ces motifs de cette île-ci, mais c'est vrai que les autres, ça rend bien aussi. Enfin, nous abandonner, bah désolé. Je vous promets, c'est pas ma faute. C'est parce que je me suis fait réquisitionner par mes anciens collègues, c'est pour ça. Fallait pas que je fasse d'études et que je travaille, hein, finalement. Voilà. Salut Emma. Non, pas salut, merci pour le à boire. Et si, et salut aussi au passage. C'est ton premier message, en effet. Donc si, salut, et merci pour le avoir. La meuf est perdue. T'es réquisitionneuse, tout à fait. Je vais me faire écraser le dos dans 30 minutes. Je suis kiné, c'est ça? Ça se comprend. Je pleure car tu pars. Mais non, mais pleurez pas mes petits loulous. Nous abandonne pas. Mais c'est bon, on a encore une heure là. J'ai trop envie de faire pipi. Oh, c'est bon, on arrive à la fin. Ça, faudra qu'on en recommande plus des rampes de sécu. Je pense que ça va être intéressant. Bisoulou, merci beaucoup d'être passé. Ouais, kiné, c'est ça. Profitez. Mais oui, profitez. Au lieu de chialer. Rouleau qui a pas de tac. Mais profitez au lieu de chialer, là. La grognasse du coin. Je retire. Je retire. Pardon, c'était méchant, je retire. Ah, j'avais pas pu. Ah, purée. Je fais la fête, vu que tu pars. Je gonfle des ballons, gros stuff pour ton cutage de stream. Ah ouais, trop cool Shaima, merci. Mon cutage de stream, ça fait plaisir. Complètement folle celle-là. Zinzine. Clôturé à peu près quand je finis le taf. Parfait. Ah bah voilà, tu vas parfait. Patrouille sur toi. Oh oh oh. De rien, elle me fait des petits bisous. pas grand chose d'intéressant en vrai, Louga, j'ai trouvé. C'est bien pour grandir parce que c'est un bon jeu. Je trouve qu'en vrai sur Switch c'est plutôt pas mal. J'ai envie de faire pipi. Bon, il y aura sûrement une ou deux fois la musique de pause le temps que mon eau chauffe. Littéralement. Allez voir quelqu'un. Multijoueur local. Ça m'a déçu. Il y avait rien de plaisant. Je voulais un Tamodachi. Bah, tout le monde voulait un Tamodachi. Normal. J'ai envie de te dire. Ah non! Pamela, mail! C'est terrible. Allez, vas-y, on y va là, je vais me pisser dessus. Dépêche-toi. Je vais me faire pipi dessus en fait. J'ai peps. Tout est prêt. Allez, let's go, je m'envole. A tout de suite, petite pause. Meilleure musique de la Terre entière, hein, qui est sortie il y a 3 jours. Voilà. Je me suis fait un petit thé. Pêche-mangue. Voilà. J'ai eu un zut l'onglet à planter. Oh, pour qui veut... Pour qu'est-ce qui... Bref. Qu'est-ce qui va le... Tu sais, Minette, t'as loupé ma pause pipi. Égoutée. Voilà ce que tu as loupé. Salut, Alaya. Allez, on va poser. Depuis 3 jours. Allez. Incroyable. Je peux l'écouter en boucle, cette musique. Je l'aime d'amour. Retournons à nos moutons. Par contre, il fait froid dans cette pièce, là. Maintenant, 22. Ça va, pourtant. Salut Nanouille, comment ça va? Tiens du goûter. J'en ai bu 3 aujourd'hui je crois. Non 2. 2, je mens. J'en ai bu 2. Allez là. C'est ça Ruru, merci. Ouais les gars, c'est ça. T'es dans le titre, non? Ouais, c'est dans le titre. T'es en train. Il est veillant. Y'a personne dedans. Ils font des trains vides. Après, on s'étonne que les trains, ça coûte cher.
plaît. Moi j'aime pas le café. Du coup je bois des thés. C'est une Lipton. Vraiment le pire truc quoi. Ouais, je regarde des thés un peu plus éthiques. Et je trouve, mais je crois que ça va être plus cher aussi. Tu juges les trains vides, mais putain, mais Shaima, t'es partout. Elle est partout, cette meuf. Et merci d'ailleurs pour le follow, Laetitia, hors... Enfin, hors... hors jeu. Comme au foot. Bizarre. Les rampes de sécu, je pense qu'on en achètera un peu... Je multitâche, je le savais pas. Bah non, écoute, je le découvre, donc... Ce câble nous fait chier. Là. Ah. C'est l'heure du goûter. Ah mais attendez. J'arrive. J'ai plus de plaquettes. Elle a même pas le permis marché. Schéma. Bonne question. Plaquette, pas claquette. Une plaquette. T'es dans ton erreur un peu faux folle, toi. Non, mais toi, mais... Bref, bref, Schéma, quoi. Toi qui es faux folle. C'est bon, ça a été Daman. Je connais pas du tout. Il y a les thés Pages qui sont pas mauvais aussi. Mmh. Des petites marques comme ça, genre le comptoir du thé français aussi, elles sont ils sont vachement bons. J'avais bien kiffé. On avait ça en fait. L'agence où je bossais avant, elle avait bossé avec eux et du coup, on avait des prix sur les thés. Du coup, on avait une petite boîte à thé dans l'agence, à la cuisine, parce qu'on avait une cuisine et genre équipée et tout, enfin trop stylé. On avait une grosse boîte à thé, c'était que du thé. Le comptoir du thé français, genre vraiment incroyable. Incroyable. C'est un peu plus slayant, si tu vois ce que je veux dire. Bah, ça slaye un peu trop même. Je connais pas du tout par contre le nom là. Ça me dit rien. De toute façon, tu slay, y a que toi qui est sympa ici. Super, Shaima. Et alors tous les autres, ils sont pas sympas les autres? Ce que t'es en train de dire, Shaima? Ça se fait pas. Mais bref. Ah moi aussi, Julie. T'inquiète. Moi aussi. Attends. Quand même. Évidemment. Bon, mine de rien d'ailleurs, là, pour ça j'avais testé, enfin j'ai testé, ça fait un moment que je teste, parce pour faire pousser mes cheveux, la biotine. Et ben, j'avais arrêté pendant genre un mois d'en prendre, enfin 3 semaines, un mois. J'ai repris, bah j'ai revu la différence. Je pensais pas, mais mes cheveux poussaient plus du tout, et d'un coup ils ont repoussé. Ah mais je me suis dit que mes cafards ils sont pas sympas. Non mais ça c'est outrant. Bref, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots perso. Franchement ça repousse un peu. Genre avant, j'ai même pas assez de place pour les faire passer. Avant ils arrivaient genre ici là. Et là ils ont un peu poussé, tu vois. Bon, pas beaucoup mais un peu poussé. Je sens qu'ils sont plus longs, tu vois. J'ai hâte qu'ils grandissent encore pour les faire recouper. Cafard slayant, on n'oublie pas. Ah bah attends, comment on les oublier, j'ai envie de te dire. Putain, mais. Voilà. Si Elsa, toi et tes cafards, vous êtes trop slayants. Bah alors, on se fait menacer. C'était un truc que j'ai acheté sur Amazon. Bon, je sais pas si c'est la meilleure ou quoi, mais c'est de Nutrimea. Genre Nutri comme nutriments et Mea, M-E-A. C'est ce pot-là sur Amazon. C'est de la biotine. Disent que c'est genre riche en zinc et en sélénium. Il y a 120 gélules. Normalement c'est une cure de 3 mois, donc t'en prends pendant 3 mois. C'est une gélule par jour avec un verre d'eau. Complément alimentaire à la vitamine B8, au sélénium, au zinc et aux pépins de courge. Contribue au maintien des cheveux normaux. Le sélénium et le zinc contribuent au maintien des ongles normaux. La biotine et le zinc contribuent au maintien d'une peau normale.
Même niveau de la peau, c'est vrai que j'avais arrêté. Puis je vois, en fait, c'est léger, mais ça suffit pour voir la différence, tu vois. Donc bon, après, je sais pas si c'est recommandable ou quoi. En tout cas, moi, je sais que ça fonctionne un peu. Si jamais tu peux faire point exclamation lurk, t'as la commande qui va pouvoir t'expliquer ce que c'est. C'est un mot vraiment qui est uniquement sur Twitch, ça. Donc si tu connais pas Twitch, tu connais pas le mot non plus. Moi aussi au début je savais pas ce que ça voulait dire. Voilà, t'as la commande qui a été remise. C'est vrai qu'on a une émote de lurk aussi. Elle est tout le monde là l'émote de lurk ou pas? Ou c'est une tier 2, je sais plus. Ah, elle a pas voulu, je sais pas pourquoi. On l'a tous. Ok, si vous l'avez. Ok, cool. Sub G. Ok. Parce que je sais plus c'est lesquels. Non, je crois que c'est la aboire que vous avez pas. Qui est en tier 2. Lolo, tu dis vraiment nimp, hein. Garde le chat là. Gros mytho, va. Lolo, gros mytho. Aboire, on... ouais, elle est en tier 2, c'est ça alors. Et ça, vous en dites quoi, les T1? Bah alors, on n'a pas accès aux émotes de tier 2? Vous avez pas peur? Vous pouvez pas avoir peur? Vous pouvez pas manger de popcorn? Vous pouvez pas slayer avec la coxyquenne? Et être amoureux? C'est dommage. Hein. Franchement, c'est dommage. Flûte alors. Si jamais il reste encore des points, il reste encore 75 points à faire. Hein. Si jamais, après je propose juste. Alors les losers. Ah ouais, carrément. Moi je sens popcorn. Je sais pas lire. Bah alors Lolo, on sait pas lire. Merci Shema. Je suis plus saluante là, je suis désolée, mais là c'est Shiraxu dans le chat qui est saluante quoi. Moi qui lis les coms des T1. Pardon, mais elle est super drôle. C'est super genre autant et condescendant, mais pour rire évidemment. Salut Ein, comment ça va? Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Mademoiselle Choka aussi, j'espère que ça va bien. Salut Capucine, j'espère que ta journée s'est bien passée. Salut Mélissa. Oh la nargueuse, vraiment, regardez-la. En mode malveillance max, là, franchement. La rivalité entre les tiers. De nos jours, vous savez... Les tiens quand ils voient mes émotes. Ein ! Arrête, arrête de me reprendre. J'arrive pas avec ton pseudo. Je vais t'appeler Engine. Allez, je t'appelle Engine. Moi, j'aime bien. Engin. Sinon, le mot engin en français, il est dégueulasse. Je suis désolée, par contre, je peux pas t'appeler comme ça. Engine. Je préfère encore Engine. Salut Engine, ça va? Allez, l'irrespect complet. J'arrive pas avec ton pseudo. C'est Ein, mais tu me dis tout le temps, c'est eh. J'arrive pas. Engin sur nous. Le mot engin en français, il est horrible. J'ai trouvé la biotine, alors let's go. Eh. Arrêtez! Mettez vos accents aussi! On peut même pas faire ça. C'est terrible. Le nombre de personnes! Le nombre de personnes qui subissent le fait qu'on ne puisse pas mettre d'accent sur les pseudos. Ne pleurez pas. Change de pseudo aussi! Toujours plus elle! Mais moi je dis comme il faut, c'est bon, arrêtez. Je suis une victime de la société, c'est bon. Je sais pas lire. Putain, je. C'est un bracelet que j'ai acheté en vacances il y a 7-8 ans. Vous pensez qu'il va me lâcher un jour? Le machin, il est immortel. Genre, maintenant, carrément, il sort de mon poignet sans que je lui demande. C'est terrible. Il est là, il est immortel. Il est là depuis 8 ans, le truc. Enfin, toujours plus long. Toujours plus long. Vraiment, ce bracelet est KO, quoi. C'est un KO technique, là. Je vais me rename Utskrikter Deidzoea. Ça va, c'est facile à dire. Hein. Bref, c'est plus facile que Ein, franchement. Bref. T'imagines? Il a fait Koh-Lanta, il a fait Ninja Warrior, il a fait Koh-Lanta, il a fait Les Apprentis Aventuriers, il a fait des combats dans les flammes. J'ai dit tous les trucs qui me passaient par la tête. Il a fait Fort Boyard également, tout à fait. Merci pour le à boire. Il a fait Pékin Express, tout à fait. Mais moi aussi j'avais ça. Je suis trop deck par exemple avec Dan. Bah du coup quand je suis partie en vacances à Nice,
On s'est acheté tous les deux un bracelet brésilien, le même, pour qu'on ait le même. Et Dan, au bout de deux jours, il s'est enlevé et il l'a perdu. Du coup, j'avais trop le mort, j'étais la mode. Ok, ça marque la fin de notre amitié. C'est la meuf qui est drama queen un peu. Ça marque donc la fin de notre amitié. Et du coup, il l'a perdu, mais moi, il s'est détaché il y a pas longtemps. Moi, je vais t'appeler Kohan. Non, t'abuses, c'est pas dur à dire Kohan. Après, moi, je propose de laisser Google choisir la... comment prononcer ton pseudo. Si Google le dit mal, bah, ce sera son problème. Attends, mais je peux mettre les accents sur Google Trad. Attends. Je sais que j'arrive pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Donc tu m'as dit eh. Donc c'est deux eh. C'est eh in. Mais il va te dire de la merde. Gay in. Vous êtes prêts? Attends, je regarde si j'ai bien écrit. Oui. Ingen. Excusez-moi, c'est en anglais. E accent grave, un G1. Bah ce sera E accent grave, un G1. Voilà. Fallait pas demander plus longtemps. E accent grave, un G1. C'est super dur en plus à dire. Et in, gay in. Bah c'est ce que je dis depuis le début. Mais tu me dis non à chaque fois. Je vais pleurer, arrêtez. Je suis trop sur les nerfs, je vais pleurer. Et un G1. C'est terrible, hein. Il n'y a plus aucun respect. Fais voir comment il lit Google Trad. Attends. Je pense qu'il faut que je fasse des... Attends, je vais faire des espaces pour mettre les syllabes. Et in... A-Y-N, gay-Y-N. Y'a rien à foutre, hein, franchement. Rien à foutre du pseudo. A-In, gay-in. Ah, voilà. A-In, gay-in. Voilà, comme ça. C'est comme ça. Même Google Trad, il y arrive. A-In, gay-in. C'est ça. C'est parfait, c'est vrai. A-In, gay-in. Regarde comment je l'ai écrit, hein, pour qu'il le lise, hein. Renomme-toi comme ça on arrivera à dire ton pseudo. On dirait carrément j'ai parlé en thaïlandais ou je sais pas quelle langue. Tu sais quoi? Je vais enregistrer ça et je vais le mettre sur ton pseudo. Ah non, je peux pas faire ça, je crois que je peux pas encore. Genre, j'allais dire à chaque fois que tu parles, je mettrai genre ton pseudo dit par Google et je répondrai à ta question après. Y'a pas à galérer autant, c'est terrible. Il manque de respect, Google Trad, MDR. T'as un truc à dire à propos du pseudo de... Ein Gain. Ça se fait pas trop, franchement. Je vais le garder sur le côté, comme ça, quand je m'adresse à toi, je pourrais mettre ça. Franchement, c'est un honneur, hein. Tu peux être flatté, hein. Merde. Je peux me barrer, mais je me bloque moi-même. Pour rien. Je vais me renommer comme ça. T'imagines? Mais dis-le avec la même intonation, pitié. Ein Gain. Bah, Ein Gain. Mais c'est ce que je dis depuis le début, mais vous me dites que non, parce que c'est pas le bon accent que je dis. Eh, bah oui, mais c'est pareil. Ein Gain. Ein Gain. Ein Gain. Ein Gain. Voilà. Ein Gain. Ein Gain. Ein Gain, pitié, accepte que je prononce mal ton pseudo. J'y arriverai jamais. Tu sais, moi, mais le peu d'entrain qu'elle donne. Je vais te faire en anglais. I will never get there. I will never get there. J'arrive même pas. I will never get there. Mais elle parle vite comme ça, elle. Et avant, comment ça traduit? Non! Ça m'a tout supprimé. I will never get there. Ok, pas de soucis, ma belle. J'y arriverai un jour. Je vais y arriver. En tout cas, Maxence joue à Splatoon 3. Tout le monde t'a vu. Le pauvre. Spotted! Les compréhensions orales, bilaïques, vraiment de ouf, hein. Never get there. Ah putain.
À l'aide, quoi. Allez, mes clôtures. J'ai l'impression d'avoir encore tellement de choses à mettre. Merci, Mist, pour ton lurk. Merci beaucoup. Je l'ai pas vu, attendez, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Oh my god, j'ai loupé tellement de bonjour. Salut Mélissa, salut Nana, salut Andy, salut Clémentine, salut Pomme d'Amour, salut Lipton, salut Fanny. Salut tout le monde. J'avais une question sur ça avec... à toi avec Prime. Oui, Prime, je touche. Alors normalement, je touche la moitié d'un Prime, donc d'un sub classique, mais ça va changer à partir du mois de mai, je crois, au moins que ce soit déjà en vigueur. Les Primes vont diminuer niveau revenu. On touchera beaucoup moins, enfin genre 50 centimes de moins par Prime, je crois, un truc comme ça. Mais oui, Prime, on touche quelque chose. C'est gratuit pour nous et on touche quelque chose, donc en vrai, c'est sympa, quoi. C'est sympa. Ouh là là, je fais couler du thé sur mon bureau. Tout va bien. Salut la fille, merci pour le follow. Oula, évidemment quand je... Allez. Oh putain, j'avais pas une seule goutte qui est tombée jusqu'à la poubelle et elle tombe sur le pied du bureau. Je pète un câble. On avait pas besoin de ça en fait. Ah, j'étais presque. T'es sur nous. T'as capté, rouleau. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais il me reste beaucoup de trucs là. Putain, il me reste tout ça. Oh, bordel de merde. Pied de poubelle sur nous. Pied de bureau, pas de poubelle. Pied de poubelle. Comment ça, pied de poubelle? Tous ces meubles, faut que je les déplace. Touche nez déjà, purée. J'ai hâte aussi, franchement, de décorer un peu là. Ça, c'est bien dit, Gaïla. This is new. La should be. Francfort, life is easy if you wear a smile. You are yourself, don't ever change your style. Who are toi? I am moi, will believe. Coucou. This is nous. La chouchouille. Ah oui, je suis sans filtre là. Plus jamais je me regarde comme ça. Coup au cul, mon this is nous. Ah, je me suis fail. Coucou, mon this is nous. This is nous. Des paroles écrites par Google. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi beau. Mais t'as bien raison. T'as bien raison, Zahoura. T'as bien raison, c'est vrai. Oui, j'ai inversé le haut et le... Bref. Coq. Cul au cul. Cul au cul. Tu peux rester sous le filtre sans... sous le stream sans filtre. Comme ça. Là. Ah non, sans filtre, c'est ça. Bah, je pourrais. Hein. Merci. J'ai vous Vigi pour ton follow. J'ai tout du chouaou. En fait, il y aura plus que. Trop belle, merci, merci. Il y aura plus qu'un stream sur ça. Hein. Putain, je suis jamais y arrivée, j'ai l'impression là. C'est abusé. T'as galéré à lire, pas du tout. Les nunucles. Oh non. Nunucles. Point exclamation nunucles. Attendez. On va faire lire le pseudo à Google, hein. J'arrive pas à le dire. Donc on va remercier. Oula, merde. Merci pour le follow HXYWIFJ. WIFJ. Ça me va, WIFJ. C'est Mimi, WIFJ. Merci pour mon follow. Merci beaucoup. Oh, punaise. Ta beauté naturelle est mieux que tous les artifices. Merci, je sais, on me le dit souvent. On me le dit souvent. Bonne de zinzin. Je vous déteste d'avance. Ok, la nunucle. Bref, on dirait genre le mot monocle. Nunucle un peu. Ouais, voilà, c'est sorti comme ça.
Désolé, mais on reste beaucoup trop des meubles encore. Carrément, dis-toi, j'en viens à me demander si j'aurais assez de place pour les placer sur l'île, quoi. Bon, je pense que largement oui, mais... En fait, je me rendais pas compte qu'il y en avait autant. Autant. C'est vraiment abusé le nombre de meubles que j'ai, par contre. Pouah. Salut Pépère, merci pour ton... Enfin, si, sûrement merci pour ton follow, je suppose. Si c'est ton tout premier message, j'espère que tu vas bien. J'ai peut-être loupé alors le follow. Face à tout... Je me sens intimidée face à tous ces meubles. Je comprends, franchement, il y a de quoi. Hein. Honnêtement, là, tu vois autant de meubles. Moi, franchement, je me sentirais grave intimidée, t'as raison. Et bienvenue à toi, en tout cas. Non, Alaya, vraiment pas. Si jamais j'ai prévenu sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir mon compte Insta parce que je préviens en fait pour tout ce qui est changement de planning, vidéo, etc. Allez me suivre sur Insta, c'est Cohen-du-bas. Pour tout ce qui est vidéo, tout, ma vie de tous les jours, genre je vous la montre sur Insta, je partage des trucs sur Insta et c'est là-bas en fait que vous vous tenez informé. J'ai prévenu ce matin qu'il n'y aurait pas de let's play demain. J'ai prévenu. Je suis pas intimidée, c'est les meubles qui sont intimidés par moi, bah normal. J'aurais transféré un seul meuble de chaque. T'aurais déjà fini. Bah ouais, mais faudrait que je recommande et tout. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment d'avoir des meubles. C'est les points de chaîne, Pépère. En même temps, en anglais, c'est plus court. Bah ouais. Un abonnement. Un sub. Un abonnement. Twitch a crash. Bah what the fuck. Bon, rien du tout. On a juste refait un aller-retour encore. Un abonnement de niveau Lolo. Attention, t'oublies un mot. C'est plus stylé aussi en anglais, oui. Oui, il faut dire les termes, oui. Merci encore en vrai pour ton sub, ça fait trop plaisir. My name is... Ah ouais. Ah merde, putain, j'ai enlevé. Dis-moi que je l'ai. Ah non, je l'ai plus, fait chier. Je l'avais écrit. Zerua, t'es vraiment une zanzine. T'es vraiment une zanzine. J'allais te dire un truc, mais non, je peux pas te spoil. Tu verras en temps voulu. Vous verrez tous en temps voulu. Ah, let's go, mail, trop cool. Normal, j'ai envie de te dire. La pam, en fait. La pam. Dommage que j'ai pas pris sa tasse. J'aurais pu prendre sa tasse et j'aurais eu la grosse tête de Pamela là. En rose, parce qu'elle slay. Ah, non, non, t'inquiète, y'a rien de... Mais tu seras contente, je pense, quand tu verras. Mais je peux pas te dire plus. Mmh, rouleau. Quoi, Aksu? Alors non, en fait, tu vas pas dire que Zorua est une zinzine, sinon je te hashword de ton île à CNH, je vole tous les meubles que t'as transférés sur Luby. Mais toi, t'es vraiment une vilaine. Toi, t'es vraiment la vilaine du quartier, quoi. Je suis choc-barre. Elle veut me voler mes affaires. Toi, t'es le genre de personne qui raquettait les goûters des gens en primaire. Pff, bref. Trois petits points. C'est pas ce que tu crois, Zorua. C'est pas... Non. Non, regarde, ils sont là, regarde. C'est pas vrai. T'as entendu ça, mais je sais pas qui l'a dit. Mais bon. C'est pas vrai. Shema, oublie pas que t'as sauvegardé ton île de nuit avant de faire la mariole. C'est vrai, Shema, elle a mis son île à jour de nuit alors qu'elle était censée être de jour en plein soleil, en plein cagnard, tu sais. Bloc Shiraxo. Chapeau, chapeau. Je sais pas comment on pourrait faire. Je tiens à l'œil, ok, ok. Je fais attention, alors si t'as mis un spook muscle. Pff. Attends, parce que là, vraiment les modes de base est drôle avec la tête de spook en plus, c'est vraiment random quoi. Spook muscle. Le pauvre, y'a rien demandé, il se retrouve sur ce truc. Je me remettrai jamais vraiment. C'est dommage en vrai, mais c'est pas grave.
Ça donne un style, ça fait genre, tu sais, il fait tellement chaud qu'il faut être de nuit, tu vois. Parce qu'il fait trop chaud, tu comprends? Oh, Shiraxu qui me défend. Ça me perturbe vraiment qu'il s'appelle Shiraxu. Est-ce que quand tu pourras reprendre un autre pseudo, tu reprendras Axu 22 ou est-ce que tu prendras genre Axu 23? Vraie question. Je suis ton bouclier. Normal, comme Pokémon. T'es mon Pokémon bouclier. Axu 24. Pourquoi 24? Il fallait 24. Lolo. C'est de l'acharnement. Hep hep hep, attention majuscule. Tu en as trop mis. C'est Lolo, il l'a pas de 10 secondes. Ça a supprimé tous ses messages. La pauvre, bien fait. Bon, je pense qu'on se fait encore un aller-retour. Après, j'arrêterai là. Parce qu'il va falloir que je me prépare. Parce qu'après, je pars dans pas si longtemps, en vrai. Il va falloir que je regarde la température. Il y a un grand soleil, là. Il n'y a plus de nuages. Il n'y avait que des nuages. Et ils vont tous revenir. Il faut que je regarde s'il pleut, comment je m'habille. Il faut que j'aille à ma boîte aux lettres aussi, parce que j'ai des colis. Bref, j'ai trop de trucs. Dernier aller-retour et après, on s'arrêtera. Vous êtes tous les mêmes ici. Bref. Stop, stop, stop à la violence. T'inquiète, Pépère, on rigole. Allez, un petit dernier. Y'a qui est en stream, là, qu'on peut raid des copains? Y'a pas un copain qui stream sur Animal Crossing, là? J'ai pas encore regardé. Dites-moi s'il y a des cops à raid. Des recommandations? Je sais pas, c'est le Poutine Ball de la chaîne, la pauvre. Mais non. C'est elle se met comme ça. Y'a Sen sur... Ah, y'a Sen, trop cool. Y'a Fluffy, elle est sur quoi, Fluff? Ça fait super longtemps que j'ai pas pu raid Fluff. Fluff, pardon, j'ai roté. Voilà, j'ai roté. Dans ma gorge. Comme ça, vous entendez pas. Là, on va laisser tous les lampadaires là, parce qu'on s'en fout. On va prendre que les lampadaires bruns. Ah, les deux sont sur Coral, ok. Fluff a arrêté. Ah, merci, Kozu. Décevant. Termine son live, ok. J'espère qu'elle raid Send. Bon, bah, elle a fini. Bon. Putain, on pourra jamais l'arrêter, celle-là. Fais chier. Tant pis, tant pis. Parce qu'à chaque fois que genre Fluff elle stream, quand on stream en même temps, en général j'essaye toujours de raid des plus petits streamers, etc. pour donner de la force. Mais là, un vendredi après, mais tout, en vrai j'aurais grave plus la raid, mais tant pis, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'elle a pécho? Est-ce qu'elle a pécho ou pas encore? Moi je suis encore loin de pécho. Pourquoi tu veux la raid? Bah parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas raid Fluff, vu qu'elle stream tout le temps avant moi. Elle est jamais après moi en général ou quelques heures après, donc du coup j'arrête avant qu'elle commence son live, du coup bah je peux pas la raid. Je vais voyager. Mon prochain live c'est de... Non, dimanche à 14h. Demain je vous dirai, enfin je vous tiens au courant si demain soir j'ai envie de streamer ou pas. Parce que c'est mieux de raid que de blue, c'est vrai Lolo, t'as raison. Salut Mina, ça va et toi? Je vais aller regarder après Yaki. Parce que j'ai des recommandations pour vous. Peut-être que vous savez pas. Pas drôle, brief. À part dimanche, quand toute la semaine à 16h, midi, les mercredis et le week-end 14h. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur ce chat? Relégio. Fois sirène sur nous, Axo. Ouais, mais putain. Je suis en train de faire du boulot, je suis en week-end, ça c'est une bonne nouvelle. Être en week-end, be like. Mais du coup, ouais, demain je ne stream pas parce que mes parents viennent me voir finalement. J'avais mis que du coup je streamais le week-end, mais je ne pourrais pas malheureusement. Je ne pourrais pas. Mais écoutez, en vrai, on va peut-être aller Red Sun. Il n'y a personne d'autre sur Red Sun. Elle a commencé quand? Elle est où? On s'est à 2h. Ok, bon, on va pouvoir aller raid. Je me spoil pas. Ah, je regarde pas trop. Voilà. Sinon, pas, je me raid. Enfin, je me raid. Bref.
me spoil, me raid. Je vais m'auto-raid. On m'a mis des bagues mardi et j'ai pas mal. Bah, des fois, ouais. En fait, tu vois, les bagues, ça dépend si t'as vraiment beaucoup de... Enfin, si tes dents, elles doivent beaucoup bouger grâce au traitement des bagues, ouais, ça peut te faire mal. Mais si t'as pas mal, franchement, c'est que ça a pas encore beaucoup bougé, que ça va, mais ça va venir plutôt après. Bon, en vrai, c'est pas... Ça fait pas mal, c'est juste ça te tire et en vrai, tu t'habitues quand même. Ouais, c'est ça, Pépère. Après, si tu veux, il y a le planning qui est sur mes réseaux sociaux. Je le mets sur Instagram. Mais je vous le redis, mais venez me suivre sur Insta. Je mets tout sur Insta. Je vous préviens des lives et tout. Je vous dis quand je commence. Je vous dis quand je suis un peu en retard. Je mets tout sur Instagram. Voilà, il y a le planning, il y a tout. Il y a le serveur Discord aussi, si jamais. Je vous remets. Et il y a la chaîne YouTube aussi pour les vidéos. N'hésitez pas. Comme ça, vous êtes au courant. Il y a un salon qui s'appelle Planning sur le serveur Discord où je vous tag quand je fais le planning. Venez sur Insta, c'est drôle. Ouais, des fois, c'est un peu drôle. Je suis un peu drôle des fois. Moi je suis sur Insta. Ah mais ça c'est parce que tu slays, oui, hein. Si vous êtes vraiment des slayers originels, bah vous me suivez déjà sur Insta. Non, en vrai franchement Insta c'est pratique pour discuter etc. Puis en vrai moi j'aime bien suivre les gens que je regarde sur Insta. D'un côté ça me fait me sentir en quelque sorte un peu plus dans la vie du créateur. Parce que souvent bah sur les streams vous voyez que ce cadre là, que ce qu'on fait là. Mais vous voyez pas l'extérieur de tout ça. Sur Insta en général les créateurs se dévoilent un peu plus, ils mettent des photos, ils mettent des stories genre dehors, dans d'autres cadres, et ça fait, enfin c'est cool en vrai je trouve de pouvoir voir des personnes dans d'autres cadres. Oh, le truc de la fête des œufs là, hop. Enfin, moi je trouve ça sympa. Et salut Aiko, t'arrives à la fin, on va pas tarder à s'arrêter. Pas la gueuse, mais sachez qu'elle a la tronche de quelqu'un qui s'est levé à 2h du matin, la pauvre. Avec la clou, c'est parce que tu slays trop, c'est pour ça. Normal, j'ai envie de te dire. Un caillou à la mer. Mais non, il était sur le bord, il regardait la mer. Je suis en train de me dire, en vrai, il est mignon. Le petit caillou, là, il est tout petit. Et son papa, et le petit enfant qui est en train de jouer à la mer. Et salut Gaïa, vous arrivez à la fin du live, les petits loulous. Aujourd'hui, je finis plus tôt que prévu. Je vais d'ailleurs même pouvoir fermer la session, parce qu'on va s'arrêter là. Hop, terminé la session. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Faudra que je fasse le transfert. Je le ferai de mon côté quand je rentrerai. Si ce soir je suis motivée, je le ferai. Sinon, je le ferai demain matin ou dès que je pourrai, quoi. Voilà. On va faire comme on peut. Vraiment, elle est toute fripée de sommeil. Oh la peau!